Hello tout le monde, très heureux de vous retrouver parmi nous pour cette 8e journée de G-League 1 Uber Eats. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien en cette semaine pour vivre encore une fois beaucoup de spectacles. À nos côtés, Jim et Aro sont avec moi en plateau aujourd'hui pour pouvoir analyser et débriefer les matchs de ce mardi. Comment ça va, Jim? Bah écoute, ça va super, et vous les gars, en forme? Très bien, très bien. La grande forme, la grande forme. Aro, tu vas bien toi? Ça va très très bien, très content, une belle journée et en ce moment tout se passe bien, donc on espère que la Ligue 1 aussi ira très bien. T'es là et t'es en place pour longtemps, on le sent, Aro. Hein. On espère, surtout on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait et qui pourrait évidemment prendre nos places, parce que voilà, ce sont des places que tout le monde veut avoir. Exactement, exactement. Pourquoi? Parce que cette émission est si fantastique qu'on a tous envie d'y participer. Mon cher Dims, mon cher Aro, on va pouvoir commencer cette émission évidemment avec le but de la semaine. On s'est régalé la semaine dernière avec beaucoup, beaucoup de buts. 4 rencontres au programme le mardi, pareil le mercredi, et le plus beau but a été inscrit ici entre le LOSC et la JR. On vous laisse vivre ça dans les conditions du direct. On va aller trouver un décalage. Marquis qui va trouver Zaïre-Emery encore avec Dante. On va aller sur le côté gauche. On est à l'heure de jeu déjà. Est-ce qu'on va centrer? Bien sûr, on va aller changer d'aile avec encore une fois Nordi Mukiele. On va aller au deuxième poteau. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un petit plaisir visuel, mais un grand plaisir pour Brian Savary visiblement, qui a été en extase devant ce but. Aro, t'étais au cast, ouais. T'as vibré toi aussi, hein. Ah, j'ai vibré puisque Brian a fait littéralement trembler l'intégralité du desk. Non, voilà, c'est pour revenir sur ce but, beaucoup d'inspiration. On le disait avec Brian pendant le match, c'est un petit garçon qui a ramené son style de jeu vraiment, qui a vraiment un style atypique, et il le montre sur ce genre de but où changement d'aile, player lock, deuxième poteau. Non, beaucoup d'innovation et un personnage qui nous fait vibrer, notamment sur les buts de la semaine. James, le but de la semaine by Uber Eats, le joueur de la semaine by Uber Eats également. Il y a un joueur qui a particulièrement brillé la semaine dernière, manette en main. Et puis après, sur les réseaux sociaux, il va s'afficher à l'écran pour pouvoir découvrir le joueur plébiscité. C'est Ilias Elraza Zancanté, le joueur du Paris Saint-Germain eSport. Ah oui, ce bon vieux Ilias qui est venu se régaler et qui vient récupérer ce joueur de la semaine assez mérité. Ilias qui nous a aussi gratifié toujours un petit peu de divertissement, lui et ses belles célébrations. C'est toujours un plaisir de l'avoir quand on le croise en plateau, toujours très sympathique le jeune Ilias. Donc bravo à lui pour ce joli titre qui lui fera du bien. Et petit point, comme chaque semaine, sur le classement des meilleurs buteurs de la compétition, avec beaucoup de joueurs avec de fort belles moyennes. Et c'est toujours Fouma qui est en tête de la compétition, mais rejoint à égalité par Lex, 3,29 de moyenne de buts par match dans ce top 5. On retrouve également Djilo, Iliane et Rezia. Voilà pour ce top 5 des meilleurs buteurs. On va pouvoir également parler des meilleurs défenseurs de la compétition à présent, avec des joueurs qui ne prennent que très peu de buts. Et c'est Brice pour 0,01, ouais. Mon cher Aro qui est devant Leandro Junior. Ouais, c'est ça, Brice qui a montré un petit peu l'intégralité du panorama de ce qu'il savait faire sur les différentes semaines, et qui est aussi à l'origine de cette équipe clermontoise et de son classement qu'on va voir juste après. Derrière, suivi de très près par un Leandro Peixoto aussi, dans un profil un peu différent cette saison, plus dans la solidité, dans l'efficacité, que dans le joueur feu follet qu'il a su être. Donc voilà, il faut le signaler, et ça traduit aussi très bien le positionnement des deux clubs dans le championnat. Petit point classement à la fin de cette 7e journée G-League 1 Uber Eats. Vous l'avez déjà découvert la semaine dernière ou sur notre site internet, c'est l'Olympique Lyonnais qui est en tête à l'heure actuelle, 14 points, talonné de près par le FC Lorient avec 13 points, avant de voir un quatuor à 11 points, le Clermont Foot 63, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille et le Racing Club Strasbourg-Alsace. On est en embuscade juste derrière avec 2 points de retard pour le FC Nantes, un petit peu plus puisque c'est 4 points de retard déjà pour les Girondins de Bordeaux, et plus encore pour le LOSC, la JA, le MHSC, l'AS Monaco et l'Estac. L'agenda du jour, pourquoi? Parce qu'on va avoir des rencontres importantes dans ce haut de classement, des rencontres importantes en vue des playoffs, et notamment dans cette journée d'aujourd'hui avec Dims, un premier match à 19h entre le FC Nantes et le LOSC, qui lui va déjà avoir beaucoup de valeur, notamment pour le LOSC qui joue un peu sa survie. Oui, un match très très important pour des équipes qui sont aux portes des places qualificatives pour les playoffs. Derrière, on aura l'Estac qui va forcément avoir besoin de se sauver et d'aller chercher là aussi le 3-0 qui est obligatoire, en tout cas les 3 points dans le BO. Et on finira avec une très belle affiche, Girondins de Bordeaux et AS Monaco. Et surtout, Canto, pour demain, on a des rencontres avec 6 équipes, et 6 équipes qui sont positionnées dans le top 6, donc ça Exactement. Va vraiment être la crème de la crème. Ah ouais, c'est vrai, on va vraiment se régaler tout au long de ces deux jours, de ce mardi et de ce mercredi. Messieurs, on va commencer directement avec la première affiche au programme de cette journée. On vient un petit peu d'en parler, ce FC Nantes face au LOSC. Et là, mon cher Aro,
une affiche comme on l'a dit où les Nantais partiront peut-être un petit peu favoris de par leur classement. Ils sont mieux classés que les Lillois, mais en réalité ça reste quand même un match assez homogène avec notamment un Rocky qui a gagné un match d'appui la semaine dernière, et ça aussi c'est important pour sa confiance. Très important pour la confiance du Lillois. Attention, match vraiment coup près pour les deux clubs, puisque Nantes, on le rappelle, 9 points à 2 points du 6ème, mais avec un match en retard. Donc Nantes peut encore largement recoller au peloton de tête, et pour les Lillois il n'y a plus le choix, il faut cumuler des points, et cette première affiche qui va opposer Faucheur à Eliane, voilà, le choc des générations, hein, vraiment dans ce match. D'un côté, on va envoyer les jeunes sur ce premier match, de l'autre, on va envoyer les anciens. Ça va être un match incroyable, et je sais que Brian Savary a hâte que ça arrive. Ouais, Brian Savary va forcément se régaler entre des joueurs qu'il connaît très très bien et qu'il a coaché notamment. Oui. Mais avant ça, on va parler des plus jeunes, James, des joueurs qui sont là récemment dans la scène. Alors, Ilian un petit peu plus récemment que Faucheur. Mais ça, c'est un match qui devrait quand même nous apporter pas mal de spectacles et surtout beaucoup de buts. Oui, oui, ça va être explosif. Je pense que ça va être un véritable plaisir à caster pour les concernés. On le voit, Faucheur, avec un début de saison un petit peu plus en demi-teinte. On en attendait sans doute un peu plus de lui, qui a un style de jeu aussi fantasque. Alors, pas aussi fantasque que celui d'Ilian Bouchy, mais voilà, qui nous a habitués à être offensivement extrêmement intéressant. Il est en 3 victoires, 3 défaites. Donc, pour le moment, c'est comme on l'a dit, en demi-teinte. Et de l'autre côté, on a Ilian Bouchy, voilà, qui fait un très, très bon début de saison avec Brice. Hein, c'est vraisemblablement les deux qui vont un petit peu se bagarrer pour le titre de Rookie of the Year, avec 7 victoires, 2 défaites à son actif. Il a souvent été là pour le LOSC, il a souvent été là pour essayer d'aller chercher les points. Maintenant, il devra mettre dans de très bonnes conditions Rookie pour sa confrontation face à son ancien coéquipier. C'est aussi toujours un moment un peu spécial à passer. Alors, deuxième affiche importante, Dax Rookie, duel à l'ancienne, on l'a dit, des joueurs qui ont un style de jeu très posé, qui aiment énormément garder le ballon. Ça va être un match un peu particulier à suivre, hein, sur FC24. Ah oui, c'est incroyable comme rencontre. Ces deux joueurs qui étaient coéquipiers l'année dernière, coachés par un monsieur qui était coach et qui maintenant est caster. L'un était Lillois, maintenant est Nantais. Il n'y en a qu'un qui a gardé son chasuble dans cette équipe. Donc vraiment un gros match entre un Rocky qui est revenu fort dans le match d'appui face à Pastèque, loin d'être gagné, hein, ce match d'ailleurs, et il est réussi à aller le chercher. Et un Dax, voilà, qui n'est pas à demi-teinte, mais un bon joueur, capable de gagner tous les matchs, capable de faire des différences dans les rencontres. Un joueur offensivement plus inspiré que l'année dernière, plus en confiance. Donc on a hâte de voir ce Nantes-LOSC, et ça nous présage une énorme, énorme pression, je pense, entre les deux joueurs. Ah, beaucoup de pression entre ces deux joueurs. Messieurs, on va pouvoir parler maintenant de l'Estac face à Montpellier, parce que là aussi, c'est une affiche avec beaucoup de pression. Pourquoi ? Parce que deux équipes très, très mal en point au classement, on le voit, 11e et 13e, James. On sait que pour l'Estac, c'est désormais très compliqué déjà d'espérer un top 6. Il va falloir avoir des victoires avec bonus. Pourquoi pas ce soir aller chercher 3 points pour l'Estac, hein. Mais en tout cas, malheur au vaincu, on a envie de dire que l'équipe qui va perdre sera quasiment dehors déjà. Oui, oui, là on a absolument besoin d'aller chercher les 3 points d'un côté comme de l'autre. Heureusement qu'on n'a pas le match Ravsou-RVP, sinon je pense qu'il aurait eu sa carte en combat co-principal avec Baki Doumbé jeudi prochain, parce que les deux, ils sont un petit peu bruts de décoffrage, ça aurait pu se marbrer comme on dit. Les deux équipes sont en situation d'urgence, et je ne parle pas de gâteau, ouais, bien évidemment. Les deux équipes en situation d'urgence, ils ont besoin d'aller chercher ces points. L'Estac encore plus que le MHSC, puisque l'Estac, on l'a vu, c'est 7 journées, seulement 2 petits points. Même en faisant un parcours légendaire, on ne sait même pas si ça va être possible. Donc on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Quentin? Ah, et puis la merde, ma blague. Ouais, c'est vrai, ouais, t'es un peu naze. T'es un peu naze, mais moi j'aime bien ce petit peu. Non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Éclaté, pas comme ce match, Aro. Mais non, RVP Legends, ça, c'est pas un match éclaté. Ah non. Et c'est un match qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Pourquoi ? Bah parce qu'on en attend beaucoup de Mensa. On voit la dynamique est très négative. Et face à lui, il va y avoir quand même un beau client. Ouais, c'est ça, un beau client, un Mens qui avait été loin d'être ridicule sur la dernière rencontre, sur les deux dernières rencontres qu'il a jouées. D'ailleurs, ils étaient venus en LAN, encore les Troyens, ça n'avait pas tourné en leur faveur, mais on les sentait quand même de se revivre un petit peu. Malheureusement, il n'a pas réussi à clore le BO, Mens, mais il est revenu avec une victoire. Et RVP, il prend des matchs, mais on l'a senti, il y a de la tension à Montpellier, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sent que c'est un peu difficile parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans la compétition comme on l'aurait voulu. On a un Dami qui est vraiment... On a la clé dans le démarreur, mais ça n'arrive pas vraiment à démarrer. Et de l'autre côté, on a eu cette interview, moi j'aime bien rappeler, voilà, avec Dims, on a senti RVP très tendu sur le sujet de « il y a un troisième joueur ». Et voilà, chacun son avis, est-ce qu'on a envie de voir Rezaf jouer ou pas ? Moi je pense que Montpellier, surtout, à défaut de savoir qui va jouer, il faut savoir comment on va gagner maintenant. Ouais, c'est vrai, Dims, il y a ce match entre Damy et Ravsou. Aro a parlé de clé dans le démarreur, il a cassé la clé un peu dans le démarreur, on a l'impression. Lehmann est encore présent sur le volant pour le coup. Et la deuxième affiche, bah, forcément, entre...
un Damy et un Rafsou, bah Damy, il voit la vie en rouge. Hein. Là, on l'a vu. C'est, bah, il a gagné le premier match et là, c'est chaud. Il avait gagné, ouais, le premier. Il est sur une streak de 5 défaites, donc forcément, mentalement, un petit peu au fond. Un Rafsou qui, lui, a su. Toutes les places ont été réservées au premier rang chez Damy. Hein. Effectivement, il y a plus personne, un peu compliqué. Et puis Rafsou qui a essuyé une bévue lors de la dernière rencontre, qui avait réussi à prendre son pari et son défi, on s'en souvient, face à Eliane Bouchy, mais malheureusement ça n'a pas suffi à le relancer complètement dans sa compétition. Donc ce soir, pas de cadeau, hein, y a un homme à terre, il suffit de l'achever désormais du côté de Rafsou. Il va falloir faire au mieux pour les stacks, pour aller chercher, on le rappelle, 3 points qui sont absolument nécessaires. Ouais, 3 points nécessaires pour les deux équipes ce soir. Malheur au vaincu donc entre cette équipe du MHSC et de l'Estac. Bordeaux-Monaco, troisième rencontre au programme dans cette journée avec des Bordelais qui, eux, ma foi, vont plutôt pas mal. Hein, 8e au classement à l'heure actuelle. Ils peuvent encore prétendre à cette qualification pour les playoffs. En revanche, l'AS Monaco, Aro, c'est tout simplement la plus grosse déception de cette saison. Ouais, pour l'instant, l'AS Monaco, c'est la grosse déception mathématiquement pour eux, comme pour les Stacks. C'est pas tout à fait fini, mais il va falloir des victoires par 3 points pour eux. Et face à eux, une équipe des Girondins qui revient quand même fort. Surtout Karim, on a senti très très fort sur le match en LAN. C'est Marwan qui disait à mon micro en interview que lui se sentait pas encore au niveau, que la pause l'avait aidé, mais pas assez à retrouver l'intégralité du niveau qu'il a envie d'avoir. Donc maintenant, il va falloir se réveiller et vite pour ces deux clubs. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que demain, il n'y a que des équipes du top 6. Et bien aujourd'hui, il n'y a que des équipes du top 7 à 13. Donc toutes les équipes doivent absolument prendre 2 à 3 points pour se relancer. Tiens, Aro, je vais te laisser la main parce qu'il y a la première rencontre entre Karim Isbak et Yasko. Hein. Karim Isbak en grande forme. Et Yasko qui, lui, doit préparer une échéance importante avec l'Euro que tu vas commenter. Oui, c'est ça. L'Euro, je vais commenter, oui, mais que la fiche qui est là. Hein. Vraiment pas le reste. Mais effectivement, par contre, mon cher Kanto, Karim Isbak face à Yasko. Yasko qui va représenter effectivement l'équipe de France dans cet Euro 24. Attention, parce que Yasko, voilà, on sent qu'il a du mal à démarrer. J'en ai parlé un petit peu avec lui. Il le vit pas très bien. C'est pas évident. C'est un rookie. Il faut lui donner ça, même si Karim est techniquement aussi un rookie de Ligue 1. Ça va être un match ultra serré. Deux joueurs qui se connaissent très bien, qui se respectent, parce que deux joueurs avec énormément de talent, qui sont plutôt tournés offensivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est deux joueurs qui aiment bien garder le ballon, à faire des phases rapides vers l'avant. Et donc, on va voir lequel des deux va être le meilleur à ce petit jeu-là. Et du spectacle, on en aura également dans la deuxième affiche entre Marouane et Adérix, James, avec un Adé qui va avoir à cœur de gagner. Sauf que Marouane est quand même plutôt solide hein, ces derniers temps. Oui, Marouane est solide. Et comme Harold l'a souligné, même s'il ne se sent pas non plus dans la forme qu'il aurait espéré, il revient petit à petit. On sent quand même que cette formation bordelaise, même quand il y a des bévues, c'est à peu près OK. Dans la mesure où j'étais en train de regarder, ils ont plus de défaites que de victoires, mais ils sont positifs en termes de goal average, ce qui veut dire que c'est une équipe qui, quand elle roule bien, elle roule sur l'adversaire directement. Ça marque beaucoup de buts, c'est en confiance, donc à voir comment ils vont s'en sortir. Et puis surtout que si Yasko venait à perdre ce premier match face à Karim Isbak, je pense que derrière Marwan, pour venir aller chercher les 3 points et éteindre Adérix et en profiter peut-être sur le manque de confiance de cette formation monégasque, il serait plutôt bien placé. Donc à voir, ce serait une très très belle rencontre, je pense, ce soir. Voilà pour les rencontres au programme pour cette première journée, pour ce mardi. Messieurs, on va parler d'un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 13 mars, du côté de Strasbourg, avec notamment le Racing eSport Live Show 2024. L'année dernière, on avait déjà vécu une rencontre du Racing... Ça se moque de mon anglais là-bas. On avait déjà vécu une rencontre du Racing Club Strasbourg-Alsace qui s'était jouée sur place. Et cette année, de nouveau, hein, là, il y a une co-organisation entre Hager Group et le Crédit Agricole Alsace-Vosges et Adidas, pour de nouveau faire un événement sur place. Le RCSA va évoluer face au LOSC avec un événement et notamment une billetterie qui sera mise en place pour pouvoir participer à cet événement directement du côté de Strasbourg, avec évidemment des animations, les matchs à suivre, des matchs commentés et également 5 €, donc pour ces places à récupérer avec un goodies, et les bénéfices seront reversés à l'association Femmes de Foot. Donc voilà une fort belle action et l'occasion de pouvoir découvrir de l'e-sport sur place si vous êtes du côté de l'Alsace. Allez-y, Aro. Ouais, carrément. Et je voulais le dire, l'année dernière, c'était une vraie réussite. En vrai, c'était un projet super sympa à suivre. Il y avait une intervention aussi de la LFP. Et puis, cette saison, il y a eu une énorme communication autour de ça. Le Crédit Agricole, côté alsacien, a fait une énorme com sur plein de gens. Je le dis parce qu'il y a des gens de ma famille ou des proches qui ont reçu des invitations. Ça va être super sympa. Donc, si vous êtes dans la région, si vous voulez suivre ça, ce sera évidemment avec plaisir. Et puis, en plus, c'est pour la bonne cause, pour soutenir Femmes de Foot. Donc, c'est super sympa et ça va être un super projet qui soutient la Ligue 1. Et justement, pour promouvoir ce match qui aura lieu la semaine prochaine, nous, on va avoir un petit match ce soir avec deux joueurs
qu'on connaît, notamment un certain Rémi Cabella qui va représenter le LOSC. On va avoir Monsieur Perrin également, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui va représenter lui le Racing Club Strasbourg-Alsace. Et ils seront à nos côtés, messieurs. Bonsoir, bonsoir Rémi, bonsoir Lucas. Merci d'être avec nous dans cette émission. J'espère que vous allez tous les deux très très bien. Bon, Rémi, je vais commencer avec toi. On sait que toi, t'es chaud sur FIFA. Non, arrête. Si, Rémi, on est obligé, Rémi. Faut pas dire ça. Non, faut pas dire ça. Parce que Lucas, après, il va dire quelque chose. Essaye de te cacher. Rémi, toi, t'es bouillant sur FC24. C'est la première fois que tu vas représenter le LOSC, finalement, manette en main. C'est une grande première. Ce sera peut-être ton unique sélection du côté du LOSC. Faut pas la perdre, celle-là. C'est ça, exactement. J'espère que je pourrai prendre la place à Rocky et Ilian après. Donc, je me prépare. J'espère que le coach est en train de me regarder. Continue à gagner ta vie dans le foot, c'est un peu mieux payé pour le moment. Après, peut-être que l'e-sport un jour, ce sera mieux pour toi. Mais là, pour le moment, tu peux encore profiter. Hein. Tu peux encore profiter. J'espère. Bon, Lucas, toi, ton niveau, c'est quoi sur FC24 parce que... Dis-moi. Catastrophique, hein. Rémi, il est deux fois meilleur que moi. J'arrive à te punir et à te mettre une manita là. Alors, on va tout faire pour éviter ça, quand même. T'es un défenseur en plus, Haro. Ouais, Lucas, tu vas te cacher derrière. Je suis le contender aujourd'hui. Voilà, je vais pas trop donner. Moi, je sens qu'il y a du ballon à Strasbourg. Je sais qu'en plus dans le vestiaire, je suis sûr qu'il y a des petits jeunes qui jouent. Comment est-ce que ça se prépare un peu là du côté du RCA? T'as jamais joué un peu contre D'Angelo, des petits comme ça? Honnêtement, il n'y a personne qui joue à FIFA dans le vestiaire. Ah ouais, sérieux? Il n'y a personne qui joue. Ouais, personne. Je crois que c'est incroyable. Vas-y. Je crois que je suis le seul qui joue à FIFA dans le vestiaire. Et encore, la seule fois où j'ai joué à FIFA, c'était en janvier, juste pour la Tochi. Quel mytho. Rémi. Il n'y a que des mythos. C'est incroyable quand même. Ouais, moi, j'ai joué, ça fait longtemps, ça fait 6-8 mois. Et ils ont joué il y a quelques jours. Là. On les connaît, ces gens-là. Ah. Non, salut comme les gars. Dit tout à l'heure, que la Toti sur FIFA en janvier, c'est tout. que pour la Toti, on imagine le cas. Bon, les gars, est-ce que vous pouvez nous spoiler un petit peu? Vous avez préparé une petite composition? Vous avez un truc préférentiel ou on va y aller au feeling ce soir? Non, tout est préparé. Faut juste ma compo ou pas? Si tu veux, voilà, une petite surprise, comme tu veux. Ouais, j'ai une petite surprise. Mais 6 offensifs, il y a une petite surprise dans mes 6. Dans mes 6 joueurs offensifs. Est-ce qu'il y a Rémi Cabella devant Rémi? Ouais, il est là. Il est caché. Évidemment qu'il y a Rémi Cabella. Bon, messieurs, on va préciser, vous allez jouer en mode 95, donc il n'y aura pas de différence entre l'effectif du LOSC et du RCSA. Il y a peut-être la taille qui peut faire la différence dans ce mode. On sait que les grands joueurs sont souvent privilégiés pour être titularisés, mais en tout cas, dans ce mode-là... C'est pour ça que je me suis mis attaquant. Tu vas pouvoir planter dans le but de Rémi. Messieurs, vous pouvez lancer le match si vous voulez, si vous êtes bouillant. Ça y est, c'est le moment de se la donner là. C'est bon, allez, la caisse de général, encore heureux que je vais devant. c'est la première fois que tu as une note aussi haute sur le jeu, Lucas, Rémi. Mais bon. Rémi, 99 en vitesse, 86 en. Lucas, prends une photo. Prends une photo, tu la gardes celle-là. En frérot, 86 en dribble. C'est 86 en dribble, c'est vrai qu'il y a des belles stats boostées. Là, ben voilà, on voit ta carte à l'écran. Ah ouais, 90 plus 8 en vitesse. Ah ouais, ça c'est. Ah oui, Lucas. Il t'en met bien, Lucas, là quand même. Ah, ouais. Par contre, Lucas, il a plus la pression là qu'en match. Hein. Bah, là, le maillot, il est mouillé. Là, il est tout seul. Hein. Il n'a pas son coéquipier de charnière centrale pour pouvoir l'aider. Là. Les erreurs, elles se payent cash. Messieurs, vous pouvez y aller quand vous voulez. Franchement, c'est nous, on est là. Moi. On va suivre ce match. On va le commenter un petit peu. Aro, James, vous êtes chaud pour commenter aussi? On va tout entendre. Ouais, vous allez tout entendre. Ça veut dire que s'il y en a un qui met un geste et qui fait tomber l'adversaire, nous, on va s'enflammer comme au five. Je vous préviens. D'accord. Comme ça, vous êtes au courant. Une question. Je ne sais pas faire. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Qu'est-ce qu'il y a? Rémi, je ne sais pas comment tu joues, mais est-ce qu'on a le droit de faire la passe devant le goal? Mais bien sûr. Bien sûr. Hey, c'est même pas un droit, c'est presque une obligation. Ça, c'est des joueurs de merde qui font ça. Lucas, moi j'ai une petite question. C'est quoi ce pseudo là? El Loco là? Il y a un passif? C'est une Wi-Fi. C'est une Wi-Fi sur votre passe. C'est un mot de passe là. C'est sérieux, tu vas parler toi avec ton nom de télé-réalité là? Non, mais moi c'est mon nom.
Toi, c'est El Loco Tiret-13. Il a dit ton nom de télé-réalité, c'est Rémi Cabella. C'est Rémi Cabella. C'est le off. Lucas, tu peux lancer, hein. Lucas, tu dois être prêt. Je sais que t'as un peu peur et tout, mais tu peux m'être prêt. Ah, ça y est. Eh, ma manette, elle est rouge comme l'île, frère. Ah oui. Bon, elle est blanche comme le maillot extérieur du Racing. Voilà, exactement. Chacun défend ses couleurs. Bon, les gars, on a hâte de voir ça. Rémi, je sais que t'adores. T'es un joueur qui aime le ballon, qui aime les gestes. Lucas, je sais que t'es un joueur qui va préférer peut-être la lucidité défensive, les relances, etc. On veut voir des qualités qu'on voit sur le terrain virtuel, les frères, là. Hein. On compte sur vous. Ah, mais moi, je suis totalement différent de la réalité. Mon jeu de FIFA, il est totalement différent. Ok. Lucas, c'est quoi? C'est les gestes techniques? C'est tu vas nous enflammer le stade? Pas du tout. Moi, c'est un tout droit. Ça y va. Ah, voilà. Ça, on est. Recto. Pas de fioriture. On est parti avec l'engagement pour Lucas Perrin, Strasbourg, maillot bleu. Le LOSC de Rémi Cabella, maillot rouge, et justement Perrin qui touche son premier ballon. Ouais, Perrin qui va relancer côté gauche ici, qui va aller chercher Angelo, le petit génie brésilien bien aimé hein, de Patrick Vieira cette saison, mais la récupération d'Adamounas, et on part côté droit là. Attention, Adamounas qui va ramener du danger côté droit. Le petit geste, ça commence déjà à zouker du côté de Rémi Cabella, la petite passe en retrait, le circuit de passé a été trouvé. On va se retourner. Ouh, on a frôlé l'ouverture du score, c'est chaud Quanto. Ah ouais, on était sur TF1 vendredi soir. Danse avec les stars ici là, dans ce geste technique avec Rémi Cabella qui va avoir un corner, et le voilà justement avec son propre joueur Rémi Cabella, le petit geste technique encore pour venir derrière avec Zegrova, mais le ballon est récupéré rapidement pour les Lillois. Ou attention Adamounas, je sens qu'Adamounas, je crois qu'il a les 5 étoiles geste technique du côté des Lillois, et je pense qu'il doit, après sur le, il nous a promis des tout droits ici, Lucas Perrin, il nous a envoyé ce ballon pour faire un 100 mètres, c'est pas passé ici. Ouais, il faudrait vérifier quand même que Lucas ait toujours son joystick, parce que j'ai l'impression qu'il a mis une droite dedans là sur cette tentative de tout droit. Il va falloir défendre désormais avec Adamounas côté droit qui a touché le ballon. C'est plutôt bien fait. On essaye de revenir, mais on récupère le ballon toujours pour les Dogs avec Adamounas qui va venir accélérer côté droit. Mais on est serein pour le moment. Delaine qui sort ce ballon en touche. Le ballon est toujours Lillois, Quanto. Ouais, Lillois avec Zegrova encore une fois. Peut-être la spéciale Zegrova. Donc finalement, c'est avec Rémi Cabella. La frappe de Rémi Cabella et la parade ici strasbourgeoise. 11 minutes de jeu. Encore une occasion lilloise. Ah, ça passe pas, on le voit à l'écran. Hein. Rémi qui a envie d'aller chercher son but, surtout avec son joueur. Hein. Je le ai à deux doigts de faire un knee slide après dans sa chambre. Hein. Rémi ici. Attention, on va revenir derrière avec le Kosovar. On va retrouver Youssouf Yazici. Ça ne passera pas encore une fois. On va chercher Bélarouche, le jeune, très jeune gardien strasbourgeois hein, qui a pris place récemment après le départ de Matzel. Si on repart côté gauche ici avec le RCSA. Ouais, Sissoko qui va essayer de travailler. La bonne passe en profondeur pour Gamero. Kevin Gamero qui va venir fixer la défense. Oh, la passe dans l'axe pour Angelo qui va venir allumer la lucarne. Ouverture du score de la part de Lucas Perrin. On regarde la caméra froidement, tel un assassin, la Jude Bellingham pour célébrer, ça fait du bien. Et le LOSC est déjà aux abois, Quanto. Ah, et le LOSC aux abois, et c'est Rémi Cabella qui, après avoir vendangé deux énormes occasions, se fait punir par un Lucas Perrin absolument clinique devant le but. Attention justement avec l'ancien bordelais, c'est Bakwa sur le côté droit qui a pouvoir déborder pour Kevin Gamero, le petit crochet. On va essayer d'aller chercher la combinaison avec Bakwa, mais c'est bien défendu là par le Lillois, et justement Rémi Cabella sur le côté gauche. Ouais, qui relance ici. Alerte, hein, messieurs, hein, Lucas Perrin, c'est bien fichu de nous, il a du niveau, il sait remonter les ballons, il a essayé de nous leurrer, hein. Il a essayé aussi de leurrer Rémi Cabella, et ça part encore côté gauche avec Kevin Gamero. Dommage de la part de l'ancien pensionnaire de Séville. On récupère avec Angelo quand même, on va en bas, Sissoko, le 1-2-3 avec Diane Bakwa qui va trouver Diarra, le 1-2-3-4, et ça fait 2-0, et Strasbourg est devant, et encore le regard de tueur, il s'excuse Lucas Perrin, incroyable. Tant de violence pour le moment, et Rémi Cabella qui, comme tu l'as dit Quanto, après avoir raté deux occasions franches en début de rencontre, se fait surprendre. Le break est fait du côté du RCSA après un petit peu plus de 20 minutes de jeu, et là c'est la débandade. On rend les ballons défensivement beaucoup trop rapidement pour les Dogs. Ouh, attention à ne pas se mélanger, mais on va pouvoir relancer par l'intermédiaire d'Ismaili Gomez dans l'axe pour essayer de donner un petit peu d'air aux Lillois. C'est compliqué Quanto là. Ouais, Rémi Cabella avait parlé de pression avant le match, mais c'est lui qui est usé mentalement depuis tout à l'heure dans la relance. Il n'arrive pas à ressortir ce ballon de cette moitié de terrain. Le joueur lillois, le voilà justement avec Rémi Cabella pour Ismaili sur le côté. On va poser un petit peu le jeu à Raw parce que le pressing est bon en face. Hein. Ouais, le pressing est bon hein, du côté de Lucas Perrin. Je ne sais pas qui lui a donné sa tactique. J'ai l'impression que les joueurs du RCSA eSport sont passés chez lui avant. L'extérieur du pied du côté de Dylan Bakwa, il me semble. Ça fait 3-0 et pour le moment. Oh les gars, Lucas, il a osé nous dire qu'au vestiaire, ça ne jouait pas à IFC 24.
4 alors que ça joue tous les soirs, je savais. C'est impossible. C'est normal que Angelo, ça joue pas. Angelo, Bakwa, tous les petits, les Doucouré, tout genre, ils jouent pas à IEM, ouais, tous les stars ouais, avec ça les Qatar. Doit s'envoyer, ça doit s'envoyer. Attention, parce que là, on est reparti à l'assaut du côté des Strasbourgeois avec Kevin Gamero. La petite passe en retrait pour Delaine. Angelo qui est venu apporter son aide. On a tenté un petit crochet, mais un bon retour défensif. Et on va pouvoir essayer de se relancer, mais difficilement avec Yoro en complication, en difficulté. Diarra dans la surface. Et la frappe va être repoussée cette fois-ci par le portier lillois. Mais la relance est mauvaise. Attention au canton. Ouais, avec Diarra en deux temps, c'est récupéré encore une fois par Gamero. La passe en retrait avec Sissoko. On vient calmer le jeu avec Silla. La combinaison avec Delaine qui se retourne. Silla, Angelo. On va trouver dans l'axe Kevin Gamero qui va pouvoir accélérer. On décide finalement de se retourner. Mais le bon pressing de Zegrova avec cette position un peu particulière pour lui de numéro 6. Hein. Ouais, hein, et on arrive à bien conserver les ballons. Et on le voit encore hein, là, malheureusement, position d'hors-jeu pour Angelo. On va relancer côté droit. Pour l'instant, le RCSA est en train tranquillement de gérer son match. Et l'Alsace est en train de briller face aux nordistes. Mais attention, c'est pas terminé. Le Kosovar ici pour solliciter Adamounas. Attention, parce qu'on peut faire la différence du côté de Nas. Et oui, on le sait, c'est l'un des joueurs préférentiels du côté de Rémi Cabella. La passe, et oui, monsieur. On revient réduire le score. Rémi Cabella se remet tranquillement en jambes et en confiance. Lucas Perrin a l'air déçu, surpris de ce but, mais c'est bien construit. Ouais, attention, attention à ne pas se faire avoir. On a offert une très très belle première période du côté de monsieur Perrin, mais désormais, on se remet un petit peu de baume au cœur pour Rémi Cabella qui va essayer sans doute de réduire à nouveau la marque avant la fin de cette première période. Mais pour le moment, ce sont bien les Strasbourgeois qui ont le ballon avec Kevin Gamero qui va être touché sur le front de l'attaque. Le petit ballon par-dessus la défense, où on est vicieux, on est filou du côté de Lucas Perrin. On va attendre le soutien dans l'axe. Gamero à nouveau, la petite passe dans l'intervalle pour Diarra qui va venir allumer au premier poteau. 4 buts à 1. Mais on joue d'une manière si efficace qu'en tout, je refuse de croire que cet homme ne se tue pas à FIFA cette année. FC 24, il est sur la table de chevet. Ah, c'est vrai qu'il est chirurgical depuis le début de la rencontre devant le but. Lucas Perrin, le voilà qui ne tremble pas et qui vient déjà mettre son 4e but de cette première période. Le voilà encore une fois à l'attaque avec Diarra pour Angelo. Angelo qui attend l'appel de Gamero. La petite passe piquée, le crochet extérieur. Et ça fait 5 désormais avec Kevin Gamero. Aïe, 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 la célébration de Lucas Perrin qui est en train d'humilier sur la place publique Rémi Cabella. Rémi, on lui a dit viens jouer un match pour la bonne cause. Et aïe, 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 c'est dur, c'est dur. Incroyable, incroyable ici là, Lucas Perrin qui pour l'instant est en train de faire une sacrée... On les entend plus, on les entend plus. Pourquoi on n'entend plus Rémi? On a vu Rémi parler, mais on l'a pas entendu. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ouais, Lucas Perrin, solide, hein, solide dans cette première mi-temps. Je ne sais pas quoi dire. Je m'attendais pas à ça. En vrai, il a quand même des bons réflexes, fait des bons crochets, il prend son temps. Je pense qu'il faudrait un petit changement tactique côté Lillois. Je crois que le 4-4-2 à plat, c'est pas facile à gérer, surtout défensivement. Mais en tout cas. Voilà, ça fait 5-1, mon cher Dims. Et cette deuxième mi-temps, va falloir un énorme, gigantesque LOSC. Ouais, on est à l'aise, hein, on est à l'aise. On a eu l'impression, début de match, 10-15 premières minutes, on avait le LOSC avec beaucoup d'attaques. Les circuits de passe étaient présents. Rémi Cabella qui était extrêmement dangereux, on les a pas mis au fond. Et puis derrière, la punition, Lucas Perrin qui a complètement. Tu vois, il a fait comme Rock Lee dans Naruto. Tu vois, il a enlevé les poids autour des chevilles, les a laissés. Et derrière, il a accéléré. Et c'est 5 dans la banette. Ah, je crois que Lucas voulait nous dire quelque chose, ouais, peut-être. On les entend pas, on me dit l'audio est coupé pendant les matchs. Ah, c'est, ah, c'est bon. Ça y est, là on vous entend. Ah, il y a un décalage. C'est bon, vous m'entendez ? Ouais, ça y est. On vous entend. Je connaissais pas mon adversaire, je connaissais pas l'adversaire, il fallait que je m'adapte à son système. Ah, il nous explique pourquoi il est en train de lui mettre une morlaie là. En gros, c'est ça le thème. Oh, c'est terrible. Il s'est adapté rapidement au système adverse, mon cher Aro. En tout cas, le voilà de nouveau à l'attaque. Mais c'est Rémi Cabella qui récupère le ballon. Ouais, attention, André Gomes ici. Oh, non, Diel Gomes, pardon, ce ballon va être perdu. On va aller de l'autre côté. Oh, Kevin Gamero qui va se faire stopper par l'incroyable cette saison, Lenny Yoro. Ce ballon encore relancé côté droit, c'est bien joué. Est-ce qu'on pourra récupérer la balle? Ouais, il s'est bien battu ici, Thiago Santos, l'ancien joueur d'Estoril, qui va aller sur le côté droit. Mais on est encore bien défendu par un Thomas Delaine impeccable défensivement. Je l'avais prédit, un Lucas Perrin finalement qui est sur le terrain et aussi défensif, qui laisse sur le terrain le vrai gazon vert, Dims. Eh oui, attention à Emega. Ouh là là, ce ballon est parti et passé juste à côté du cadre. On l'a vu, on a frôlé la correctionnelle côté de Rémi Cabella. Il va falloir se relancer autant, on a envie de dire, de manière réelle que fictive, puisque là on a du mal à ressortir de cette partie de terrain lilloise pour le moment du côté de Rémi Cabella. Il va essayer de travailler, c'est bien fait pour Adamounas côté droit avec Jonathan David qui va pouvoir relancer Adamounas. Le double 1-2, on va aller trouver Angel Gomes. La frappe peut-être croise, oh Rémi. Non.
non, on veut encore vendanger, Koto. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'opportunités ratées pour Rémi ici avec Gamero qui perd le ballon. Récupération pour les Lillois avec Zegrova sur le côté. Il va accélérer Zegrova avec ce petit râteau. La passe en retrait avec Jonathan David. Ouais. Et Rémi Cabella, la frappe de Rémi Cabella. Et la voilà, la réduction du score. Ça fait désormais 5 buts à 2 euros, 3 buts d'écart. Rien n'est terminé. On sait que sur FC 24, ça peut aller très vite. Ouais, ça peut aller très très vite. C'est bien joué. C'est bien joué vraiment de la part de Rémi Cabella. Il a été très intelligent ici sur l'utilisation du ballon, notamment avec le Kosovar Eden Zegrova. On va repartir ici, 60e minute de jeu. Ismaël Doucouré, le très jeune Doucouré aussi, hein, impressionnant cette saison malgré les blessures. Dylan Bakwa qui va essayer de faire la différence ici. Est-ce qu'on peut aller dans la surface de réparation? Bakwa encore qui essaye de pousser ce ballon. Ce sera un corner à faveur du RCS. Ouais, corner obtenu pour les Strasbourgeois. Kevin Gamero est venu apporter son aide, mais on va le jouer directement au deuxième poteau. On va pouvoir relancer ce ballon et justement Rémi qui va s'utiliser pour essayer de ressortir. C'est le todo recto, comme dirait Kanto. Il part tout droit. On avait le Mbappé Express, on a le Cabella Express, mais petite position de hors-jeu. Le RCSA peut récupérer la balle quand même. Ouais, avec Doucouré. Le Doucouré qui va jouer dans l'axe, c'est méga pour Gamero, avec Sissoko qui écarte sur le côté gauche, avec Thomas Delaine qui revient dans l'axe, c'est méga. Et méga encore une fois, mais la bonne récupération d'Angel Gomez qui va donner le ballon à Benjamin André pour Eden Zegrova. Ouais, on part en contre ici, mais on presse bien, on presse très très bien ici aussi du côté des Alsaciens. On va aller chercher Kevin Gamero. Gamero qui va trouver Dylan Bakwa, le contrôle de la poitrine, passe du côté de notre ami Lucas Perrin, mais ça ne passera pas. Et c'est Rémi Cabella qui sonne la charge de l'autre côté. Est-ce qu'on peut le faire pour notre prodige français ici, Cabella qui essaye de revenir derrière? Ça passera pas, Dims, et on va récupérer. Ça repart encore en contre, et Thomas Delaine très haut sur le terrain, ouais, pour Gamero. Il y a danger avec Kevin Gamero en situation de 1 contre 1, mais c'est bien défendu par monsieur Samuel Umtiti. On va pouvoir essayer de se relancer tranquillement. On change complètement de côté, du côté du LOSC, avec Jonathan David qui va être un peu bousculé. On va obtenir une faute justement pour les Lillois. Le ballon est toujours côté Doc à Rojo, mais ça va être compliqué. On va venir s'empaler sur la défense là. Ouais, on n'arrive pas défensivement, mais si on met le troisième ici, on pourrait relancer complètement la rencontre, oui. Hein, pour Rémi Cabella. Attention, on va se trouver ici Angelo qui est en train de faire la différence. Et est-ce qu'on peut aller chercher un décalage encore pour Gamero? Gamero qui va trouver Bakwa et l'arrêt heureusement de Lucas Chevalier. Ça sera un corner. Strasbourg pousse pour mettre le sixième ici, Kanto. Attention, attention à coach Cabella. Oui, c'est moi, Kanto. J'ai complètement changé de voix. Notre cher Gamero, encore une fois, dans cette surface de réparation. Et heureusement qu'on est venu se jeter du côté du portier lillois pour récupérer ce ballon. Mais on n'y est plus, on n'y est plus là. Il y a trop de pertes de balles, mon cher Kanto. Ouais, avec Angelo sur le côté gauche qui rentre dans la surface de réparation. Cette frappe des méga, elle est contrée. Bakwa pour Gamero. Le missile de Kevin Gamero et la main ferme de Lucas Chevalier qui vient envoyer ce ballon en corner. Corner pour les Strasbourgeois. Ouais, on le joue à deux ici. On va revenir derrière. Est-ce qu'on peut récupérer la balle? On va bien récupérer du côté de Doucouré avec Sissoko qui va casser la ligne. Et méga dans l'Angelo. Oh là 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 là. Mais ce jeune homme qui gère la défense centrale du RCSA, il nous fait une petite dédie. Extraordinaire Lucas Perrin. Rémi qui est dépité. Je suis dégoûté pour Rémi. Je suis dégoûté. Voilà, j'adore Lucas, mais là Rémi ça mérite revanche. Il y en aura une, t'inquiète pas. Je sais tes matchs là, c'est terrible. Il va devoir nous rendre des comptes. Rémi, je l'ai un peu titillé sur Instagram avant le match. Je lui ai dit te fais pas zouker. Il m'a dit t'inquiète, je suis prêt, le sang. Il y a peut-être un ou deux matchs avant de préparation, parce que là pour le moment c'est compliqué, mon Rémi. Mais attention, on vient récupérer le ballon quand même côté droit, et quand on ça risque d'accélérer pour les Lillois, mais on la rend un peu trop vite là. Ouais, avec Delaine qui donne le ballon à Emega. Emega dans l'axe, la passe dans la profondeur contrée par Angel Gomez avec Cabella pour Jonathan David qui va pousser son ballon, mais c'est Gilbert là qui vient ratisser ce ballon et récupérer peut-être l'une des dernières possessions strasbourgeoises. Ouais, Gamero qui va partir en contre ici, 88e minute de jeu pour le 7-2, mais on va un petit peu trop s'excentrer et ce ballon est récupéré par Ismaili, l'un des joueurs les plus expérimentés de cette formation lilloise, qui va repartir côté gauche avec Zegrova, et malheureusement on va encore perdre ce ballon. Et Gilbert part en contre ici, Dims. Ouais, attention, il y a danger là avec Bakwa dans l'intervalle pour Gamero. On a tenté la passe, le bon contre favorable. Encore une fois, deux fois, trois fois, et ça finira au fond des filets. On manque de réussite, et oui, forcément, on finit la tête dans les mains. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, nous dit Rémi Cabella. En plus d'une fragilité défensive, on va pas se mentir, assez équivoque. On a eu un petit manque de chance là sur cette action. Ah, ouais, pas beaucoup de réussite là pour Rémi, qui va tout de même jouer cette dernière possession, peut-être avec son propre joueur. Mais c'est Loco qui récupère le ballon. Victoire de Lucas Perrin sur le score
sanglant, j'ai envie de dire, de 7 buts à 2 face à Rémi Cavella. Bravo à vous deux, messieurs. On va avoir l'audio qui va revenir pour féliciter les deux joueurs. Aro, ça a été compliqué pour Rémi. Ouais, défensivement c'était compliqué. Après voilà, c'était super marrant. Ils ont bien rigolé. On a vu des belles choses. On a vu des trucs marrants. Ils ont tenté des choses aussi. Devant, il y a eu des bons jeux de passe. Donc voilà, c'était sympa et on espère qu'ils ont kiffé parce que nous on a kiffé voir ça avec eux. Et par contre voilà, Monsieur Perrin, je m'en doutais quand on en parlait, mais je sentais qu'il y avait anguille sous roche. Ouais, pardon, messieurs. Ouais. C'est... Bon Lucas, tu nous as mytho un peu quand même. Non. Non, ce qui est vrai, c'est que dans le vestiaire, il y a vraiment personne qui joue à FIFA. Et moi, depuis... honnêtement, j'ai gagné là, oui, j'ai gagné. Ça, c'est la petite. Non, mais en vrai de vrai, la seule fois où j'ai repris FIFA, c'est en janvier pour jouer à la Toti. Sinon, je fais que du Warzone. Ok. Bah écoute, c'est déjà pas mal. Rémi, t'as quoi à nous dire pour ta défense? La prochaine fois, je jouerai sur Play. C'est vrai que sur PC, des fois, ça bug un peu. Mais là, il a été meilleur. Qu'est-ce qu'on fait? On prend rendez-vous pour une revanche une autre fois ou tu vas rester sur cet affront-là? Non, il y aura la revanche. Mais la prochaine fois, je serai sur Play. Mais il a été meilleur. Lucas, après, la revanche, jamais tu vas aller. T'as la ceinture, là, comme à l'UFC. Tu acceptes la revanche ou tu la gardes? Je suis ouvert à toute proposition. on aime entendre ça. Et écoute, c'était un plaisir. Non, c'était cool, on s'est bien amusé. Ouais, merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis bah écoute Rémi, la dernière fois qu'on s'était vu, t'as marqué pas longtemps après. C'est vrai, j'ai repris là, ça y est, donc je reprends jeudi, donc ça va. Donc tant mieux. Lucas, peut-être que tu vas te mettre à marquer des buts là, mettre des gros coups de casque sur corner aussi. Je crois pas que tu as 95 sous scène. Moi, j'attire pas les ballons. Quand je vais au premier, ça va au deuxième et inversement. Mais là, ça va venir. Bah, écoutez, on espère. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne fin de saison. Merci à vous. Et régalez-nous bien. Et voilà, on espère vous voir pour la revanche. Et bon match. Bon match pour les échéances qui arrivent. Merci beaucoup. Merci, c'était gentil. Allez, bye bye, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. Merci à tous. Allez, messieurs, c'était pour teaser la rencontre entre le Racing Club Strasbourg-Alsace et le LOSC qui aura lieu donc la semaine prochaine. Ça sera le 13 mars lors du Racing eSport Live Show 2024. Ça sera du côté de Strasbourg. Si vous voulez participer à cet événement, vous pouvez aller acheter tout simplement et réserver vos places sur la billetterie. Vous allez sur le chat, vous faites !RCSA. Et puis vous aurez tout simplement le lien de la billetterie et vous pourrez réserver vos places sur internet tout simplement et avoir accès à cet événement fabuleux qui aura lieu donc la semaine prochaine. On va partir dans un petit break, on va commencer nous notre véritable soirée, même si Lucas et Rémi ils peuvent peut-être prétendre un petit peu avoir une place dans notre Ligue 1 Uber Eats, mais en tout cas on va suivre la première rencontre du jour et ça va venir dans quelques instants. Allez, de retour en plateau, juste avant de lancer la première rencontre du jour entre le LOSC et le FC Nantes, parce qu'on a un invité spécial aujourd'hui, c'est Karna qui est avec nous, le vainqueur de l'Ligue 1 Challenge. Bonsoir Karna, bravo encore pour ta victoire. Merci d'être avec nous, comment tu vas? Ça va très bien, merci à vous. Bon, comment ça s'est passé? Alors raconte-nous un petit peu, un petit résumé de ton parcours pour aller au bout. Bah, je vais pas mentir, j'étais très confiant avant le tournoi. Je me suis dit qu'il n'y avait que 2-3 noms de mon côté qui étaient un peu compliqués, mais j'étais assez confiant avant de le faire. Je me suis dit que vraiment, je pouvais aller au bout dès le début. Et c'est ce qui s'est passé, j'étais très content. C'est quoi la méthode d'entraînement comme ça? Dis-le aux gens un petit peu qui aimeraient devenir pro, qui aimeraient tout simplement gagner des tournois comme toi, tu le fais. C'est... Voilà, comment on devient bon? La méthode d'entraînement, bah, c'est beaucoup jouer. Hein. Il n'y a pas de secret. Il faut penser, mais est-ce qu'il y a... Je sais pas, une petite tactique, un dispositif, est-ce qu'il y a un petit secret qui peut aider les gens à franchir? Non, vraiment, ça, c'est propre à chacun, je pense. Ouais. Il n'y a pas de secret par rapport à la tactique ou quoi, au caisse, vraiment. Et ton style de jeu, toi, tu le décrirais comment? Un petit peu foufou, plutôt posé, équilibré? Ah non, moi, c'est tout pour l'attaque, en fait. Voilà. Et la défense, après, c'est en second. Ouais, bon, on l'a vu, hein, face à Mino, ça avait fini sur le score de 8 buts à 3, me semble-t-il, en aller-retour, avant de mettre pas mal de buts aussi, 8, hein, je crois, en aller-retour en finale face à ton adversaire qui,
Voilà, lui, il était là pour en découdre. Et finalement, bah, voilà, il a été malheureux vaincu. Ce trophée, tu le trouves comment? Moi, je le trouve plutôt sympa. Bah, moi aussi, je le trouve plutôt sympa quand même. Hein. Il va aller où dans la chambre? T'avais des affiches One Piece et tout, donc t'as... voilà. Ça va faire sympa, ça, dans la chambre. Voilà, ça va faire surtout le premier trophée FIFA. Ouais. Enfin, IFC, et ça fait surtout plaisir. Le premier, mais le dernier, ou... J'espère pas. T'espères pas? Ça veut dire que tu vas continuer? Ouais. Bon, bah, on te retrouvera peut-être l'année prochaine dans notre e-Ligue 1, ou encore peut-être pour tenter le doublé dans l'e-Ligue 1 Challenge. Merci d'avoir été avec nous, Karna. Merci. On va pouvoir partir dans la future rencontre, mais juste avant ça, on vous lâche dans le chat un petit lien, un petit questionnaire, une enquête de satisfaction pour tous les participants de l'Open. Comment s'est passé, comment s'est déroulée votre expérience? À vous de nous le dire. On part en attendant pour la première rencontre entre le FC Nantes et le LOSC. Et ça y est, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Salut Brian, comment ça va? Salut Bracou, la forme et toi? Ah bah la forme, hein, super, on est très contents nous aussi d'être là. On a assisté à un très très beau match, hein, une très belle mise en bouche pour pouvoir lancer cette huitième et magnifique journée. Et on va commencer par un match, Brian, toi qui te tient énormément à cœur. Ça te déchire. Ah, c'est terrible avec voilà, mes deux anciens joueurs, du coup Rocky et Dax, qui vont s'affronter. Bon, déjà, je pense que eux, ça va leur faire très bizarre de jouer, mais en plus, l'enjeu de la confrontation, puisque c'est deux équipes qui sont au pied de ces playoffs pour l'instant, en sachant que les six premiers vont s'affronter, donc il va y avoir des points à grappiller aujourd'hui, ça va être très important comme rencontre. Alors, apparemment, Kanto n'est pas assez apparu aujourd'hui, donc il est juste là. Vas-y, montre-toi, Kanto. Hein. Vas-y, montre-toi, parce qu'il est juste à ma droite et je sais pas, il me lance un regard très bizarre, donc c'est un peu perturbant. Voilà, voilà, il est là. Visiblement, il aime les caméras, c'est assez clair. Mais oui, c'est vrai que ce Rocky Dax va être complètement fou, ce sera juste après ce premier match. Et on va, mon ami Brian, commencer très très fort, très très fort. Quelle affiche! Il y a le bougie contre Faucheur. Ça va être du très très lourd, et les joueurs sont déjà dans leur match, hein. Eux, des histoires de Lucas Perrin, de Rémi Cabella, ça les regarde pas, hein. Ouais, clairement c'est pas trop leur problème. Un match là qui va être très certainement fou, hein. Voilà, je parlais tout à l'heure avec Nkante, qui nous a rendu une petite visite tout à l'heure et à qui j'ai pu échanger. Il me disait, mais contre Ilian, en fait, tu sais que tu vas prendre 2, 3, 4 buts, il faut réussir. Attention d'ailleurs, pourquoi pas le premier 6 sur ce centre au second poteau, on l'a vu en mettre plus d'un, mais voilà, tu sais que tu vas en prendre, parce que bah, il fait des choses que tu peux pas trop contrer, que voilà, quand c'est trop bien fait, ça va forcément finir au fond. Donc il faut marquer plus que lui, c'est ça la difficulté. Et je pense qu'envoyer Faucheur dans une rencontre comme ça, c'est peut-être plus judicieux que Dax, parce que Faucheur est capable d'amener de la folie. Pourquoi pas ici centre au second poteau, et si on s'inspire un petit peu d'Ilian, mais malheureusement je l'ai rien remporté ici par la défense lilloise. Exactement, et c'est ce qui est assez drôle avec Ilian Bouchy, c'est vraiment que c'est un joueur qui est complètement à part, hein. Et je vais raconter aussi une petite anecdote qui est assez sympathique aussi. On va suivre tout ce centre et regarder. On n'a pas le temps face à Ilian Bouchy, on n'a pas la solution, on n'a pas l'occasion de se défendre face à lui, parce que à partir du moment où, comme Omar Da Fonseca le dit, il appuie sur le bouton, et bah tout simplement le but y rentre, hein, parce qu'il a ses circuits bien en tête, bien ancrés, et ça fait 1-0 pour Ilian Bouchy. C'est vrai que tu as complètement raison, hein. Quand tu commences un match avec Ilian, tu sais que de toute façon c'est ouvert. Regarde, en fait, sur ce but, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire, est-ce qu'il a fait quelque chose vraiment de mal? Il n'a pas fait grand chose de mal, c'est juste que voilà, le player lock qui est fait au moment parfait. Voilà, il place bien son joueur, il met son coup de tête. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire pour Faucheur, malheureusement. Et c'est ça la loi face à Ilian, c'est que bah, il faut réussir à marquer plus que lui. Pour l'instant, ça démarre mal côté Faucheur, même si voilà, un but d'Ilian, on pouvait le prédire. Maintenant, côté Faucheur, il va falloir se montrer dangereux également. Oui, tout à fait. Et ce que je voulais raconter, alors je vais essayer, mais c'est vrai que l'action tout de même se poursuit. Attention, Camara qui va trouver Patrick Vieira sur le côté gauche avec Randal Kolo Muani pour Faucheur, Victor Racin pour essayer de venir tout de suite recoller au score, parce qu'il en est capable. Hein, tu l'as dit, il a de la folie dans son jeu. C'est que j'avais eu l'occasion de jouer contre Ilian Bouchy et j'étais pas le seul. On a joué contre lui et il nous disait que face à nous, il trouvait que c'était bizarre, tu vois, que c'était pas naturel de défendre, tellement il était habitué à jouer face aux pros, tu vois. Bah que ça, nous, on défendait un peu trop normalement. C'est un truc de pro. Et c'est drôle de se dire que ce mec-là, limite, il va avoir un peu plus de mal face à nous que face à des mecs comme ça, tu vois. Alors en fait, il va t'imaginer défendre un petit peu comme un pro, donc il va faire des choses parfois trop compliqué. Exactement. En fait, alors toi, qu'il n'a pas besoin. Voilà, c'est ça, alors qu'il n'a pas besoin. Et toi, du coup, tu vas récupérer le ballon miraculeusement. En tout cas, on est reparti. Ici, Bracou avec Patrick Vieira côté gauche pour Faucheur, avec Zidane avec Camara avec Mbappé avec Ginola avec Kolo Muani. C'est bien fait côté Faucheur. La frappe pied gauche de Kolo Muani, c'est bien contré par la défense, Zidane. Et tout à fait le contre avec David Ginola. Ouais, David Ginola qui a tout de suite été repris là par la défense nantaise et surtout par Bafodé Diakité, nouvelle entrant hein, dans ses effectifs d'Iligue 1 Uber Eats. Il est là depuis maintenant une ou deux semaines.
Attention à Camara là au milieu de terrain qui va alerter Nordi Mukele. Ça joue bien en triangle, même en rectangle. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. On va pouvoir récupérer le bâton côté lillois. Ah, ça sera un mauvais player là, ici. Côté Lian ici avec la perte de balle, Faucheur qui pour l'instant arrive quand même à remonter correctement le ballon. C'est même plutôt lui qui a la possession de ce ballon. Mais malheureusement, pas encore de véritable occasion hein, pour le Nantais dans ce match. Pour l'instant, Lian qui défend très très bien, qui est solide défensivement, même si là c'est un petit peu plus compliqué à la relance. Carton jaune pour Zinedine Zidane ici, et ça sera une touche pour Faucheur. Tout à fait, la petite touche à récupérer. Pas besoin de s'affoler hein, côté Faucheur. On ne joue que la 22e minute de jeu et il le sait lui aussi, hein, même si nous on l'a rappelé au cast. Hein, il sait très bien qu'avec Kylian, de toute façon, il va falloir accepter de prendre des buts. Il va falloir marquer surtout. Ouais, c'est ouais. Ça en fait, accepter de prendre des buts, mais se dire que dès qu'on aura une occasion, eh bien, il faudra la jouer très très bien et aller au bout de l'idée. Attention à Zidane qui va passer le passement de jambes, c'est bien fait. Oh, le jeu et le circuit. Aïe, 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 on n'était pas loin de l'égalisation, Brian. Ouais, ça avait été très, très bien joué ici, toutes ces extra passes. Alors, j'étais en train de me dire qu'il en avait peut-être trop fait, mais au final, c'était super bien joué. Peut-être qu'il aurait pu prendre un peu plus son temps avec Ginola dans la finition. Ouais, il y avait peut-être un petit contrôle à faire ici. En tout cas, Faucheur qui n'a pas dit son dernier mot ici. Corner, joué à deux avec Ginola ici. Ginola, le player lock. On va se centrer ici sur Mbappé. La frappe, encore une fois, le contre in extremis de Dante. Ouais, mais c'est aussi vrai que Ilian, c'est un joueur qui nous force à peut-être aller un petit peu plus vite, à se précipiter forcément, parce qu'on a envie voilà, de marquer, de revenir très vite. Et il met une telle intensité dans les matchs, Ilian Bouchy, que eh bien, parfois ça amène à moins être lucide devant le but. Attention à cette action-là de la part de Ilian Bouchier, bien sûr, la frappe après le râteau. On va finalement récupérer ce ballon avec Ronaldinho qui va se battre pour alerter Warren Zaïre-Emery. C'était bien fait cette passe verticale, mais finalement celle de Ronaldinho a manqué un petit peu d'idées. Ouais, pas mal défendu également du côté de Faucheur quand même. Ici on va trouver Colomoni. Il y a le départ de Ginola avec Mbappé, le latéral droit ici, Nordi Mukiele ici qui va être servi. Mukiele, il y a le départ d'Mbappé. Non, on revient finalement en retrait pour Zaïre-Emery avec Camara. Zaïre-Emery de nouveau, Colomoni ici avec Zidane avec Ginola. Tout est bien fait côté Faucheur. Et encore une fois, Ilian défensivement dans ce début de match, voilà, c'est pas forcément sa qualité première, mais c'est vrai que là pour l'instant, défensivement, dans les dernières interventions ici avec ses centraux, il fait du bon boulot pour l'instant, Ilian. Et c'est important de le souligner hein, parce que encore une fois, vous le savez, hein, Ilian Bouchy, c'est un joueur qui va avant tout penser à attaquer, à très bien attaquer, à attaquer même avec un petit peu de folie avant de bien défendre. C'est vrai que ça, c'est peut-être un des axes sur lesquels Manical l'a fait travailler, Brian, forcément, parce que le coach est aussi là pour ça, hein, pour venir cibler un petit peu les défauts de ton jeu. Bien sûr, on le voit, il lui parle beaucoup pendant les matchs, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait plusieurs fois avec ses défenseurs centraux qui vient très très bien contrer les occasions de frappe de Faucheur. Faucheur qui joue pas trop mal, honnêtement, c'est pas une mauvaise première mi-temps côté Faucheur. On remonte bien les ballons, on arrive à amener du danger, on arrive à se mettre dans des positions de frappe. À chaque fois, il y a un pied, il y a un défenseur côté Vienne qui est toujours bien placé pour contrer ce ballon. Ginola ici, corner à deux, et on va trouver Zaïre-Emery avec Vieira avec Marquinhos. La bonne interception d'Mbappé ici, et encore une récupération rapide de Faucheur. Un très bon pressing hein, de la part de Faucheur, mais à un moment donné, il faut se retourner avec Zinedine Zidane. Ça y est, c'est fait. Il essaye voilà, de trouver une solution. Il va la trouver de l'autre côté avec Nordi Mukiele. Va-t-il centrer? Lui aussi, il est capable, hein, justement, avec les passes travaillées, de venir faire très très mal dans ce domaine. Et finalement, c'est un ballon récupéré par Ilian Bouchy qui va accélérer l'accélération. Player lock, deuxième but de David Ginola. Pas besoin. Centré, trouver Ronaldinho. Oh, le gardien. Incroyable. Faucheur. Oh, l'action. Il s'est pas posé de questions ici sur ce coup de joystick. J'ai cru qu'il avait player lock au deuxième. Il n'y avait même pas eu besoin. Il sert parfaitement son joueur. Mais Faucheur, ici, on avait vu déchirer hein, la semaine dernière, dire à Ilian, je suis dans ta tête. Là, Faucheur, sur ce face-à-face, il a été dans la tête. Il a été grand. Il a été très, très grand, l'ami Faucheur, parce que honnêtement, dans 99,99% des cas, ça, c'est but, hein, très clairement. Mais il a réussi à bien prendre son gardien. Attention, Faucheur, la réaction pour essayer de tout de suite évacuer la pression. C'est dur de ressortir là avec le pressing d'Ilian, mais finalement il va redoubler les passes et trouver une bonne solution, Brian, avec Warren Zaïre-Emery. Ouais, Zaïre-Emery ici qui va tenter d'écarter sur Mukiele, mais finalement ça va être une perte de balle ici à Faucheur. 45e minute, il va en rester une peut-être, pourquoi pas pour Ilian ici, le bon râteau sculpteur ici. On évite le tacle du défenseur, on va pouvoir trouver Ginola ici. Ginola bien placé, le player lock en direction d'Mbappé. Mbappé, les gestes techniques ici, on tente de se défaire du marquage et non, finalement attention, l'erreur. Et le petit compte favorable également d'Ilian. Je sais pas si c'est plus une erreur. Erreur de Faucheur, réussite d'Ilian, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un but ici. On le sait qu'il peut se passer des choses.
sur cette 46e. On l'a vu, Faucheur qui lui a cédé et Ilian qui vient punir. Ici, ça fait 2-0. Et c'est ça qui est terrible dans cette situation, c'est que c'est la 45e. Faucheur le sait parfaitement. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur à ce moment-là. Et on le voit bien, hein, la volonté de Faucheur, c'est surtout d'évacuer ce ballon, d'essayer de le ressortir proprement et de tout de suite aller à la mi-temps. Malheureusement, il y a ce pressing. On le signifiait juste avant et ça a permis à Ilian de venir marquer ce but au meilleur des moments. Il a bien pressé. Est-ce qu'il y avait le temps de faire autre chose de... Non, il faudra revoir l'action. Ça a été très très vite, mais c'est vrai que ouais, cette perte de balle là, soit malchanceuse, soit mal jouée de Faucheur. Honnêtement, j'ai du mal à me décider. J'ai du mal à l'accabler. Hein, en tout cas, c'est une 46e. Quoi. C'est une 46e. Oui. On le sait, c'est des choses qui peuvent se passer sur ces moments-là. Et peut-être que l'erreur de Faucheur, elle est peut-être pas au final sur ce fait de jeu. Peut-être qu'elle est juste avant où il perd le ballon, où il rend justement cette 45e. Parce que tu sais qu'elle arrive en et fait. C'est ça, voilà, tu le sais qu'il va se passer des choses dans ces minutes. Ouais. Et malheureusement pour Faucheur, on le voit, on avait l'impression qu'il avait fait le plus dur avec cet arrêt là incroyable du gardien. Et non, c'était pas fini dans cette première mi-temps. Et Ilian qui en ressort avec 2-0. Ouais, Ilian qui ressort de cette première période devant avec un avantage concret et un avantage qui va lui permettre de gérer cette deuxième période. Pourquoi pas de continuer à attaquer, parce que Faucheur, on le sait très bien, hein, sur un ou deux, trois coups de folie, quelques étincelles, il peut absolument tout renverser, l'ami Faucheur. Mais il va falloir être fort parce que avant ça, il va aussi falloir défendre les assauts d'Ilian, parce qu'il va pas s'arrêter d'attaquer. Ouais, il va falloir défendre. On a vu Ilian, il a encore des cartouches. Hein, on l'a vu la semaine dernière avec ce Terren Moffi qui était rentré en fin de match, qui avait fait extrêmement mal à Déchet. Et Ilian qui va pas se priver, je pense, pour le faire rentrer. Surtout en plus quand tu mènes. C'est vrai que c'est un joueur qui est... C'est sympathique de l'avoir là, quand tu es un petit peu pressé pour te relancer. Jouer un long ballon et une déviation de Terren Moffi, ça peut être intéressant. Donc clairement, côté Faucheur, on est capable de marquer. Le plus dur, ça va être de pas en prendre. Oh, attention, regardez. Oh là là, le pressing. Et là, on l'a. Qui oblige Faucheur à se débarrasser de ce ballon. Ouais, peut-être un petit peu de panique hein, là, de la part de Faucheur. Clairement, c'est un ballon qu'il n'a pas le droit de rendre. Et regardez, ça offre une opportunité, une occasion nette et franche pour le Kylian Mbappé d'Ilian Bouchy. Attention à ne pas reproduire ça, parce que derrière, eh bien, ça ne mettrait pas d'axe dans les meilleures conditions, non, Brian. On sent que ce 2-0, il a fait de mal. Hein. Il a fait beaucoup de mal ici à Faucheur. Attention, c'est sûr. Quand même avec Zaïre Emery ici, la frappe ici qui est un petit peu forcément rythme, quand même le ballon, et là on sent qu'on rentre dans des choses un petit peu forcées. Ouais, on rentre dans les joueurs, on tente des passes qui n'existent pas vraiment. Côté Faucheur, on va quand même récupérer ce ballon ici sur un bon pressing, le changement d'aile vers Kylian Mbappé, la passe en retrait pour Papa ici. Ah oui, avec Ginola ici pour Faucheur pour réduire le score. On le sentait un petit peu moins bien Faucheur ici dans son body language, mais il en suffit d'un pour revenir dans le match. Et à 2-1, forcément, c'est plus la même limonade. Ouais, exactement, on avait l'impression que Faucheur était en train de perdre le fil de cette rencontre et finalement il se relance parfaitement avec cette frappe assurée de David Ginola, pied gauche. Très honnêtement, on la voyait pas forcément aller au fond, hein. C'était vraiment un 50-50 là avec David Ginola dans cette position là et finalement ça a fait ficelle. Le match est complètement relancé et le scénario peut complètement tourner dans cette partie. Hein. C'est une possibilité. C'est encore Faucheur à l'attaque ici avec Patrick Vieira. Ah, la passe ici qui ne va pas arriver à destination. Malheureusement, ça laisse beaucoup d'espace à Ilian ici en contre-attaque. Et il défend très très haut. Et on a vu en Ilian les espaces. Il adore ça. Il va s'engouffrer ici avec Mbappé. Il y a encore Ginola au second poteau. Ginola qui est trouvé. Cette fois, pas de mouvement du gardien pour Faucheur. On ne va pas se laisser avoir une deuxième fois. Ilian ici, le beau contrôle. On assure la cage vide. Et on reprend cet avantage de 2 buts. Et c'est terrible. Et je me demande si c'est pas un peu une erreur, ça, de la part de Faucheur, de défendre aussi haut. Parce que à chaque fois qu'il se fait prendre en contre, il a énormément de mal à justement colmater un petit peu les brèches sur les ailes. Et dans l'axe, à chaque fois, il arrive à trouver son Mbappé, il arrive à trouver son Ginola, l'ami Ilian. Il y a peut-être une erreur de gestion dans son match. On en parlera, je l'espère, avec lui tout à l'heure pour qu'il nous donne sa version. Mais ouais, j'ai l'impression que défensivement, il fait pas le meilleur des matchs, hein, Faucheur. Hein. Il fait pas le meilleur des matchs. Après, voilà, c'est une phase de contre-attaque où, voilà, il a le ballon sur le côté, il essaye de revenir en retrait et il perd le ballon malheureusement sur un des 6. Et d'ailleurs, c'est sûr que voilà, quand tu perds le ballon, en plus c'est son latéral gauche, je crois, qui était en haut, il était très très haut sur le terrain, forcément derrière il n'a pas le temps de se replacer. Ouais, ça fait très mal. Je pense que c'est plus la perte de balle en fait qui cause cette contre-attaque que la hauteur de sa défense, malheureusement pour Faucheur ici. En tout cas, 3-1 braque dans cette rencontre. Et encore Ilian à l'attaque. Ouais, tout à fait, Ilian qui va pousser, qui va forcer face à Bafodé Diakité. Attention, hein, Kylian Mbappé qui était là, qui rôdait pour essayer de récupérer ce ballon. David Ginola, ça combine très très bien là pour Faucheur, un but, et on peut encore une fois inverser le cours de l'histoire. Et une très bonne défense de Nordi Mukiele, un très très bon retour qui va permettre à Ilian de repartir de l'avant. Ah, il repart très très vite de l'avant. Encore une fois, c'est Mbappé tout seul sur le côté gauche. Ici on revient avec Ronaldinho, avec Mbappé de nouveau
aussi Mbappé en un contre un. Mbappé qui s'arrête, Mbappé les petits gestes techniques on temporise un petit peu côté Ilian avec Nordi Mukiele, le centre encore une fois à destination de Ronaldinho aussi bien couvert par Faucheur. Et il a fait que ça hein, dans cette partie hein, Ilian hein, chercher véritablement les joueurs sur les côtés, les centres, on sait qu'il maîtrise cette arme à la perfection. Faucheur devrait peut-être lui aussi s'en inspirer avec cette fois-ci une percée de Kylian Mbappé et tout de suite le contact de Marquinhos sur Randal Kolo Muani pour tout de suite venir récupérer ce ballon, mais le ballon qui ne sort pas du camp lillois avec Kylian Mbappé qui va accélérer une nouvelle fois, bis repetita, la passe en retrait, la passe magnifique pour Warren Zaïre-Emery avec Ginola, il est pas hors jeu Randal Kolo Muani, il manque encore une fois le petit geste pour venir trancher cette défense. Brian, le ballon qui revient et David Ginola et Dante placé le sauveur, la légende Faucheur qui en rigole, attention aussi l'erreur ici de relance d'Ilian qui a failli lui coûter très très cher le bon ballon en profondeur ici bien intercepté par Patrick Vieira côté Faucheur qui a un temps fort ici, beaucoup de possession du ballon pour Faucheur ici qui va pouvoir servir Zinedine Zidane, le pérologue vers Kolo Muani, Kolo Muani avec Patrick Vieira sur le côté gauche qui va pouvoir resservir Zinedine Zidane ici avec Zaïre Emery, Zaïre Emery Ginola en une touche ici un peu précipitée peut-être pour Faucheur ici Ousmane Dembélé qui hérite du ballon pour Ilian. Ilian avec Ginola, Ginola qui va tenter de servir à Mbappé, encore une fois bien couvert par Faucheur. 73e Bracou, il va falloir marquer vite pour Faucheur. Il va falloir marquer maintenant avec Madi Camara qui va essayer d'activer, qui va essayer de sonner quelque chose, une révolte peut-être, comme on le dit souvent. David Ginola peut-être avec Kylian Mbappé. Oh là là, c'est compliqué. On va réussir finalement à mettre le pied sur ce ballon avec Warren Zaïre-Emery. Et c'est finalement le Lillois. À toi, moi, exactement, Brian. Et ballon finalement Nantais. Ouais, ballon Nantais ici pour Faucheur avec. Pourquoi pas, beaucoup d'espace ici, c'est bien fait pour Ginola, Ginola qui est trouvé, Ginola qui va revenir, Ginola, on va servir Kolo Muani, Ginola de nouveau, Ginola avec Mbappé, la passe est contrée malheureusement pour Faucheur, Camara ici, Zaïre Emery, Zaïre Emery avec Mbappé, pas de position de hors-jeu, et Faucheur, 3 buts à 2 ici, 78e minute, il va y avoir 12 minutes de folie dans cette rencontre, Braque, plus qu'un but d'écart. Il est encore en vie Victor Racin pour et voilà peut-être réaliser un exploit parce qu'on vous le dit hein, ces deux équipes sont au coude à coude au classement de cette Ligue 1 Uber Eats, le FC Nantes qui pointe à la 7e place et le LOSC à la 9e à 3 points d'écart. Véritablement c'est un match à couteau tiré entre ces deux équipes parce que clairement l'une des deux peut véritablement se retrouver dans une sale position. Et à noter que c'est en plus deux équipes qui ont déjà été contrairement à certaines équipes de ce top 6, il y en a 3 qui sont à 11 points, je crois qu'il y en a 3 qui ont déjà 7 matchs joués et qui seront exempts dans les prochaines semaines, donc clairement c'est un match qui peut permettre de récupérer beaucoup de points sur ces vis-à-vis pour l'instant dans ce top 6 qui qualifie directement pour les playoffs. Petite pause ici par Faucheur, pour Faucheur forcément on va activer le pressing ici, on avait un 4-3-1-2 qui était mis, on a un 4-3-1-2 hein, pour Faucheur ici sur cette fin de match, on va tenter d'aller chercher Ilian dans son camp ici, on l'a vu, hein, Ilian qui est capable de faire quelques erreurs dans la relance, il a eu très chaud sur une occasion tout à l'heure, c'est ce qu'on va chercher côté Faucheur ici, une erreur d'Ilian ou alors une action bien construite pour lui pour revenir en scratch. Ouais, 4-3-1-2 hein, théoriquement sur le papier, ça veut dire qu'on va essayer de resserrer dans l'axe, on va essayer voilà, tout simplement de percer cette défense d'Ilian qui a quand même tenu. Après voilà, hein, vous le savez, c'est difficile de ne pas encaisser de but hein, dans les matchs, surtout à ce niveau-là. Maintenant, la vérité de cette rencontre, on va la voir dans les 10 dernières minutes qui nous restent à vivre. Et là, on a la patte manica hein, ici côté Ilian. Je pense que ça, c'est quelque chose, il nous l'a dit en interview l'autre fois, c'est pas forcément des choses qu'il faisait les années d'avant, garder le ballon comme ça. Alors, on le voit, c'est remonter de balle, ce Terren Mosfi ici qui a fait son entrée sur le terrain. Terren Mosfi qui va pousser ici, qui va laisser écarter deuxième poteau pour Ronaldinho. Et le but du break de nouveau pour Ilian, c'est parfaitement géré, on a pris son temps. Dans la relance ici, on ne s'est pas affolé, on a aspiré tout le bloc de Faucheur avec des petits ballons piqués à chaque fois qui viennent éviter le pressing et on s'offre un but encore une fois gratuit, superbement joué ici de la part d'Ilian. Et je me demande s'il lui a pas mis 4 fois le même but, hein. Ce sera à revoir au ralenti, mais en tout cas on l'a vu de nombreuses fois cette phase hein, dans cette partie et là Ilian qui se met très très rapidement à l'abri et qui va éviter de s'offrir, qui va éviter de subir une fin de match qui aurait pu être très très difficile à vivre. Et là tout simemplement 4-2 le break, à moins que Ousmane Dembélé avec ce râteau, c'est pas terminé peut-être, il essaye de se retourner, il est suivi par deux joueurs, c'est très compliqué dans cette position là c'est compliqué, Faucheur qui a essayé de faire la différence ici, Ilian qui s'est pas laissé
pas laissé surprendre le long de cette ligne. Ici qui a récupéré ce ballon, Faucheur qui récupère encore une fois très très vite ce ballon ici avec Ginola. Ginola avec Ousmane Dembélé, le contrôle qui est mauvais mais ça passe quand même ici pour Ousmane Dembélé. Ouais. Dembélé en retrait mais Ronaldinho aussi le bon retour ici de l'icône brésilienne Teren Moffi ici qui va aller s'engouffrer sur le côté gauche qui va perdre ce ballon. Ouais, mais là malheureusement ça va être trop tard pour Faucheur ici qui va s'incliner dans ce premier match. Ouais, ça va être trop tard parce que voilà, vous le voyez, le temps additionnel s'affiche et il ne laissera pas assez de marge hein, pour l'ami Victor Racin dans cette partie. Attention à cette passe contrée, finalement voilà, le ballon va être ressorti à nouveau. Stop and turn, on va tranquillement se diriger vers le match 2. Ça date ça, stop and turn. Ouais, moi je l'appelle toujours comme ouais, bah, en fait, bah, ça parfois il y a Maki dit il y a toujours des variantes de ce geste et du coup moi je dis stop and turn histoire d'être toujours dans le vrai un minimum. Mais en tout cas oui, on le disait, victoire claire et nette de la part d'Iliane Boucher qui va s'offrir le luxe de prendre un petit rouge en fin de match tranquillement. Voilà. Un petit Mister Freeze ou fraise décerné par l'arbitre. On prend envie d'en finir hein, dans ce match les deux. Peut-être un petit bonbon là pour Faucheur. Un petit bonbon. Un petit coup franc. Ouais, même là. De Zidane ici. Mais non, ça ne passera pas pour Faucheur. On en restera là 4-2 pour Iliane ici qui apporte le premier point à l'OSC. Tout à fait, le premier point et on vous le rappelle, hein, c'est vraiment important hein, d'aller chercher le 3-0 dans ce match Brian parce que le LOSC pour l'instant n'a que 6 points et pour recoller justement au Nantais, eh bien il faut absolument gagner, hein, c'est très simple. Et il y a un autre point important hein, du côté du LOSC, ouais. C'est que victoire d'Iliane, on a vu souvent ce dernier où Iliane gagne, Rocky perd derrière, Rocky qui n'a pas non plus la plus grande saison d'Iligue 1 de sa carrière. Oui. Mais il y a un point important, c'est que les trois matchs ont été reset du côté du LOSC. Tout à fait. Et Iliane peut retourner en match 3 pour trois matchs consécutifs. Ouais. Et ça fait une grande différence. Sachez-le. On analyse tout ça avec Canto et sa bande. Merci messieurs, c'est une victoire pour le LOSC, une victoire d'Iliane Bouchy face à Faucheur qui commence donc cette journée à merveille ici. Mon cher Aro, une victoire où bah, il a fait le taf tout simplement. Bah oui, non, c'est sûr. Et puis nous, Canto et sa bande, hein, évidemment, oui. qui va analyser cette rencontre. Non, mais non, effectivement, voilà. C'est pas non. Pareil que Canto qui. Voilà. Non, c'est sûr. Pas Canto. Qui est présentateur. Qui est présentateur, très différent. Mais non, effectivement, pour revenir sur la rencontre, voilà, un match où il y a eu beaucoup d'opportunités. On s'attendait à beaucoup de buts, on a eu 6. Voilà, évidemment, Iliane Bouchy est toujours hein, ce circuit préférentiel. Il l'a fait 2-3 fois à chaque fois, ce centre au deuxième poteau, même quand c'est pas passé. Très, très dur à défendre. En fait, ce qui est trop dur, c'est d'aller chercher le lock du défenseur qui est au deuxième poteau. En plus, il peut bait un petit peu à travers ça, donc c'est très, très fort. Il y a eu des occasions des deux côtés. Faucheur a eu parfois un manque de réussite, parfois un manque de réalisme aussi devant sur les transitions. Donc, voilà, il s'est passé beaucoup de choses, mais il est vraiment ravageur, Iliane, sur les centres, sur le jeu au deuxième poteau, sur l'utilisation de l'espace. Et on le voit, Manica essaie de le canaliser, mais ce jeune homme a énormément de niveau. Ouais, James, on voit, comme d'habitude, hein, beaucoup de spectacles quand on a les matchs d'Iliane. Avec là, ce petit compte favorable et ce ballon récupéré à l'entrée de la surface de réparation qui lui fait beaucoup de bien et qui lui permet de marquer ce but du break. Même si derrière, Faucheur arrive à revenir un petit peu après, à chaque fois, Iliane a cette faculté à remarquer le but du break. Hein. Ouais, on avait plusieurs enjeux pour Iliane, on en parlait au début de saison. La première, c'est d'arriver à se solidifier défensivement. Il fait une mi-temps sans arriver à concéder de but, même s'il y a des occasions assez franches du côté de Faucheur, donc c'est une bonne chose. Et puis derrière, même quand ça se liquéfie un petit peu plus et que son adversaire parvient à revenir, comme tu le dis, il a toujours la possibilité de rester concentré, de continuer à mettre des buts. Là, on a fait les mauvais choix du côté de Faucheur. On a aussi manqué un petit peu de réussite. On est revenu à un but d'écart par deux fois, mais derrière, à chaque fois, c'est le coup de poignard d'Iliane qui permet de remettre l'adversaire à l'écart et puis surtout de psychologiquement toujours l'éloigner un petit peu plus de l'espoir de gagner la rencontre. Donc encore une fois, il me semble que c'est la combienième de victoire, 7e, 8e pour Edith. 8e. Ouais, 8e, ça fait victoire. Pas mal de victoires. Hein. Commence à faire beaucoup. Hein. Ah ouais, ça commence à faire pas mal. Et d'autant plus que Barro, on sait que le LOSC depuis le début de saison, c'est quand même plutôt compliqué. Désormais, Rocky là, va pouvoir jouer un peu relâché face à Dax. On sait que la semaine dernière, Rocky avait joué ce dernier match d'appui obligatoire. Donc désormais, Iliane peut retourner au charbon en match 3. Et Rocky va être libéré. Et Rocky a une vraie opportunité face à Dax d'aller chercher une victoire avec bonus. Oui, c'est sûr. Et au-delà d'opportunité pour Rocky de se relancer, en fait, c'est pour le LOSC que Rocky doit gagner. Là, il faut aller chercher 3 points pour le LOSC. Il faut absolument rattraper le Nantes. Il faut absolument rattraper le peloton des 6 premiers. Donc pour Rocky, ça va être ultra important, quel que soit le niveau, quel que soit le contexte aujourd'hui. Et sur cette rencontre là, c'est très très important de relancer la machine. Iliane va avoir des matchs 3, ils auront l'occasion de chercher des points, mais il faut arrêter de penser à ça. Je pense pour les Lillois, il faut essayer de se concentrer sur le match, mais attention,
parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais en face de lui il y a Dax, et Dax il est très très solide cette saison. Il nous en parlait quand il est venu en LAN, c'est un joueur qui fait beaucoup de méditation, qui travaille sur lui, qui travaille aussi offensivement. On a vu beaucoup de nouvelles choses, un petit peu comme Rezia dans cette nouvelle saison. Donc attention à ce Daxou qui, on le sait, va être sûrement impressionnant à l'image de ce nouveau papa qui arrive bientôt. Ouais, James qui fait également beaucoup de méditation, mais de la lévitation aussi, James. Messieurs, on va pouvoir moi, je l'évite pas. Mets une virgule dans ta phrase. Tu viens à terme. On va pouvoir partir dans cette deuxième rencontre en programme. C'est Rocky pour le LOSC qui va affronter Dax pour le FC Nantes. Ouais, une rencontre, Brian, à l'ancienne. Elle est terrible, celle-là. À l'ancienne, elle est vraiment dure pour toi. Là, c'est vraiment comme un lion avec ses deux petits lionceaux qui vont se battre devant toi. C'est ça, c'est ça. Beaucoup d'émotions. Et en plus, en vrai, même de mon point de vue, c'est impossible à pronostiquer. Parce c'est que dur. Pour les avoir vus beaucoup jouer la saison dernière, en match amical, Rocky avait tendance à prendre l'ascendant. Mais Rocky, il a ce truc de... Voilà, dès que ça passait en Ligue 1, il avait tendance à se brider. Alors qu'au contraire, Dax, lui, il avait tendance à surélever son niveau de jeu. Donc là, dans un match officiel comme ça, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas affrontés les deux. Donc honnêtement, très très difficile de pronostiquer le vainqueur. Ouais, une histoire de puissance, une histoire fraternelle là, entre ces deux joueurs. Hein. Ces deux joueurs qui s'apprécient énormément, qui se kiffent tout simplement dans la vie parce qu'ils sont extrêmement amis. Et là... ils vont devoir en découdre. Ils sont en train de s'inviter tranquillement. Ils sont en train de faire durer le plaisir, Brian. Ils n'ont pas envie, justement, de s'affronter. Ils veulent pas, ça peut se comprendre. On a un groupe où on s'envoyait des messages un petit peu cet après-midi. Ouais. Et Dax, il disait, mais si on va au pénalty, comment ça se passe? Parce que le match, il va jamais finir. Parce que, ils se connaissent par cœur? Mais non, mais surtout, les deux ne gagnent jamais une séance. Quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de gagnant. C'est une séance de tir au but, en fait. Il y en aura quand même un paquet. On va aller au tirage au sort dans cette rencontre. Non, on va essayer d'en découdre. En tout cas, voilà, je vous le rappelle, bien sûr, le LOSC qui a vraiment une obligation de résultat sur cette rencontre-là. Il va rester quelques journées tout de même. Il va en rester quatre derrière. Mais vraiment, là, tu peux commencer à te faire décrocher, en fait. Et puis pour le LOSC, c'est l'occasion, là, sur ce match-là, en cas de victoire de Rocky, de recoller tout simplement à Nantes. Nantes qui est pour l'instant 7e. Donc, juste en dessous de cette place de play-off. Donc, voilà, l'occasion de revenir ici pour le LOSC. Véritablement un match de gala, un classico, comme vous l'avez appelé sur le chat. Deux joueurs qui, par le passé, ont été champions du monde. Deux joueurs qui ont été sur le toit du monde, qui ont remporté des tournois individuels. Dax avec l'équipe de France. Donc, exactement, et Dax qui avait même gagné l'ESWC à l'époque. C'était loin, deux fois. Donc véritablement, je vous le dis, c'est un choc au sommet. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est Dax qui donne le coup d'envoi. Les deux sont concentrés, Brian. Ouais, concentré ici, Dax le premier à l'attaque avec Mbappé ici, la virgule qui va être tentée, bien anticipée par Rocky, mais le petit compte favorable ici qui bénéficie à Dax, qui peut servir Kolo Muani dans la surface de réparation. Kolo Muani qui se retourne, on cherche la faille, Camara avec Zaïre Emery, avec Camara de nouveau, Camara avec Zidane le passement de jambe ici, on cherche la faille côté Dax, on prépare bien son action ici, Mbappé qui est trouvé, Mbappé qui se remet sur le pied gauche, la passe ici, peut-être en trop ici du côté de Dax, mais on le voit en tout cas tout de suite, deux joueurs qui se connaissent très très bien, on voit Rocky qui n'est pas paniqué devant toutes ces passes ici à l'entrée de sa surface. Ouais, tout à fait, ça a été bien défendu de la part de Rocky parce qu'on l'a vu, Dax était extrêmement prompt avec son Kylian Mbappé, ça allait assez vite et parfois on a tendance à paniquer sur ces trucs là et Rocky est resté bien droit dans ses chaussettes et a pu récupérer ce ballon tranquillement. Attention au pressing là de la part de Kylian Mbappé, finalement le ballon va revenir dans les pieds lillois et ceux de Pressel Kimpembe, Brian. Ouais, bon pressing de Dax malheureusement ici, Rocky qui arrive à s'en sortir, qui peut servir sur le côté gauche, je pensais qu'il y avait un joueur tellement cette passe est loupée ici, mais il n'y avait personne, le ballon récupéré quand même ici par Rocky sur une touche avec Diakité avec Zaïre Emery, avec Vieira avec Ginola avec Ronaldinho et c'est bien défendu ici in extremis par Dax dans sa surface de réparation. Si Ginola très très bas sur le terrain qui peut changer d'aile vers Patrick Vieira. Allez, avec Zinedine Zidane sur Bafodé Diakité, on va essayer tout simplement de changer ce jeu que vous connaissez par cœur avec l'ami Dax qui va essayer de bien combiner le très bon contrôle de la part de Kylian Mbappé. Voilà, il va pas centrer Dax, c'est pas forcément son jeu à lui. On va toujours essayer de recentrer avec Zinedine Zidane maintenant sur Nordi Mukele. On ressort pour mieux rentrer, je suppose, avec Nordi Mukele qui tente une percée un petit peu en solo. Il a été très bien suivi par Bafodé Diakité et sa lance. On sent qu'il y a de la pression dans ce match ici. Il y a des joueurs qui ont du mal à trouver des espaces dans les surfaces de réparation. Zidane pour Dax, c'est en retrait avec Nordi Mukele, directement pressé par Ginola, pas mal de déchets
pour l'instant dans cette rencontre. Diakité qui récupère pour Rocky, qui va se donner de l'air côté droit avec Nordi Mukiele. Ouais, tout à fait, Nordi Mukiele. L'appel de Kylian Mbappé, foulé rapide. On va essayer de le servir et c'est bien fait. Il est tout de suite suivi de très très près par Marquinhos qui essaye de l'attraper par le maillot et ça lui réussit plutôt bien puisque ça permet cette récupération nantaise. Patrick Vieira, on va essayer d'assurer la relance. Alors le pressing de Rocky, c'est pas le pressing d'Iliane, mais il faut tout de même se méfier, hein, tout de même se méfier parce qu'un ballon donné, un ballon rendu, ça arrive en un clignement d'œil. Surtout que Dax, il fait des bons matchs dernièrement, mais il a tendance à en faire quelques-unes, hein, des erreurs de relance. Bah, comme celle-ci, hein, typiquement ici, Plenax l'a rendu directement à Rocky avec beaucoup d'espace ici, avec David Ginola ici, le player lock ici de Rocky qui se met à nous faire du lien de boucher, mais finalement on va le feinter pour revenir vers Zaire avec Ronaldinho. Bien trouvé ici de la part de Rocky dans la surface de réparation, la frappe croisée de Ronaldinho ici, 1-0 pour le LOSC. 1-0 pour le LOSC et c'était un petit peu prophétique, hein, Brian, hein, ce qu'on était en train de dire, parce qu'on sentait que Dax là, il commençait à essayer de s'appliquer, ouais. Il sentait que c'était peut-être en train de s'inverser, sachant qu'il a plutôt dominé la première partie, et voilà, ce qui devait arriver arriva. Rocky a finalement trouvé la faille, ça fait 1-0 pour le joueur du LOSC, mais les connaissants, je suis pas sûr qu'ils vont en rester là, je suis pas sûr, Brian. Je suis pas sûr que Dax le veuille, hein. Forcément ici en possession du ballon le Nantais, j'ai du mal à dire le Nantais, hein, ancien coéquipier avec lui, ancien coach avec lui à Lille. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir sous les couleurs du FC Nantes affronter justement son ancien coéquipier du LOSC, Rocky, ici, qui a bien récupéré le ballon avec Diakité qui peut changer d'aile, avec Nordi Mukiele. Et on sent, ouais, tu le disais, Brack, le match qui s'est peut-être un petit peu inversé ici, avec Rocky qui met un petit peu plus le pied sur le ballon dans cette deuxième partie de première mi-temps. Changement d'élan encore une fois vers Diakité. Diakité, il y a de la place ici, ouais, avec Ousmane Dembélé qui va resservir Diakité de nouveau. L'appel d'Ousmane Dembélé, il va pas être servi, et Rocky forcément, hein, quand il mène, on le sent, il est déjà très patient d'habitude. Quand il mène, il va l'être encore plus, et il est mieux, ouais, il est plus en confiance forcément avec ce but ici bien défendu de la part de Dax qui va quand même concéder la touche. Exactement, comme quoi un but un peu littéralement changer un homme. Et attention, ce ballon perdu avec ce très bon pressing de la part de Patrick Vieira. On va approcher tranquillement des 15 dernières minutes de cette première période et forcément Dax va essayer de mettre la deuxième. Il va passer même la troisième, Dax, dans cette partie pour tout de suite recoller avec Warren Zaïre-Emery sur Nordi Mukiele. Ça y est, il y a un appel, il y a un déblocage avec le player lock sur David Ginola. Peut-être non. Finalement, on va écarter sur le côté droit avec Kylian Mbappé. La frappe peut-être de Zaïre-Emery. Il va préférer jouer sur Fadi Camara. Kolo Muani qui va venir trouver ce premier poteau. Nordi, c'est plus pour le latéral droit. Randall, c'est plus pour Kolo Muani. Ça fait un partout. On le sentait. Oh là là, ce match. On va se régaler, mon Brian. Très très belle action. C'est vraiment un but des anciens, ça. Que des passes, pas eu de fioritures, pas de speed boost, de player lock, que des passes dans le bon timing pour Dax ici, qui a très très bien trouvé Randall ici dans l'intervalle, dans la surface de réparation, un partout dans ce match. Ouais, ce qui est drôle, c'est que honnêtement, moi c'est, je le confesse un peu, et c'est vrai que ces deux joueurs-là, on a tellement eu l'habitude de les voir jouer, on a tellement eu l'habitude de les commenter, qu'on a presque l'impression de les connaître par cœur, en fait. On sait en fait ce qu'ils font sur le terrain. Attention à cette passe tout de même de Ronaldinho avec ce centre. Il a essayé de la remettre du bout du pied et il a failli trouver un coéquipier au second, Brian. Ouais, heureusement ici, hein, le retour in extremis, hein, du défenseur de Daxi pour venir intercepter de centre. Un ballon perdu un petit peu rapidement ici par Dax, et Rocky qui en profite. Ginola ici qui est servi au milieu de terrain. Ginola qui va pouvoir trouver Ronaldinho, c'est bien fait. Ronaldinho qui écarte avec Nordi Mukiele, le bon speed boost de Mukiele ici qui va pouvoir resservir Ronaldinho ici dans la surface de brasse. Ronaldinho qui va servir Ginola qui va tenter de se retourner. On a finalement retrouvé Mbappé, le bon speed boost ici, petit contre favorable. On ne peut pas récupérer ce ballon du côté de Dax, et c'est finalement ça va être chose faite ici avec Zinedine Zidane qui vient calmer tout ça. Ouais, et Rocky, hein, avec un style, avec un rythme surtout extrêmement lent quand il attaque, hein, on le sent vraiment, il prend son temps sur chaque passe, sur chaque contrôle. Est-ce que ça va payer, hein, dans ce match-là face à Dax qui lui semble aller un petit peu plus vite, hein, dans tout ce qu'il entreprend. Il n'est pas du tout hors jeu, Kylian Mbappé. Dax fait la passe en retrait. Attention à ce ballon qui ne va pas sortir du camp lillois, et Kylian Mbappé qui ne pourra pas venir défier Petr Cech. Elle était difficile, cette passe. Il n'y avait pas, pas moyen de frapper ici, croisé, je sais pas. Bon, c'était compliqué, ouais. C'était le pied gauche de Mbappé, mais il y avait peut-être possibilité, pourquoi pas, ici de tenter sa chance. Il y avait quand même des options, Dax, mais il y avait des options, mais celle-là, à ce point-là, en retrait, elle me paraissait compliquée. Après, c'est sûrement pas là, hein, qui voulait la mettre, forcément, notre ami Dax ici, qui va récupérer le ballon, qui voit que le temps est terminé ici. On va mettre le ballon en touche, mi-temps
dans ce match des anciens, des légendes un petit peu braco ici, ouais. Partout. Match nul hein, pour l'instant, comme un symbole entre les deux frères. Il ne va pas y avoir de vainqueur dans ce match. Ils vont pas se départager. C'est peut-être le premier match de l'histoire de Ligue 1 qui n'aura pas de vainqueur. On va aller dans une séance de tir au but. Les gardiens vont tirer trois fois. Ils marqueront toujours pas. Même nous, on va tirer à la fin. C'est pour te dire. Ils vont dire, vas-y, prends la manette, tire, parce que là, ça va plus. Là. Non, mais en tout cas, oui, en effet, hein, un partout dans ce match. On ne s'est pas départagé. Ouais, ça peut être un match qui dure. Hein, ça peut être un match qui dure. Et puis, c'est drôle parce que vous pensez que c'est juste un match comme ça entre le LOSC et le FC Nantes, mais quelque part ces deux joueurs là ils jouent cette rencontre avec le cerveau complètement pris, le cerveau avec énormément d'émotions, savoir que tu joues un mec qui a été ton coéquipier, savoir que tu joues un mec qui est comme un frère pour toi, forcément tu l'appréhendes pas de la même manière la rencontre. Les connaissant un petit peu hein, je pense qu'il y avait frère avant le match, il y aura frère après, mais je pense que actuelle ils n'ont vraiment rien à non, faire. Non mais ton cerveau il te travaille quand oui, même. Là, oui, là t'es sûr, un peu oui, dur oui. Brian. Non mais c'est pas en fait c'est plus dans la façon de jouer parce que t'es dans une phase en mode là il sait que je vais faire ça bien donc sûr, il faut pas que je pense ça, comme c'est ça et oui c'est à ce niveau là oui. Oui, c'est sûr que ça travaille beaucoup forcément. Allez forcément, allez on est reparti hein, deuxième période, on ne va surtout pas bouder notre plaisir ici de voir ces deux joueurs s'affronter, se rentrer dedans. Évidemment c'est le divertissement à l'état pur avec David Gino là ici pour Rocky. Regardez encore une fois, je vous parlais du rythme hein, du rythme que met Rocky dans ses offensives. Regardez comment c'est très très lent. Ouh, c'est mal défendu mais c'est en même temps très bien fait parce qu'il arrive à progresser. Rocky avec cette frappe de Ginola, il va buter sur la défense. Ouais, bonne défense de Dax. De toute façon, on a un petit peu la physionomie de match à laquelle on s'attendait. Hein, Braque, un match assez lent. Ouais. Attention, encore une fois. Oh, Dax, encore une fois, l'erreur dans la relance ici. On s'était un petit peu perdu et cette faute ici, elle est bien généreuse hein, pour venir le sauver un petit peu parce qu'il y avait une grosse erreur. Encore une fois, on perd le ballon ici avec son latéral droit. Ouais, on a l'impression qu'il accélère quasiment jamais, hein, Rocky, hein, là dans ce match-là. Regardez, à chaque fois qu'il contrôle le ballon, voilà, tranquillement, il va prendre son temps, il revient, il se retourne, il essaye voilà, de trouver une autre solution. Mais il y a très peu d'accélération. Ça me rappelle un peu même ton style de jeu à toi, Brian, hein, quelque part. J'étais accéléré très peu. T'accélérais très peu dans le jeu, je trouve, je m'en souviens, c'est quelque chose qui me revient. Enfin, toi tu étais un peu comme Rocky. J'accélérais par la passe quoi. Exactement, ouais. C'est ça, tu faisais accélérer le ballon plus que tes joueurs. Attention cette frappe première. Attendez, premier poteau ici, il y avait peut-être de l'autre côté hein, qui était ouvert, pourquoi pas pour un petit extérieur ici de Kylian Mbappé. En tout cas, grosse occasion ici pour Rocky qui semble avoir légèrement le dessus là dans ce début de seconde mi-temps pour l'instant. Moukiele qui va servir Ousmane Dembélé sur le côté droit avec Ronaldinho, Ousmane Dembélé de nouveau, c'est bien fait. Patrick Vieira, c'est le retour ici qui va pousser littéralement, qui va dégager Ousmane Dembélé vers la ligne de touche ici. Ça sera une touche nantaise. Tout à fait, avec maintenant Zinedine Zidane qui va donner un petit peu d'air frais à cette équipe nantaise. On va pouvoir ouvrir un petit peu le jeu pour sécuriser les relances. La belle transversale là pour Patrick Vieira. Attention à l'appel de Randal Kolo Muani. On essaye de se positionner là côté. Attaque de Dax avec Madi Camara, nouvel entrant aussi hein, du Stade Brestois qui fait son apparition dans les effectifs d'Ligue 1. On continue de mettre un petit peu de variété avec Patrick Vieira peut-être. Patrick Vieira qui voit David Ginola venir essayer de le coller et il va finalement s'en sortir. Hein. Regardez, c'est vraiment vraiment très serré entre les deux. Hein. Les deux qui ne se laissent, qui essayent de ne pas se laisser d'espace et d'opportunité. On va finalement pouvoir accélérer un petit peu avec Dax après ce jeu qui a été recentré par Warren Zaïre-Emery et la très bonne sortie de Ronaldinho. Ah ouais, c'est bien pressé encore une fois par Rocky avec Diakité. C'est sur le côté gauche, un petit peu d'espace. Il y a l'appel de Zaïre-Emery. Pourquoi pas, il va pas être servi finalement côté Rocky comme à son habitude. On va prendre son temps ici. On va préparer cette occasion côté gauche. Diakité encore une fois. Le changement d'aile contré par Zaïre-Emery ici. Mais on va sûrement gagner le duel aérien ici avec la Ginole. Ronaldinho qui récupère pour le LOSC. Ouais, tout à fait. Ronaldinho qui a complètement décroché hein, de son poste d'attaquant. Attention, on l'a vu. Hein. On l'a vu tenter cet appel, mais il a tout de suite été repris. Finalement, on va préférer dédoubler avec David Ginola. Et maintenant, Ronaldinho qui va trouver en retrait Patrick Vieira. Le jeu est très axial là de la part de Rocky qui est parvenu à se présenter à l'entrée de la surface avec Ronaldinho là et passe pour la main de pieuvre de Petr Cech. Ah, la position semblait idéale là pour cette frappe croisée qui est restée peut-être un petit peu trop axiale malheureusement pour Rocky ici toujours à l'attaque hein, dans cette deuxième mi-temps, grosse deuxième mi-temps ici du Lillois pour l'instant avec Ronaldinho qui est trouvé ici. Ronaldinho en retrait vers Zaïre-Emery. Zaïre-Emery la frappe
frappe de Warren Zaïre-Emery, la frappe croisée qui finit au fond pour Rocky. C'est plutôt mérité, hein, Braque, sur ce qu'on voit de cette, ouais, de cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, c'est lui qui a les occasions et c'est lui qui vient prendre l'avantage ici à la 70e minute. Et oui, tout simplement parce qu'on a la sensation qu'il y a beaucoup plus de maîtrise dans le jeu de Rocky. Il a vraiment le contrôle sur cette deuxième partie. Un premier acte et une première partie de match qui a tourné à l'avantage de Dax parce que évidemment il avait peut-être un petit peu mieux géré son début de match. Il était un petit peu mieux rentré dans sa rencontre. Donc forcément, il s'est créé les meilleures occasions. Et par la suite, Rocky, par le jeu aussi et par ce style très maîtrisé, tout en contrôle, est parvenu à revenir, à rentrer un petit peu plus dans la tête de Dax et donc à aller chercher ce deuxième but avec Zaïre-Emery. La position était idéale. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire ici. Plus qu'à allumer la lucarne. Sacré frappe hein, quand même. Parce que, elle est belle. Elle est belle. C'était toi qui te plaignais à un moment donné qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient ce genre de ballon avec Jean Rau notamment. Ouais, Jean Rau, oui, qui voulait jamais. Et les joueurs ne frappaient pas. C'est vrai, c'est vrai. Et là, avec Zaïre-Emery qui a peut-être forcément des meilleurs stats également de long shot et de finition, mais en tout cas il n'a pas hésité ici Rocky dans cette, ouais, dans cette position et il vient prendre l'avantage dans cette rencontre et pour l'instant provisoirement Braque va offrir tout simplement les 3 points au LOSC. Exactement, 3 points qui seraient véritablement une bénédiction hein, pour les deux joueurs lillois slash Vitality. En effet hein, c'est vrai que Zaïre-Emery peut apporter ça, peut apporter ce truc que Jean Rau n'avait pas justement, peut-être cette qualité de frappe aux abords de la surface. Mais attention encore un ballon récupéré par Rocky. Regarde, il accélère jamais hein, il accélère jamais, il va accélérer justement quand il n'y a plus personne avec Ronaldinho. Maintenant il faut se présenter et il faut bien finir. Aïe aïe aïe, il y aura peut-être des regrets après cette frappe manquée, cette opportunité. Brian, ouais, attention à ne pas la regretter comme ah tu ouais. dis, parce que là c'est vrai qu'elle semblait plus évidente et on a envoyé une frappe un petit peu mollassonne ici sur Petrosedge. Dax, pourquoi pas, pour en profiter avec Kylian Mbappé ici qui est trouvé pour le Nantais avec Jonathan Clauss côté droit qui a fait son entrée. Jonathan Clauss, ici le bon débordement, Jonathan Clauss au deuxième poteau, il y a du monde, pourquoi pas, on va revenir, on cherche une solution côté Dax, on la trouve pas cette solution. Retrait malheureusement ici pour le Nantais, la passe qui va être un peu forcée et interceptée par Rocky. Ouais, comme l'impression dans cette partie que Dax est en train de s'éteindre à petit feu. Hein. Il ah, a sa deuxième mi-temps moins... est compliquée. Ouais. Ah ouais, il a beaucoup moins de solutions, il a beaucoup moins d'impact hein, dans cette partie, ce qui veut dire beaucoup moins d'impact mental sur son adversaire. Rocky qui semble être installé dans sa tête pour le moment, mais il reste encore du temps dans cette partie parce que là, Dax est au ballon avec Warren Zaïre-Emery. Petite passe pour essayer de trouver David Ginola. Le déblocage de Kylian Mbappé, il y a une belle solution sur le côté droit. On va préférer rester dans cet axe avec Zaïre-Emery qui revient et le ballon encore récupéré. Ah, il a du mal Dax, il a beaucoup de mal à se relâcher dans cette fin de partie. Ouais, là on rentre dans les phases de jeu que Rocky aime bien, où Rocky sait faire normalement garder ce ballon ici. 85e minute, on le voit, il va pas la rendre ici, il va au maximum tenter de conserver ce ballon, essayer de remonter le ballon petit à petit. Ça va être chose faite ici côté gauche avec Zaïre-Emery, pas mal d'espace ici, on est déjà très haut sur le terrain, on va pas se mettre en danger du côté de Rocky Tiakité qui va remettre sur Zaïre-Emery qui va mettre à Gino. Là c'est bien fait, la petite ouais. erreur malheureusement pas récompensée d'Axi de ce pressing. Gino là qui va encore une fois conserver ce ballon, Gino là qui ne va pas la jouer hein. Forcément c'est le poteau de corner ici pour Rocky. Ici on va pas essayer de mettre ce troisième but. Zaïre-Emery, Dax, pas Dax, ils sont fous là Rocky clairement dans ce match. Il n'y a pas important. Aucune peine, aucune pitié ici pour le Lillois. Gino là, poteau de corner, toujours la conservation et on va pas, Dax il l'aura pas retouché hein, depuis la 85e ici. Ça a été bien fait du côté de Rocky qui va pourquoi pas tenter de se faire plaisir maintenant avec Ronaldinho qui tente de servir à Mbappé. La passe malheureusement qui n'arrivera pas, mais l'essentiel est fait pour Rocky et le LOSC. Victoire des Lillois, 2-0, 3 points et ils reviennent tout simplement sur leurs adversaires du soir. Tout à fait, et on a vu hein, le geste de frustration de Dax là, qui a jeté son casque, même si c'est Rocky en face, forcément cette défaite elle fait mal pour le FC Nantes parce que quelque part ça empêche le FC Nantes de peut-être intégrer ce top 6. Que là, ça fait 0 point. Il l'aurait intégré, même du moins, il serait au moins revenu à égalité. Il serait au moins revenu à égalité à 11 points. Donc, c'est vrai que c'est une victoire qui peut faire mal pour les Nantais. Mais en tout cas, pour les Lillois, c'est la bonne nouvelle du jour. 3 points de récupérer. 2 matchs gérés, 2 matchs dans lesquels ils ont tout simplement dominé leurs adversaires. On va en parler justement à l'analyste Desk. Pardon, c'est toujours avec Kanto et sa bande. Merci Braque, n'oublie pas ton rendez-vous demain 17h du côté de chez l'orthophoniste pour pouvoir parler correctement. Messieurs, victoire de Rocky pour le LOSC, victoire avec bonus, Jim, c'est celle-là. Ah, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Oh que oui, elle va faire du bien à la confiance, elle va faire du bien aussi mathématiquement hein, au classement pour cette équipe du LOSC qui va aller chercher 3 points aujourd'hui et qui, si je ne m'abuse, était un peu moins. Vous avez 6 points, 3 points, un peu plus, 4
4 de retard, je crois. Je crois qu'ils étaient... Je sais plus, mais en tout cas, par rapport au FC Nantes... Le top 6, ils avaient 6, donc c'était à 3 points. C'était à 6, donc ils passent à 9. Non, c'est 11 points, je crois, le top 6. Oui. Ouais, oui. Bah, ils étaient à 5 points du top 6, alors. Voilà. Bon, on vérifiera sur le 2 points, quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il en soit, ça fait 3 points dans la pocket et ça fait du bien, surtout, je pense, avec une... S'éviter un match decider, s'éviter à nouveau de griller une cartouche. Et ne serait-ce que pour Rocky, ça doit toujours être compliqué, voilà, de jouer son ancien coéquipier, parce que tu le connais énormément, mais forcément lui aussi te connaît beaucoup. Et à ce petit jeu-là, on a vu deux joueurs extrêmement patients ne pas déjouer, mettre en place ce qu'ils avaient à faire. On sentait aussi quand même beaucoup de tension dans ce match. C'est finalement Corentin Chevret qui s'en est sorti de la meilleure des façons. Donc GG au LOSC. C'est vrai, Haro, la finalité, c'est cette victoire déjà, la victoire avec bonus et le d'avoir préservé aussi Ilian, de ce match d'appui. Ça permettra peut-être dans le sprint final de pouvoir l'utiliser à un moment où ça risque de compter vraiment pour la qualif, hein. Exactement, c'est ce que je disais avant la rencontre. Il fallait pas pour Rocky penser à c'est bon, on a débloqué le facteur Ilian, etc. Il faut des trois points, il faut aller chercher des gros matchs, et celui-là c'était un gros match contre face à un concurrent direct. Ils sont revenus à hauteur, ils sont donc maintenant 7e ex aequo à 2 petits points de la 6e place du coup, et avec autant de matchs que les 4 premières équipes du top 6. Donc attention maintenant à cette équipe lilloise. Et par contre, la très mauvaise opération, malheureusement, ça me fait mal pour eux, c'est pour les Nantais, eh oui. Parce que du coup on stagne et c'est très difficile maintenant, même si on n'est pas largué, ça fait un petit peu du mal au moral, je pense. Ouais, on est avec Dax, le joueur du FC Nantes. Bonsoir Dax, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Je pense que tu as entendu ce qu'a dit Haro, c'est une victoire, une défaite pardon, ce soir, qui fait très très mal au FC Nantes. Ouais, grave, j'ai même pas le temps de me remettre de mon match, mais non, c'est clair qu'elle fait super mal. En plus, moi j'avais vraiment envie de gagner ce match-là contre mon ancien club, même si je suis en très bon terme avec eux. C'était, je pense, c'était le match le plus important de la saison. On le perd, on a mal joué. En vrai, on a mal joué. Ils ont mieux joué que nous. Mais ouais, je suis dégoûté. Bon, il y a le fait que Nantes ne marque pas de points ce soir et le fait que Nantes relance aussi un concurrent direct comme le LOS qui était largué à 5 points de ce top 6 et désormais plus qu'à 2 petits points. C'est une double mauvaise opération, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que, bah ouais, comme tu le dis, ils reviennent derrière nous. Enfin, ils reviennent à hauteur de nous carrément. Nous, on avait un match de retard. Donc, en fait, même si on gagnait 2-1, on était ex aequo avec le top 6. Au final, on reste à 2 points. Le top 6 se joue, donc la 6e place restera à 11 points quoi qu'il, mais on a des grosses journées qui arrivent, il nous reste quand même des gros clubs, donc va falloir aller chercher les points, mais c'est dur de l'encaisser celle-là, c'est clair. Eh ben écoute, on va vous laisser tranquillement récupérer, puis vous retrouver la semaine prochaine, peut-être avec une victoire cette fois-ci pour raccrocher ce wagon du top 6, car rien n'est terminé. Merci Dax d'avoir été avec nous. Ciao, ciao. Bye bye, passe une bonne soirée. Ah, elle est dure celle-là, Jim, sur la sentie dans les paroles de Dax. Il fallait pas perdre, il fallait rattacher à ce wagon du top 6. Certes, c'est un top 6 qui ne va pas avancer puisqu'ils se jouent entre eux, mais le problème c'est que là on est à la 8e journée, la semaine prochaine c'est déjà la 9e, et c'est jamais bon d'avoir des points de retard et de pas être déjà en place, hein. Ouais, non, je pense que Dax forcément est déçu dans la mesure où il sait qu'ils auraient pu avoir une petite sécurité, comme il a dit, surtout avec leur match de retard, et dans la mesure où, bon, bah, comme il l'a dit, quand t'as une certaine rivalité, voilà, même si ça s'est bien passé avec le LOSC pour lui, t'as jamais envie de perdre ce genre de match assez spéciaux, et c'est surtout la force d'un calendrier qui va venir et qui risque d'être assez compliqué pour la suite, avec des équipes, voilà, qui seront sans doute moins abordables que le LOSC, sans vouloir leur manquer de respect. Donc il va falloir être extrêmement costaud du côté du FC Nantes et des Lillois qui doivent être bien plus heureux que notre Rémi Cabella national, puisque eux, pour le coup, ils ont été chercher les 3 points. Ah ouais, des Lillois forcément heureux, et ils sont avec nous d'ailleurs en interview, les Lillois, avec notamment Rocky, Manika et Eliane, le trio Lillois. Bonsoir messieurs, félicitations pour la victoire. On est avec un homme également qui ne s'arrête plus de gagner des matchs, c'est Corentin Chevret, on ne le présente plus. Coco, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bravo pour la victoire. Bon, ben, 2 victoires d'affilée en Ligue 1. Et ce soir, la victoire avec bonus qui vous ramène complètement sur le top 6. Vous n'êtes plus qu'à 2 points. C'est vraiment le scénario parfait, parce qu'en cas de défaite, ça aurait été compliqué. Ouais, on savait, déjà bonsoir à tous. On savait que ce match était super important.
on avait fait un petit peu quand même nos calculs, même si c'est tôt dans la saison. On a un match en retard sur pas mal d'équipes du top 6. Et on jouait les 7e. Le top 6 s'affronte tous. Donc on savait que là, c'était un match hyper important. Si on le perdait, on ne peut pas dire que c'était définitivement mort, mais en tout cas, ce serait très très mal embarqué pour les playoffs. Alors qu'à l'inverse, si on le gagnait, et surtout avec 3 points, ça nous relançait super bien. Là, on va revenir à 2 points du top 6 avec un match en retard sur pas mal d'équipes du top 6. Donc c'est cool. Je suis content. C'était l'objectif. On voulait absolument gagner 2-0. Et on l'a fait. Donc c'est super. Bonsoir les gars, félicitations encore pour votre victoire. J'avais une petite question pour toi, Coco. Est-ce que tu l'as préparé de manière assez spéciale ce match ou tu t'es dit, voilà, en détente, t'es resté dans ta bulle, le fait que tu joues ton ancien coéquipier, on imagine que ça avait une saveur un peu particulière. Est-ce que ça t'a aidé dans cette préparation ou au contraire, tu l'as pris comme un match lambda, entre guillemets? Au niveau de la préparation, déjà on sait que la veille au soir contre qui on affronte, donc la préparation, déjà de base, nous on avait essayé de faire c'est dur de calculer, mais les calculs pour qu'on ait ces matchs-là, donc on avait réussi, on était déjà bien. Dak, j'ai même pas forcément besoin de trop le préparer le match, parce qu'on se connaît par cœur, on a été coéquipiers pas mal de temps, c'est un de mes meilleurs potes sur la scène FIFA, donc je sais comment il joue, et en plus il joue quasiment comme moi. Donc, je sais à quoi m'attendre. Après, avec Dax, on peut toujours s'attendre à quelques petits trucs un peu plus, un peu plus différents de moi, ce que je sais faire dans la surface et tout. Mais je m'étais préparé, j'avais regardé ces matchs quand même, au cas où je voyais des petites choses. Et puis voilà, la préparation s'est bien passée et on repart avec la victoire, donc c'est cool. Et puis en tout cas, bien joué à Daxou, parce que c'était un match hyper fermé, un petit peu un match miroir. Et de toute façon, c'était sûr que ça allait être un match comme ça, que ce soit une victoire de mon côté ou de la sienne, c'est sûr que ça n'allait pas être un 5-0 ou quoi. On se connaît trop bien pour ça. Et j'espère que je serai amené à le rejouer au play-off. Coco, j'ai le sentiment que la victoire la semaine dernière, elle était importante face à Pastèque dans un match d'appui. J'ai le sentiment qu'elle t'a fait quand même du bien un petit peu à la tête. On a senti un Rocky un peu différent ce soir face à Dax. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages ou pas de ton côté? Ouais, clairement, je me suis senti mieux. Après, un petit peu comme la saison dernière où j'étais parti, je crois, sur un 0-5 au début de saison, que j'avais regagné un petit peu plus de matchs sur la fin. J'ai l'impression un petit peu de monter en puissance, pas forcément à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, je joue quand même souvent plus ou moins bien. Après, j'ai fait des ajustements quand même à la trêve au niveau de la tactique et je me sens mieux comme ça. Mais voilà, je sens que la première victoire, déjà, il y a quelques semaines, m'avait mis bien. J'avais enchaîné avec juste avant la trêve. Un match, une défaite au prolong contre Karim Isbak, mais je n'avais pas été très bon. Après, ensuite, on avait le dernier match avant la trêve que malheureusement, je n'ai pas pu jouer. Et puis là, en revenant, je savais qu'il fallait absolument au moins gagner un des deux matchs contre Auxerre. La victoire en match décisif, comme tu dis, elle est encore mieux. Je pense que ça m'a encore plus mis en confiance que si je l'avais battu direct. Parce que match décisif, c'est vraiment plus de pression, tout ça. Et j'avais fait un meilleur match. Donc, j'ai pu avoir un peu plus confiance en moi, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, je me sentais bien. Je savais que si je jouais mon jeu, ça pouvait passer. Et puis, c'est passé. Donc, 2 victoires de suite. On espère que la série va se poursuivre. Eh ben, écoute, merci, merci Coco. Tu féliciteras de notre part Manika et Iliane pour la victoire. Si mais j'en ai 12 000 des questions. J'en ai 12 000. Mais du côté de la régie, ils veulent finir tôt ce soir. Ils m'ont dit. Merci Rocky. Merci. Félicite-les. Passez une bonne soirée. Ciao. Ciao. Allez messieurs, on va pouvoir tranquillement avancer dans cette émission. Comme d'habitude, l'occasion pour nous de remercier notre partenaire Uber Eats qui nous accompagne, c'est Lilligan Uber Eats. Voilà, ce sont les copains, ce sont la famille et ils vont vous régaler également ce soir avec un pass Uber One à gagner d'une durée de 6 mois. Pour participer, c'est très simple, comme d'habitude, direction le chat sur Twitch, hashtag Uber One. Nous, on passe dans notre petite pause Uber Eats avec Titif qui ne veut pas se montrer mais qui nous donne quand même gentiment le sac. Petite pause Uber Eats et on revient pour la suite du programme. Et on est parti mon cher Haro pour cette rencontre XXL entre l'Estac et le MHSC. Une rencontre pourquoi? Parce que ce soir on peut déjà perdre une de ces deux équipes. Ouais, c'est ça, techniquement parlant, mathématiquement parlant, une défaite et 0 points pris pour l'Estac serait quasiment fatale, pas terminé à 100%. Ils sont quand même à 9 points du top 6 déjà, donc 9 points du top 6, ça fait pas mal de matchs. En sachant que derrière, on est à la 8e, ça serait la 9e journée, ça serait quasiment terminé. En tout cas, il y a Mohamed qui va pouvoir bien manger, parce que lui, il a un pass de Baron pendant 6 mois. Donc lui, quoi qu'il arrive,
peu importe le perdant ce soir, il a gagné un truc. Ouais, bien joué à Mohamed K48 qui va pouvoir tranquillement profiter de ce pass Uber One. Nous, on va partir sur cette première rencontre qui va opposer Mens et son adversaire du jour, c'est RVP. Un match qui va être ultra serré parce que deux joueurs peut-être en manque de confiance avec des styles de jeu très différents. Mens qui était un petit peu en train de revenir, qui a perdu le match d'appui en LAN. RVP, on l'a senti extrêmement tendu. On sent que dans les deux clubs, il y a quand même une tension dû au manque de performance. Il va falloir aujourd'hui essayer de régler la mire et c'est urgent maintenant. Ouais, on l'a regardé, 14-2 hein, de tension hein, du côté de Montpellier. Donc il va falloir vraiment il va falloir réagir et voilà. Et bumper, on me dit donc bumper. Bump. Bumper. Je te bump. Bump. Bumperon alors. Boum. Yo 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 les gars, on est parti pour cette première rencontre entre les Stacks et le MHSC, les Troyens maillot bleu, les Montpellierains maillot blanc, c'est RVP Legends face à Mens avec des cams inversés. Ouais, et attention, c'est on va directement aller côté droit avec Nordi Mukiele qui va lever ce ballon, le circuit préférentiel, hein. On passe par le latéral, on essaye d'aller au-dessus de la défense, ça ne passera pas cette fois-ci face à la défense vers RVP Legends qui va envoyer ce ballon côté gauche, attention à l'accélération ici d'Ousmane Dembélé, Dembélé qui va essayer de passer l'épaule, c'est bien joué de la part de Dembélé et le petit crochet. Extra passe, on avait le temps de fixer ici, ce sera un premier corner à faveur de Montpellier, les Stacks déjà en train de prendre la pression. Ah ouais, avec ce corner joué à la Rémoise avec Ronaldinho pour Warren Zaïre-Emery qui va écarter pour Quentin Merlin, le centre de Quentin Merlin pour la tête de Ginola en deux temps dégagé par Kimpembe, mais le ballon est récupéré par les Montpellierains. Ouais, on va essayer de jouer un ballon de la tête, ça ne passera pas ici, le Boeing 2-3 avec Kylian Mbappé, on va décaler côté droit sur Ronaldinho qui va remettre ce ballon en une, attention ici la passe laser pour Ginola. Est-ce qu'on peut trouver la profondeur? On va prendre son temps du côté de Ginola un petit peu trop et ça va permettre à Zinedine Zidane de tranquillement récupérer ce ballon. Quentin Merlin aligné lui aussi côté gauche ici pour essayer de relancer la balle, c'est bien joué avec Ronaldinho qui va essayer d'accélérer une nouvelle fois. Zaïre Emery est pris ici par le physique de Rony. Non, ce sera une faute selon Stéphanie Frappard. Ouais, avec Marquinhos qui va jouer ce ballon pour Nordi Mukiele, Zinedine Zidane avec Warren Zaïre Emery qui écarte avec Bafodé Diakité qui va déborder sur le côté gauche, il va plus vite que tout le monde. La fin de frappe de Diakité pour venir finalement trouver Zinedine Zidane à retrait avec Ousmane Dembélé, le compte favorable, mais non, c'est Marquinhos qui vient s'emparer de ce ballon et c'est Kylian Mbappé qui va pouvoir se relancer sur le côté droit avec le TGV. Kylian Mbappé, les passements de jambes en retrait, peut-être avec la passe pour Zinedine Zidane, les passements de jambes, mais c'est bien défendu par Mens. Ouais, attention, on va essayer de se relancer ici du côté du joueur troyen. Est-ce qu'on va réussir à trouver la faille? Diakité qui essaie de relancer. En tout cas, moi sur mon ordi, je sais où elle est. Tu sais où elle est la faille? Ouais. Ah oui, oui, je vois, moi aussi je vois où elle est. Attention à Mbappé ici, qui va aller sur le côté gauche avec Ousmane Dembélé. Ah, c'est pas mal ici, Dembélé qui se retourne, qui va trouver Ginola. Est-ce qu'on peut trouver le décalage pour les Troyens avec Zidane qui force un ballon? On a l'avantage du contre, le bon râteau, on n'est pas trop inventif. Là, malheureusement, dommage du côté du chevalier Troyen. On va devoir repartir de l'autre côté. La paillade a un petit peu plus de temps. Mais attention, par petite bribe, on arrive à être dangereux quand même. Et par contre, ici, on va loin dans la profondeur pour Kylian Mbappé. Ouais, avec Kylian Mbappé. La frappe de Kylian Mbappé, la main ferme de Petr Cech ici, 18 minutes de jeu, on continue de pousser avec RVP Legend, avec notamment ce corner joué à la Rémoise, encore une fois avec Ginola dans la surface de réparation, mais c'est bien défendu par Ousmane Dembélé qui va donner le ballon à Presnel Kimpembe. Ouais, on relance côté gauche ici, on va avoir un petit peu de temps avec Bafodé Diakité, le Lillois qui va essayer de relancer les Troyens ici, Ginola prend son temps, on va laisser d'aller de l'autre côté, le changement d'aile, ça ne passera pas, une fois, deux fois, on a forcé l'erreur, côté Mens, on peut centrer au deuxième, non, on va garder ce ballon au sol avec Zidane avec Zaïre Emery, ah, dommage, là aussi, petit manque d'inspiration, je pense qu'il y avait peut-être un petit coup à jouer au deuxième poteau, mais c'est pas passé pour le joueur du Montpellier Hero Sport Club, et on va pouvoir se relancer, mais pour l'instant, côté des deux clubs, il y a beaucoup de déchets. Hein. Au milieu de terrain, on a du mal à faire des différences, à trouver la faille. Et du coup, on va permettre à chaque fois à l'autre équipe de se relancer. Et on a un petit peu cette bataille du milieu de terrain qui prend le dessus dans la rencontre. En tout cas, changement d'aile pour les Troyens. On est déjà à plus de la moitié du temps de cette première mi-temps. Et pour l'instant, personne ne s'est vraiment montré dangereux. Ouais, avec Zinedine Zidane pour Bafodé Diakité qui va déporter sur le côté à gauche dans l'axe, la belle récupération. Ouais, tu fais bien de le dire. C'est vrai que 25 minutes et pas de grosses occasions depuis le début du match.
un match plutôt, plutôt amorphe avec un rythme un petit peu particulier, on va pas se mentir, même si là ça déborde avec le Roumain pour Ronaldinho. Et là voilà l'ouverture du score, on le disait, c'était un match où on s'endormait un peu, mais voilà que le Roumain a décidé d'accélérer et servi Pilegian qui prend les devants dans cette rencontre avec Ronaldinho Gaúcho qui vient ouvrir le score, 1-0 pour Montpellier. Ouais, magnifique, magnifique de la part de RVP ici, la petite McGeady Cancel qu'on va pas totalement faire à 180 degrés ici, un petit peu sur le côté pour se donner un angle de tir pied droit avec Rony qui évidemment à cette distance fait mouche, ça fait 1-0. Attention, encore une pète de balle ici pour Mens qui va essayer de repartir, mais encore une fois la frappe de loin pour R10, mais on ne pourra pas ici venir faire la différence, le break n'est pas fait, mais ce match est en train de prendre une nouvelle tournure. On a accumulé beaucoup trop d'erreurs de relance côté Mens, on se rappelle les deux changements d'aile ratés tout à l'heure, ici la relance courte sur le latéral droit, c'est très difficile pour Mens de grimper en confiance dans cette rencontre, mais là pourquoi pas avec ce duel. Non, toujours pas, passer la moitié de terrain est un véritable défi pour le moment pour les Troyens qui n'y arrivent pas trop et qui vont devoir s'armer un peu mieux dans les 10 dernières de la première mi-temps. Ouais, avec une longue transversale, pourquoi pas avoir une réaction avec Mens et ce centre directement dans les pieds de Nordi Mukele, c'est bien couvert par RVP Legend. C'est vrai que ces centres en général plutôt efficaces, mais à condition quand même de faire un player lock juste avant, et ça n'a pas été chose faite, hein, Haro. Et c'est pour ça que bah, le centre est arrivé un peu nulle part. C'est ça, exactement. C'est aussi la force de cette mécanique-là, hein, c'est que le ballon se téléporte complètement sur le joueur ciblé en général. Attention ici quand même, le bon décalage avec Nordi Mukele qui va essayer d'aller côté droit, Mens qui a un petit peu d'espace. Est-ce qu'on peut faire la différence? On va trouver Gino là encore, ça ne passera pas. Zaïre Emery tranquillement peut relancer ce ballon, et Kylian Mbappé est passé, on a sorti le défenseur du côté de Mens ici. Est-ce qu'on peut venir faire la différence avec peut-être un petit râteau? Le stop ball de Mbappé, le speed boost ici. Est-ce qu'on peut tenter l'extérieur? Non, on va chercher Dembélé. Dembélé qui accélère, la frappe croisée et l'envolée de Petr Cech, c'est pas fini, mais le Montpellierain est en train de pousser avec Ginola. La passe en retrait, Zidane qui tire juste à côté, et ça ne pourra pas faire le break pour le MHSC, mais on est bien plus proche du 2-0 que du 1 partout ici, mon cher Quentin. Ouais, et attention quand même à Mens qui va pouvoir réagir rapidement avec une grande transversale. Nordi Mukele, une touche de balle pour Ronaldinho, le ballon piqué, ouais. Le geste acrobatique de Kylian Mbappé, mais c'est Dante qui finalement va remporter son duel. On a raté le ballon pour le génie français. Présage de ce soir, telle est la question. Ah oui, telle est la question, et pour y répondre, il faut attendre 21h dans la compétition la plus prestigieuse du monde du football en 2024. Face à la Real Sociedad. Effectivement, qui évolue en Ila Liga Santander. Effectivement, avec... non, c'est pas la Ila Liga, mais plutôt la Liga. La Liga, oui. eSport. Exactement, oui. Il faut respecter parce que c'est le jeu que nous sommes en train de commenter. Et oui, effectivement, et là on a tenté malheureusement une passe dans le dos, ce n'est pas passé. C'est la dernière, on peut rien y faire, ça sera... une fin de première mi-temps tout simplement pour ces deux joueurs, pas évident de voir non, quand même j'ai peur. Non, mais je sais que des fois t'es capable de dérapage, là j'ai cru que t'allais bien déraper là. Ouais. Non moi je suis pas trop un dérapeur, enfin si, je suis un peu un dérapeur, mais qui sait. Oh, ça c'est Jim, vas-y lâche ton couplet. Ouais. Ah, Jim, lâche ton freestyle. Le plus beau gosse de tous les beaux gosses, quand même, c'est quand même toi, Quanto. Merci Aaron, non, c'est faut gentil. Le dire. C'est gentil. Je suis plutôt d'accord avec ton analyse, à vrai dire. Donc, je pourrais pas t'apporter malheureusement de contradiction là-dessus. Donc voilà, il va falloir faire avec. En tout cas, il y en a qui fait avec. Servi Pilegian puisqu'il mène 1-0. Eh ouais, il mène 1-0 dans cette partie. Il aurait pu mener par plus d'un but, hein, mais pour le moment, vraiment, on est beaucoup trop stérile du côté d'Abdelhamid Fares. Il va falloir une réaction ici, hein, clairement. Ok, les mains. Non, qui va essayer d'aller chercher quelque chose justement pour les Montpellier, hein, pour complètement éteindre les espoirs de l'Estac. Ça ne passera pas avec Presnel Kimpembe. Ousmane Dembélé va se retourner, on va chercher Zinedine Zidane. Zidane qui va trouver Zaïre Emery. Est-ce qu'on a un décalage à faire sur le côté gauche? Bien sûr que oui, avec Kylian Mbappé. Mbappé qui va décaler Ginola. Attention, ça va très vite pour le joueur de l'Estac qui peut aller trouver la différence. Ginola encore qui va essayer d'accélérer, le ballon donné en retrait, le deuxième poteau peut-être. Non, Dembélé qui va armer du pied gauche, le ballon revient, pourquoi pas pour le joueur de l'Estac. C'est un petit peu spécial comme opportunité, mais pourquoi pas la virgule avec Zaïre Emery qui va trouver Dembélé, la fin de frappe avec Mbappé. C'est bien défendu, c'était pas loin pour les stacks pour la première fois. Ah, et attention à la contre-attaque du côté d'Hervé Pilegian avec Ronaldinho notamment, ça va faire 2-0. Mon cher Haro, il s'est frappe complètement dévissé. Mais quelle action ratée monumentale pour Hervé Pilegian. Pas de timing vert et le côté fermé qui voit ici la lucarne se dérober complètement sur cette frappe. Toujours 1-0 pour MHSC, toujours 1-0 pour... RVP Legend qui bah là, va pouvoir se mordre les doigts s'il fait égaliser. Ouais, c'est ça. C'est pas la première fois qu'il est à deux doigts de mettre le break et à chaque fois il n'y arrive pas. Et en plus, ici derrière, petite erreur sur ce râteau passe qui en plus
semblait pas nécessaire pour le joueur roumain. Dembélé qui va remettre ce ballon encore en sortie de but. Est-ce que le Troyen peut se servir du manque de réalisme de Montpellier comme une force, comme une énergie pour essayer de retrouver des couleurs offensivement, même ce qu'on avait vu un peu plus inspiré sur les quelques dernières semaines. Et là, il est en train de tomber un petit peu dans ses vieux travers, un peu un manque de confiance. Mais là, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire en remontant le ballon, notamment avec Mbappé. Mbappé encore qui continue d'accélérer. La course est rare. On a tenté une frappe un petit peu illusoire, mais pourquoi pas avec Zidane. Zidane qui va trouver Ronny avec Ginola. Et l'égalisation du côté de l'Estac. Justement, on en parlait quand on rate trop. On se fait punir et il le sait, Hervé Pellegend. Ah oui, forcément, il faut toujours se méfier d'un garçon avec une moustache comme celle de Mainz. Parce que lorsque Athos, Porthos et Aramis s'appellent D'Artagnan, ça fait un but partout dans cette rencontre. Et Hervé Pellegend qui peut, lui, se tondre la moustache. Puisque malheureusement, il s'est fait égaliser. Ouais, et voilà. Il s'est fait tondre la pelouse. Voilà, tout simplement sur ce... qui, dans un autre contexte, n'a rien à voir d'ailleurs. Mais attention, on va relancer ce ballon. On pas dit comme ça, mais bon, d'accord, ok, pourquoi pas. Il s'est fait tondre les sourcils. Je sais pas, il a voulu prendre l'aile, il s'est fait couper l'aile, voilà. Ça, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, c'est ça. Et là, il a essayé de tondre. Voilà, il s'est fait tondre. Allez, le centre deuxième. L'arrêt de Petr Čech, dommage. Du côté des joueurs de MHSC, l'heure de jeu est déjà passée. On va jouer à deux ici avec Ginola et Ronaldinho. Est-ce qu'on peut faire la différence pour le Brésilien? On va donner ce ballon à Ginola. On va jouer au sol avec Dembélé. Le passement de jambe, l'accélération. On va donner à Dante. Le Brésilien revient sur Dembélé. Est-ce qu'on peut faire la diff? Oui, avec Ronny. Ronny encore qui va trouver le décalage. Moukielé, on peut centrer au deuxième. C'est parfait. Mais Petr Čech qui va être loqué sur ce ballon. On va pouvoir se relancer côté droit avec Ronaldinho. Ah bon, il y a des abonnements Prime. Je savais pas qu'il y avait des abonnements Prime, moi, sur cette chaîne. Ah bon, il y a des abonnements tout court, même. Bah, Yacine, bah, merci Yacine. Yacine s'est abonné avec Prime. Je savais pas qu'il y avait des abonnements Prime. Eh ben écoute, voilà. La Ligue 1 Uber Eats te remercie. Tu es désormais contributeur des droits TV pour les prochaines années. Bravo Yacine. Bravo Yacine sera aussi maintenant actionnaire majoritaire de la LFP. Non, pas du tout. Ça, c'est une blague. On un bureau t'attend. Un bureau t'attend. Effectivement. Non, allez, ce sera une sortie de but pour le Troyen. C'est vrai, hein, je l'ai lu dans le chat un petit peu. Voilà, un match à demi-teinte. Je pense que c'est parce qu'il y a pas mal d'erreurs, pas mal de petits détails qui coûtent cher aux deux joueurs hein, pour le moment. On a vu ces face-à-face ratés. On a vu beaucoup de déchets à la relance, notamment côté Estac, et ça rend ce match un petit peu à demi-teinte. En tout cas, c'est pour le moment un partout. On est à 20 minutes de la fin et bah, du coup, tout est jouable. Hein. Le Montpellierin qui va commencer à regretter un petit peu et qui commence à voir petit à petit non seulement le top 6 s'échapper, mais potentiellement aussi les chances de faire un back-to-back à la Coupe du Monde s'il continue. Ouais, c'est vrai. Là, c'est compliqué ce qu'il est en train de vivre, le Montpellierin, parce que voilà, il y a cette victoire qui est en train de s'échapper devant lui. Mais nul doute que par l'intermédiaire notamment de Quentin Merlin et de Ronaldinho, il peut arriver, pourquoi pas, à marquer un but désormais, comme dirait Naza, désormais. Mais non, là, il n'y a pas de but et c'est Mainz même qui va récupérer le ballon. Sac à dos, Naza, il y a quoi dans le sac à dos? Ouais. Sac à dos, Naza, il y a quoi dans le sac à dos? Bah, apparemment, dans le sac à dos, déjà, il n'y a ni Mainz ni RVP. Hein. Pour le moment, on a du mal à les porter jusqu'à la cage adverse. Attention quand même ici, avec l'excellent décalage pour les stacks d'Embélé qui va retrouver Mbappé, il croise, et oui, magnifique de la part de Mainz qui repasse devant, et le Montpellier qui est complètement perdu dans cette défense. Et il y a beaucoup trop de choses qui coûtent cher à Montpellier ici. Il y a le manque de réalisme, il y a les relances ratées, il y a la précipitation au milieu de terrain. C'est dur pour le MHSC, et ici Mainz est en train de faire la différence. Ah ouais, Mainz qui fait la différence, et ce missile de Kylian Mbappé qui termine sa trajectoire au fond des filets. Bravo à Mainz, bravo monsieur, parce que RVP semblait avoir le match en main. Finalement, Mainz, en l'espace de quelques instants, arrive complètement à le faire tourner. Je le sens un peu amorphe, l'RVP Legend. Je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, je le sens amorphe, moi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y croit plus trop, RVP. Je sais pas trop ce qui s'est passé, en tout cas, pour le moment. Après, c'est vrai que dans cette Ligue 1, c'est pas évident. Hein, quand on se voit un petit peu enfoncé dans le ventre mou perdant de la Ligue 1 Uber Eats, c'est difficile de garder la motivation. On le sait, mais eux, ils sont pas morts. Ils sont beaucoup moins morts que les stacks. Mais là, les stacks est en train de reprendre un petit peu de l'instinct de survie, un kit de soins même. Attention, le ballon qui ne pourra pas aller plus loin. On va pouvoir se relancer avec Colomoini. Il y a de l'espace, Kanto, pour le contre-troyen. Ouais, avec Randal Colomoini qui va essayer de donner ce
ce ballon à Kylian Mbappé, mais c'était sans compter sur le retour défensif exceptionnel de Dante, la légende brésilienne. Le ballon est toujours troyen avec Randal Kolo Muani qui donne le ballon à Ousmane Dembélé. Le petit râteau d'Ousmane Dembélé qui va revenir derrière pour Bafodé Diakité. Diakité pour Warren Zahir Emery. La frappe de Zahir Emery, mais elle est contrée par Ousmane Dembélé. Ballon à Montpellier, 10 minutes de temps réglementaire restant. Ouais, 10 minutes à défendre, 10 minutes à tenir pour les joueurs troyens pour essayer d'aller chercher cette victoire. On rappelle que par contre, une victoire 2-0 pourrait complètement relancer les stacks en cas de reperformance sur les deux prochaine journée, ça pourrait les relancer, mais encore faut-il créer la masterclass. C'est pas terminé pour ce premier match avec Kolo Muani. Kolo Muani qui accélère, il n'y aura pas de pénalty, c'est bien intervenu de la part de Mentz, mais c'est pas terminé. Corner, joue à la Rémoise avec Rony qui revient derrière pour Warren Zahir Emery. Emery qui va trouver Dembélé, le passement de jambe croisée qui ne passera pas face à Zahir Emery. Ce ballon est récupéré, il y a 6 petites minutes pour avoir la bouffée d'air de Mentz qui enchaînerait 2 victoires sur les matchs réglementaires, lui qui avait perdu au match d'appui, et ça pourrait lui faire du bien à la tête. Ouais, avec Presnel Kimpembe, attention à la relance de Mentz. Catastrophique relance, mais arrêt magnifique de Petr Cech. Ah ouais, là on peut craquer du côté d'RVP. Ah non, mais là après il peut s'en vouloir qu'à lui-même, hein. Je sais pas pourquoi il se plaint, il a le temps d'ajuster, contrôler, regarder le gardien. En plus il envoie pas une passe forte, il est pas en train d'accélérer quand il contrôle, il a vraiment tout le temps du monde ici le Montpellierin. Mais quelle erreur de Mentz encore. Ah c'est dur. Qu'est-ce que c'est que cette relance, 85e minute de jeu, comment t'envoies pas un parpaing de l'autre côté de la carte, comment tu fais pas rentrer Terem Moffi devant et tu fais une déviation de la tête et tu gardes la balle. Il le sait, mon coach. Brian, il le sait. Brian, ça c'est mon Bribri, c'est ma Karma, mon A. Regardez-le comment il est beau. Il le sait aussi bien que moi. 86e, c'est pas terminé pour les machines. Et ouais, c'est pas terminé parce que c'est Marquinhos qui a le ballon avec Warren Zahir Emery qui décale le ballon vers Nordi Mukiele sur le côté droit. Mukiele, le petit râteau, double râteau, Dante pour WZ2 qui donne le ballon à Ousmane Dembélé dans la surface de réparation. Si on a failli s'écrouler, Randal Kolo Muani qui envoie ce ballon et ce sera un corner. Ce sera un corner avec Randal Kolo Muani et Ronaldinho qui va relancer ce ballon avec maintenant Warren Zahir Emery qui va donner à Mukiele. Attention à Zahir Emery qui va rendre le ballon. Non, c'est bon, ça passera pas. Attention parce que ça va être insupportable à écouter. Mukiele maintenant qui va essayer de faire le player lock. Le ballon est encore rendu. Il faut le garder. Il faut le garder une petite minute 30. Et oui, le 6 mètres qui va normalement sauver les Troyens. Ouais, ce sera un 6 mètres avec Petr Cech pour Presnel Kimpembe. Kimpembe à la relance, on va donner ce ballon à Petr Cech, on le dégage et ce sera la fin de cette rencontre. Et victoire troyenne, victoire de Mentz. Et c'est peut-être un hold-up, on peut le dire, parce que Mentz n'a pas eu beaucoup d'occasions. RVP en a eu beaucoup plus. Mais Mentz a été clinique. Victoire troyenne, 1-0 pour les Troyens. Ouais, bien joué de la part des Troyens, ça va complètement les relancer. Et ça, par contre, c'est le genre de défaite qui peut enfoncer les Montpelliérains au fond. On l'a vu à la réaction d'RVP. Ça me fait peur pour la suite pour Montpellier. En tout cas, 1-0, Rafsou a entre ses mains le destin de l'Estac. Et oui, messieurs, parce que Rafsou a l'opportunité tout simplement d'aller chercher une victoire avec bonus. Et ce qui permettrait aux Troyens de déserter cette dernière place avec 3 points, de faire un bond et d'égaliser avec des équipes qui ont 5 points, ben comme Montpellier par exemple, comme la JOCR par exemple. Et dans ce cas-là, les Troyens pourraient y croire encore un petit peu dans cette compétition. Dims, Brack, Brian, c'est un gros coup que vient de faire Mentz. Un sacré hold-up sans cagoule, on peut le dire, messieurs, sur ce match, comme disait notre regretté René. Une victoire donc 2-1 de Mentz qui était très très mal embarqué. On a vu un nombre incalculable d'actions de la part du joueur montpelliérain. On n'a pas réussi à tuer ce match. Et derrière, c'est une victoire de l'Estac qui risque de faire beaucoup beaucoup de mal à cette formation du MHSC, Brian. Ouais, c'est ça, non, clairement. RVP, voilà, honnêtement, qui a fait son match, il n'a pas été mauvais. Mais voilà, RVP, on le sait depuis le début de la saison, c'est un joueur qui a besoin de marquer énormément pour gagner parce qu'il laisse des brèches. Même défensivement, c'est pas l'assurance tout risque. Il laisse des brèches et c'est vrai que c'est rare de le voir mettre qu'un seul but dans un match, encore moins avec autant d'occasions. Et là, voilà, il a trop raté. Alors parfois c'était ses joueurs, parfois c'était lui. Je pense notamment à l'occasion du 2-2 là où Mentz fait une erreur de ouf. Et il bouge derrière très bien le gardien, mais RVP se fait un petit peu piéger un petit peu facilement, je trouve, sur ce mouvement du gardien. Mais c'est vrai que voilà, là on le voit, les occasions qui défilent pour le Montpellier, on le voit frustré forcément. Et Mentz qui, lui, de son côté, bah voilà, il a eu deux coups à jouer et il les a très bien joués. Là on voit déjà un petit peu de réussite là sur cette occasion dans un premier temps. Ensuite, l'action qui est très très bien jouée, Ginola qui est bien croisé. Mais voilà, Mentz qui, contrairement à son adversaire, a su être efficace. Alors honnêtement, voilà, j'avais vu du mieux chez Mentz la semaine dernière, je trouvais qu'il avait un petit peu mieux joué. Là honnêtement, c'est pas son meilleur match cette saison. Mais c'est une victoire voilà, qu'il faut savoir prendre. Parfois voilà, sur IFC, tu peux pas avoir que des matchs où tu domines tout le temps. Il faut savoir parfois faire le dos rond. Il l'a bien fait, il a eu ses occasions, il a marqué. Donc voilà, belle victoire
de Mainz ici qui vient accrocher un point important et mettre Afsou dans les bonnes conditions. Braque, on l'a vu, cette rencontre a complètement échappé à RVP. On aura une deuxième rencontre entre Rafsou et Dami qui n'est pas du tout dans une bonne dynamique. On l'a vu avec une première victoire au début de la saison et puis derrière 5 défaites d'affilée. Ça peut sentir les 3 points pour les Stacks aujourd'hui. On l'a dit, ils en ont absolument besoin. Est-ce qu'on peut réagir du côté de Dami face à un Rafsou qui lui aussi n'était pas en super posture, mais qui, on le sait, a annoncé des choses, a la volonté de toujours se battre dans cette Ligue 1 Uber Eats. Comment ça va se passer d'après toi, Braque? Bon, comment ça va se passer? Moi, je suis pas devin, donc. Allez, prends des risques, Braque. On va voir ça. Non, mais c'est pas forcément prendre de risques, mais je pense que Rafsou, il est capable de le faire, tout simplement. Je pense que Rafsou, là, sur ce deuxième match, après que son frère se soit imposé dans les conditions qu'on connaît, qu'on vient de rappeler, c'est une aubaine, véritablement, pour les Stacks, qui donnaient l'impression un petit peu de s'enfoncer sans avoir de solution pour sortir un petit peu de ça. Là, honnêtement, c'est un spot parfait pour venir essayer d'aller chercher ces 3 points. En plus, là, on parle de 3 points, on n'est même pas en train de parler de 2 points, parce que Rafsou a clairement les capacités de s'imposer contre un joueur qui véritablement n'y arrive pas du tout en Ligue 1. On parle beaucoup d'RVP Legend, mais il faut aussi parler de Dami. Tout à l'heure avec Brian, on s'est fait la remarque. RVP est même plutôt bon. Hein. Oui, RVP est plutôt bon. On a regardé la stat tout à l'heure, il a mis que 7 buts, c'est ça, depuis le début de la compétition, t'imagines. Très, très léger. C'est extrêmement très léger. Donc là, Rafsou, bien défendre, bien manger, bien dormir aussi. Attention, parce que Rafsou, il a tendance à en encaisser, par contre, dernièrement, lui. Oui, il a. 2 matchs de la semaine, 6-0 à la mi-temps contre Dilo, 4-0 la semaine dernière face à Karim. Mais là, on est en train de parler Karim, de Dilo, on est en train de parler de Karim. Sûr. Là, voilà. on va affronter un joueur qui attaque Dami. Beaucoup moins fort. Ouais. Voilà, un joueur qui attaque pas, qui a du mal, qui n'arrive pas à se sortir de cette situation. Donc là, vraiment, le spot, il est idéal pour venir faire un vrai braquage. Et je sais de quoi je parle. La clé de ce match, du coup, on imagine l'entame, Brian, avec, tu l'as dit, Rafsou qui avait eu tendance à se laisser un petit peu déborder en début de rencontre avant d'arriver à revenir, parfois même gagner la deuxième mi-temps, mais il faudrait être plus solide, on imagine, sur l'assist défensif. Faire un bon début de match et juste marquer, en fait, pour Rafsou, parce que voilà, Dami, on l'a vu, enfin, à moins qu'il y ait un changement du tout au tout pour lui et que ça devienne un fou furieux en attaque, mais non, j'ai du mal à l'imaginer, donc voilà, juste marquer pour Rafsou, voilà, je pense que. Voilà, honnêtement, il marque 3 buts dans ce match, il gagne le match. Quoi. Je vois mal Dami en mettre plus que 3, honnêtement. Donc, il va falloir marquer pour Rafsou et être mieux démarré que d'habitude. Et puis, on a la sensation aussi que ça a l'air d'aller un petit peu mieux du côté de l'Estac entre les deux. Parce que, voilà, on ne va pas revenir sur l'épisode d'il y a quelques semaines. Mais on sent bien que. Après tout ça, il y a un petit peu de sérénité qui est revenue, même s'il n'y a pas forcément eu les victoires et tout ce qu'il fallait. Tu sens que ça s'est apaisé. La tension, le climat est redescendu. Donc maintenant, à Rafsou de performer. Et franchement, il a les armes pour le faire, là. Vraiment. Bah écoute, on va voir si Rafsou est capable d'aller chercher cette victoire. Messieurs, au casting desk, c'est à vous pour nous faire vivre ce deuxième acte de ce match Estac face au MHSC. C'est juste maintenant. C'est juste maintenant entre l'Estac et le MHSC e-sport. Vous le savez, Rafsou va avoir entre ses mains l'avenir de l'Estac dans cette compétition, je pense, très honnêtement, parce que 0 point aujourd'hui, ce serait quasiment synonyme d'élimination. Je ne me regarde pas comme ça, je sais que tu vas dire une connerie. Mais avant que tu la dises, on va quand même remettre le match dans ce contexte. Dami, face à lui, n'a pas gagné un seul match depuis la première journée de championnat. Et là, en plus, il a lui aussi le destin du MHSC entre ses mains. Et ouais, ça fait pas beaucoup. Hein. Si on regarde bien, Rafsou est quand même largement favori dans cette rencontre. Ouais. D'autant plus qu'on l'a dit, il faut des victoires avec bonus hein, pour les Stacks, pour espérer quelque chose. Et c'est l'occasion à Rafsou de venir prouver qu'il est capable. Et eh ben on est parti, mon cher Dims, mon cher Arro. Dims, c'est moi. Ouais. J'ai pris un bronzage instantané là, de la part de mon frérot Canto. On est reparti effectivement, oui. Mon cher Brian, avec Ronaldinho qui va maintenant chercher Zaïre Emery. Et on le sait, Rafsou le sait aussi. C'est maintenant ou jamais la remontada. Pourquoi pas la belle histoire pour les Troyens. Pourquoi pas l'histoire de l'année. Pourquoi pas l'histoire d'un club qui renaît. L'histoire d'un club qui revient. Du bas-fond de ce classement qui est stagné à 2 points depuis tellement de journées, qui a envie de sortir de cette lanterne rouge. Attention, Camara qui va chercher Zaïre Emery encore pour faire la différence. Peut-être, est-ce qu'on peut se retourner du
côté de WZ2 qui va chercher Dante Camara. On va écarter côté droit, on prend son temps du côté de l'Estac. On va pas se mentir, c'est le gros piège hein, de manger un petit quelque chose ou de boire un petit quelque chose entre deux matchs, c'est le gros piège. Et oui. Parce qu'après ça remonte pendant un quart d'heure tout simplement, donc tu peux plus parler. Mais en tout cas, on va devoir quand même commenter ce match-là parce que Demi Fifa a le ballon à l'heure actuelle avec Quentin Merlin sur le côté. Voilà que Quentin Merlin continue de pousser. Attention avec l'intervention de Petr Cech, impeccable. Ce sera une relance à la main pour le gardien troyen. Ouais, c'est bien joué de la part de Rafsou. Là, ici, on a été lucide. La relance au pied directement, la déviation pour repartir côté gauche. C'est bien joué avec David Ginola. Est-ce qu'on peut aller trouver quelque chose ici? Le bon entre Ginola et Dembélé. Ginola encore qui va trouver l'axe. Bien sûr, avec Mbappé, mais c'est très bien défendu de la part de Bafodé Diakité, le joueur des espoirs de l'équipe de France qui fait parfaitement le boulot. Et attention, Demi, ici, qui arrive parfaitement à sortir de ce côté droit. Attention aussi parce que Demi, pourquoi pas hein, pourquoi pas se relancer dans cette rencontre? C'est pas le pire adversaire pour justement reprendre un petit peu de confiance parce que l'Estac est aussi une équipe qui a du mal à enchaîner les victoires et surtout Rafsou depuis un petit moment. Attention par contre là c'est extraordinaire ce qu'il vient de nous faire Rafsou avec ce ballon en profondeur pour Kylian Mbappé, l'appel contre-appel et ça fait 1-0 pour Rafsou ici. Quel énorme travail de la part de Fouad Farès, on l'a vu, le player lock, l'appel contre-appel vers l'intérieur du côté d'Mbappé, ça fait 1-0, c'est parfait pour l'Estac qui une pause est demandée par le Polonais. Ouais, le Polonais qui va devoir déjà faire des ajustements tactiques parce que là, il s'est fait piéger en seulement deux petites passes. Là, c'est Rafsou qui a profité d'une merveilleuse contre-attaque, un ballon aérien dans l'axe et Kylian Mbappé s'est retrouvé tout seul devant le but, tout simplement. Voilà, en l'espace de deux passes, Rafsou a trouvé la solution pour venir faire péter le cadenas et le verrou montpelliérain et ça fait déjà un but à zéro pour Fouad Farès dans cette rencontre et le voilà qui d'ailleurs continue d'attaquer. Ouais, attention ici justement on va aller côté gauche avec Ousmane Dembélé, l'ancien Barcelonais qui va revenir sur Ginola qui va pouvoir faire la différence ici, pourquoi pas avec Ronaldinho. Ronaldinho qui revient, dommage de la part de Rafsou, c'est pas terminé avec Zaïre Emery qui va retrouver Mbappé le bon 1-2-3, Ronaldinho, Mbappé, c'est pas terminé, le speed boost, on le sent bien Rafsou, la confiance est en train de monter, il faut pas le laisser comme ça grimper dans les tours avec Camara justement, on va encore aller côté gauche avec Dembélé, il se passe pas grand chose mais on sent il rôde, il est en train d'observer sa proie pour venir l'abattre d'un coup de machette, un coup de marteau et on vient complètement assommer le MHSC. Nos résafs, nos parties pour les Montpelliérains depuis quelques semaines, c'est terrifiant pour eux et maintenant ça fait 2-0, le break est fait du côté de l'Estac qui est en train de renaître de ses cendres. Et ouais, c'est fait avec notamment cette action collective merveilleuse, ce débordement sur le côté, on est venu trouver son attaquant esselé complètement au deuxième poteau. Qu'est-ce que c'est bien joué là de la part de Rafsou qui se permet de se mettre à l'abri d'entrée. Attention quand même, voilà. Attention quand même à ses engagements. Attention quand même à ne pas se relâcher. Et attention à Rafsou puisque ça fait désormais 2-1. Et le but du break qui est annulé pour le joueur français. Mais Rafsou est toujours devant dans cette rencontre. Eh oui, Rafsou est toujours devant, mais on a quand même une belle réaction. Belle réaction de la part de Demi. On va pas les enterrer, c'est Montpellier, c'est pas terminé, même si on sentait que c'était très difficile pour eux ici sur cet engagement. On va rapidement revenir au score, mais Rafsou qui va devoir faire le boulot ici pour l'Estac, chose qui pourrait d'ailleurs condamner. Quasiment, pas condamné, mais mettre le Montpellier dans la difficulté. Encore une fois, ce circuit préférentiel, hein. On en a déjà parlé dans une palette. Hein. Prendre le latéral, faire des player lock, aller dans le dos de la défense, très très fort, arme principale de l'Estac. Le centre deuxième poteau, on s'inspire d'Ilian. La retournée, acrobatique stoppée par Gianluigi Donnarumma qui va sauver les Montpellierains. Attention Demi, attention mon grand, tu nous viens de Pologne, tu as conquis l'Angleterre mais la France a l'air un trop gros poisson pour toi. Ouais, avec Ginola qui va donner le ballon sur le côté avec Quentin Merlin pour donner ce ballon à Vieira. Petr Cech, attention Rafsou à la relance, mais c'est merveilleusement fait. J'étais en train de me dire dans ma tête, attends, la Pologne a conquis l'Angleterre, mais non, mais c'est parce qu'en fait il allait en Première Ligue. Et il l'a gagné. Ouais, c'est parce que j'étais en train de chercher une portée historique à ce que tu viens de dire, alors que non, en fait c'est juste un mec de FIFA qui va taper des gens anglais en Angleterre, quoi, et qui maintenant vient essayer de gagner face à des joueurs français. Ouais. Je suis allé trop loin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit peu trop difficile, apparemment. Après, bon, là, il est Première Ligue, il a une lien très différent. La Première Ligue, c'est vrai qu'il y a encore des Open à l'époque, donc évidemment, c'est particulièrement différent. Vieira qui va lever ce ballon pour aller côté droit avec Nordi Mukiele. Qui va essayer de revenir maintenant. On va trouver Rony. Rony peut faire la différence. Ouais, dommage, ça ne passera pas. Bafodé Diakité qui va s'interposer. Et Mukiele maintenant, qui va donner un petit peu d'air au Montpellier en récupérant ce ballon haut. Attention, attention quand même à Fouad Farès ici. Attention à la surprise. Attention à Rony. Attention à ne pas faire taire les cris.
critique et à chaque fois on sollicite ce gardien de façon un peu artisanale et on perd la balle, les relances du côté de l'Estac et heureusement on arrive à défendre, mais pour combien de temps? Peu artisanal ou peu académique, tu voulais académique. Dire attention avec Dembélé et la frappe Ousmane Dembélé, la parade de Petr Cech incroyable qui lui permet de venir sauver le but de Fode Fares. Et attention à la contre-attaque troyenne à présent avec Kylian Mbappé qui va lancer par-dessus Ronaldinho avec le ballon, la frappe croisée alors que le côté ouvert était très très ouvert. On conservera ce score de 2 buts 1 à Rome. Mais quelle action ratée. Ah, quelle action ratée, dommage, hein, faut pas s'en vouloir, mais ce ballon il est quand même bien dosé pour Patrick Vieira qui va aller trouver Ousmane Dembélé, l'enroulé, non c'est l'extérieur. Mbappé prend son temps, la feinte, mais la feinte du facteur ici qui ne passera pas. L'excellent tacle de Rony, ça ne suffira pas pour Montpellier pour repartir. 40e minute de jeu avec Nordi Mukiele justement qui peut essayer de faire la différence, hein. L'ancien Montpellier va trouver Zaïre-Emery pour essayer de faire la diff aussi dans ce milieu de terrain. Est-ce qu'on peut casser la ligne? Voilà qui est fait avec Mbappé qui va trouver le décalage sur Nordi Mukiele qui va aller dans la surface, le deuxième, mais tire. Et heureusement Rafsou qui aurait pu se faire une énorme frayeur. Ça fait 3-1, on le voit, la réaction du Troyen. Ça aurait pu mal se finir cette histoire, mais le break est refait une nouvelle fois. Ouais, le break est refait, mais j'ai pas trop compris là la temporisation de Rafsou. Il n'a pas voulu tirer en une parce qu'il a eu peur que Dembélé frappe sur le poteau, probablement vu qu'il était très proche de celui-ci. Maintenant, la frappe a mis beaucoup de temps et l'animation a mis beaucoup de temps à partir. On a eu très très peur, mais ça fait quand même 3 buts 1 pour l'Estac qui remarque le but du break. Rafsou s'est mis à l'abri juste avant la mi-temps et ça c'est une bonne chose. Ouais, c'est la bonne nouvelle. Spoumi qui nous dit on n'est pas passé loin d'avoir une manette volante en plein live 4K HD sur le stream de la Ligue 1. Moi, je vous avoue qu'elle aurait volé aussi dans tout Paname. Attention, Mukiele qui va centrer justement. Ce ballon ne passera pas. On donne la dernière. Va mon grand. T'es grand aujourd'hui. Tu peux le faire, mais dommage. Tu peux le faire que si Vieira n'existe pas. Mais pourquoi pas encore, tu te relances. C'est parti avec Mbappé. Il accélère. Il va côté gauche. Il est inarrêtable. C'est qui ce mec? C'est Fouad Fares. C'est le retour du roi. C'est le retour du monstre. Il va le faire. C'est la dernière, Dembélé, il revient, Camara, 45e, c'est FIFA, c'est eSport, on connaît, on le sait, ça fait plus 3 pour les stacks, et il le sait le Polonais aussi, on ne donne pas les dernières, non, on les donne pas, ça s'appelle un giveaway ça c'est un don du sang, c'est je sais pas comment on peut la donner, mais ça fait 4-1. Ouais, alors que nous, normalement, il faut aller dans le chat pour gagner quelque chose, Rafsou, il a juste besoin d'aller sur la console, Dami lui donne les buts et ça fait 4 buts à 1. Et là, ben écoute, ça sera peut-être la toute première victoire de la saison de l'Estac avec le bonus. Une victoire qui leur permettrait d'atteindre le total de 5 points et de grappiller une place, de passer virtuellement devant l'AS Monaco qui doit disputer son match encore dans cette 8e journée. Mais l'AS Monaco est virtuellement dernier de ce championnat, tout simplement. Ah ouais, l'AS Monaco qui... c'est ça, c'est eux qui prennent la petite posture de lanterne. Là, il va falloir se rattraper. Bon, ils auront le temps tout à l'heure, les monégasques, de se relancer, eux aussi. Pourquoi pas, on le sait, on en a parlé dans le pré-show. C'est la journée de toutes les équipes qui sont en dessous du top 6. Demain, on aura toutes les équipes du top 6. Du coup, on va dessiner très allègrement les deux parties du tableau dans cette journée numéro 8. Donc attention, soyez attentifs. En tout cas, les stacks est en train... pour l'instant de prendre la masterclass qu'ils attendaient depuis le début de saison, peut-être potentiellement la première victoire 2-0 pour les Troyens. Diakité va changer d'aile pour aller trouver Nordi Mukiele. Il a de l'espace, Rafsou ici, le player lock au deuxième poteau, va s'inspirer des meilleurs bien sûr. Ce ballon revient sur Rony, pourquoi pas le passement de jambe, et cette passe un peu trop anticipée, mais on a l'avantage du compte là, Kanto. Ouais, avec Dembélé le petit râteau, la fin de frappe d'Ousmane Dembélé, c'est magnifique. Du ballon. Avec Kylian Mbappé, la frappe de Ronaldinho, elle est contrée celle-ci. Et ce sera tout simplement un corner pour Rafsou qui va vouloir marquer ce 5e but et se mettre définitivement à l'abri dans cette rencontre. Mais voilà que le corner n'est pas très bien joué. Et c'est un ballon qui va même profiter aux Montpellierains qui vont pouvoir ressortir. Ah ouais, effectivement. Et je vois dans le chat des Free Maroudis de la part de Babadinho. C'est quoi? T'es en train de nous dire Free Diogo Peixoto version MHSC, Free Walkie 10, je pense, dans le chat. On revient il y a 3 ans pour les Montpellierains. En tout cas, pour le moment, on a du mal. Allez, imaginez faire du bien. On est un peu dur avec eux, les Montpellierains. Mais on attendait tellement. Et surtout, RVP avait tellement parlé pendant les interviews en disant que les Français ne jouent pas dans la même catégorie. Que lui, en disant qu'il était impossible pour les Français sur ses serveurs de marquer même plus de 2 buts contre lui, dire qu'en LAN il était injouable. Bon, ça on l'a pas encore vu, mais voilà, il y a eu beaucoup de déclarations côté Montpellier-Rennes et pour le moment c'est très difficile d'imaginer quoi que ce soit de positif pour eux pour aller jusqu'au play-off. On est déjà à l'heure de jeu, Kanto, et l'Estac est en train de faire l'énorme opération de cette 8e journée. Pourquoi pas, on aurait un Fouad Fares de bonne humeur en interview, ce serait plus. Ouais, ça serait de bon augure pour Jim Saint qui va faire cette interview, peut-être d'un Fouad avec le
sourire. Attention quand même à Demi qui peut revenir un petit peu au score dans cette rencontre avec Kylian Mbappé. Là voilà la réduction du score. Allez, Montpellier-Rennes, ça fait 4-2. Il aura eu besoin d'une occasion pour venir égaliser ou plutôt réduire la marque à 4-2 désormais. Demi Fifa qui n'a pas dit son dernier mot dans cette rencontre. 4-2 pour les Stacks. Eh ouais, 4-2 pour les Stacks. Et pourquoi pas quand même, on va garder espoir dans la paillade. Là, ça peut encore le faire. Marou, à qui on passe un petit coup d'Iaquité aussi. Hein. Il y a beaucoup d'anciens pensionnaires de notre Ligue 1 Uber Eats à qui on peut passer un bonjour, messieurs. Vous voyez la relève hein, derrière vous. Vous avez écrit Turbo l'histoire. FIFA. Et oui, Turbo Lolo. Turbo Lolo. Turbo Lolo. Il y avait Tanguik aussi. Ah oui. Ouais, à Lens. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, Tanguy qu'on se rappelle avec son coéquipier, c'était qui déjà ? C'était qui le coéquipier ? C'était un blondinet, je crois. Non, c'était pas Flo, non, c'était. Tanguy, il jouait avec qui à Lens déjà ? Ah, j'ai perdu son nom. Ah, moi aussi, je l'ai plus. Mais c'est un mec qui avait eu la. Qui... Oh, attention ! Attention, Montpellier Mbappé ! Ça fait 4-3, attention ! Attention à ne pas relancer le suspense, on avait l'impression que ce match était plié et finalement on se gratte la tête parce qu'il va falloir forcer pour aller chercher cette victoire quand même, Fouad. Ouais, il a changé de boisson le Polonais en plus, hein, de tout à l'heure il était en train de boire une sorte de jus, maintenant il est passé à la canette et voilà qu'il est peut-être, tout simplement... boosté par cette nouvelle boisson l'ami Demi Fifa, puisque le Polonais revient à 3-4 désormais, rien n'est joué. Attention, Rafsou qui perd ce ballon pour Ginola dans la surface de réparation. La mauvaise relance, il fait pas la passe. Frappe de Ginola. Attention Rafsou, attention à ne pas faire de bêtises. Oh mais comment il fait pas la passe ici direct en récupérant le ballon. Rafsou qui va faire le player lock, qui est en train un petit peu de perdre le contrôle ici. Est-ce qu'on aurait peur de gagner du côté de l'Estac avec Dembélé sollicité côté gauche? On revient pour l'ancien Barcelonais. Est-ce qu'on peut faire la différence, lui qui va s'illustrer tout à l'heure au stade de la Real Sociedad? On va aller chercher Camara pour faire la diff maintenant. On va casser la ligne, c'est magnifique. Oui Fouad, dommage, ça ne passera pas, ça sera un corner pour les Stacks. Ouais, ce sera un corner encore une fois joué à la Rémoise avec Ronaldinho pour Nordi Mukiele avec cette tête. Wouh, et le voilà, de nouveau le but du break. Fonte Paresse reprend sa petite longueur d'avance, 5-3 présent pour les Stacks face à Demi Fifa et son équipe Montpellier-Rennes. C'était important de bien jouer ce corner. Rafsou l'a bien négocié avec ce centre. Eh ouais, Rafsou qui l'a très très bien fait ici pour venir essayer d'éteindre définitivement les espoirs du Polonais qui, on le voit un petit peu, on le sent un petit peu éteint, ça fait de la peine. C'est vrai que c'est un bon garçon, c'est vraiment un bon gars pour le coup Demi Fifa, mais difficile dans cette Ligue 1 Uber Eats 2024 ici. On a du mal pour les Montpellierains, on a du mal à décoller pour une line-up qui avait pourtant une tête de super roster. L'impression qu'on avait construit le Real Madrid pour venir chercher cette compétition. Mais pour l'instant, on a du mal et on va devoir négocier ces 18 dernières minutes avec beaucoup de courage pour essayer de marquer 2 buts et revenir dans la rencontre pour les MHSC. Ça va pas être facile, mais Fouad a montré quelques phases de laxisme défensif, donc pourquoi pas. Ouais, avec Ronaldinho pour Zaïre Emery, la longue transversale côté droit avec Jonathan Clauss. C'est bien défendu là par Ousmane Dembélé, notamment du côté des Troyens. Il va rester un bon gros quart d'heure à Demi pour essayer de marquer 2 buts, un bon gros quart d'heure à Rafsou pour essayer de tenir, pourquoi pas. En tout cas, ce sera peut-être une biscotte, non, l'arbitre de la rencontre averti seulement, Warren Zaïre Emery. Ouais, pas de biscotte. Non. Pas de biscotte ici, pas de pain non plus. Pas de spot de biscotte ici, ouais. Ah ouais, il n'y aura pas. Oh, non. Pourtant, c'était un petit peu en retard hein, quand même du côté de WC2. Ouais. Allez, on va repartir côté gauche, 75e minute de jeu avec Amir Richardson qui va revenir dans l'axe avec Zaïre Emery. Zaïre Emery qui va trouver Klaus encore, est-ce qu'on peut aller centrer? Ouais, on l'a passé, elle est énorme. Oh, le manque de réussite du côté de Demi. Oh, il aurait mérité ici hein, parce que la passe était lumineuse. Encore un arrêt de Petr Cech. Il y a la place, il y avait la place, on le savait, dans la défense de l'Estac. Et Rafsou continue à donner des cartouches ici. Ouais, avec Richardson pour Zaïre Emery qui donne le ballon à Richardson de nouveau. Non, finalement ce sera Marco Asensio. Mais... le contrôle orienté, parfait. Mais on n'a pas voulu tirer en première intention. On a trop tardé et c'est Vieira qui revient. Au foie, il y a moyen de défendre quoi. On peut défendre. Oh,
qu'elle est petite, regarde. Là, c'est qu'elle est pequeñita. Là, il est vraiment tout petit, lui. Ça fait 5-4, c'est terrible. C'est terrible, on n'arrive pas à défendre quand on mène au score ici du côté des Troyens. Ce match est loin d'être terminé. Croyez-moi, il le sait, Fouad Farès, ça va être difficile encore. On n'arrive pas à aller au pressing, on n'arrive pas à aller chercher quelque chose. Exactement, ça, la ref, mon petit Azouz. C'est terrible. C'est terrible pour le joueur de l'Estac, mais Montpellier revient et ils sont en train de semer le doute dans les têtes troyennes. Et si Demi arrivait à remonter dans ce match? Ouais, laisse-moi te dire qu'à l'heure actuelle, le doute m'habite pour cette rencontre, mais ça va être compliqué d'en sortir un vainqueur. Ça va être très compliqué de sortir un vainqueur puisque Rafsou semble complètement décontenancé, déconnecté dans le secteur défensif face à un Demi qui n'arrête pas de l'assaillir et de venir attaquer le but de l'Estac. Mais pour le moment, avantage est Rafsou qui veut garder le pied et mettre le pied sur le ballon. Mais ouais, on va lever la balle, on va aller derrière du côté de Moukielé, on va sauter la première ligne. Ah oui, il est tout seul, Randal Kolo Muani, et il va venir encore briquer. Ça fait 6-4. Mais c'est pas terminé, il le sait, Demi, on le sait, nous aussi, malheureusement, on le sait, hein, que c'est pas terminé, ça devrait être terminé, et pourtant, ce match peut encore être complètement relancé, la reprise de volée de Randal Kolo Muani. Parfait timing ici pour aller justement donner de l'espoir à cette équipe. Mais les amis, c'est parce que vous ne gérez pas parfaitement la langue de Molière, laissez-moi plutôt vous dire la phrase dans un autre sens. Je suis habité par le doute, voilà. Tu vois, le doute m'habite. Je suis habité par le doute. C'est simplement que voilà, c'est une construction de phrase française qui, de par votre esprit mal tourné, mal placé, vous fait entendre autre chose. Mais moi, c'est simplement que voilà, je suis épris de doute. Voilà. Oui, et tu maîtrises cette langue de Molière à la perfection. À merveille. Tu peux en être à merveille. Mon cher Canto, attention, Moukielé qui va aller côté gauche ici avec Ousmane Dembélé. Dembélé qui part en contre. Oh, je sais pas si leur jeu. J'ai pas vu, ça se joue à rien. Oh, il y a Chaouchi. Il y a rien. Il y a eu un petit coup de pied là. Dommage, ça passera pas. Klaus pour relancer ici avec Mbappé. Mbappé avec Ronaldinho. Pourquoi pas sur Marc maintenant et qu'on a le kick-off. Non, ça ne passera pas. Ce ballon est rendu. Et je pense, mon cher Canto, que la messe est dite. Ah, les Troyens vont prendre pour la première fois de cette Ligue 1 Uber Eats 2024 les 3 points dans cette saison. Sortir provisoirement de la place de lanterne rouge de Ligue 1 Uber Eats 2024. Ils vont pouvoir tranquillement se donner un bon bol d'air avant la 9e journée et avant les 3 prochaines qui vont peut-être permettre à l'Estac de faire une remontée historique. Ouais, la dernière opportunité pour Rafsou peut-être, non, ce sera finalement Demi Fif qui va avoir ce ballon, mais c'est récupéré par Camara avec Jonathan Klaus cette fois-ci. Voilà les dernières formalités en train de s'écrire dans cette rencontre, et Kylian Mbappé qui va peut-être marquer un 5e but. Non, le cadre ne sera pas trouvé comme un signe dans cette rencontre où Demi Fif aura raté des occasions énormissimes, tout comme son coéquipier RVP. Mais en tout cas, Rafsou s'impose, mon cher Haro. Victoire 6-4, et celle-là va faire du bien en deux frères. Ah ouais, elle fait du bien, on l'a vu à moitié. Cette victoire avait l'air à demi-teinte pour Rafsou, on l'a vu sur son visage, mais 3 points importantissimes, messieurs. On est très contents. L'Estac enfin sort de cette dernière place, mais pour combien de temps, on va le savoir d'ici quelques instants. Dims et sa bande pour nous parler, nous résumer cette rencontre où l'Estac a fait peut-être la surprise. Ouais, la première surprise, c'est qu'on aura peut-être un résumé de la semaine qui sera plus long que l'émission en question. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, des matchs et des confrontations express. Deuxième rencontre, et Rafsou qui réussit, non sans difficulté, on ne va pas se mentir, à s'imposer face à un Demi Fif qui finalement n'a réussi qu'à encaisser plus de buts qu'il n'a pu en mettre aujourd'hui. Ça a été compliqué, 10 buts dans cette rencontre, mais finalement, ascendant psychologique pour le joueur de l'Estac qui amène les 3 points à cette équipe, voilà, qui fera du bien au frère Farès. Ouais, c'est ça, clairement, 3 points qui vont faire du bien à l'Estac. Et voilà, Rafsou qui, on le disait, bon, il a des petits problèmes défensifs en ce moment, ça tourne à quasiment 4 buts encaissés par match. Mais bon, quand t'en mets 6, ça va, t'arrives quand même à gagner. Mais bon, voilà, là où je m'inquiète un peu pour Fouad, c'est s'il doit en mettre 6 à tous les matchs, ça va peut-être être compliqué. Donc on va peut-être réussir à un moment donné à fermer un petit peu ce rideau derrière. Mais en tout cas, devant, il a été très bon dans ce match, Fouad Farès, dans un match très important. On le disait, match qui les maintient en vie, on va dire mathématiquement, même si je pense que ça va être très très compliqué pour eux pour aller chercher une qualification. Mais bon, faut enchaîner les 3-0 pour l'Estac et voir comment ça se passe. Et pour l'instant, c'est un premier 3-0 de prix. Il va en rester 4, 5 à aller chercher encore. Mais pour l'instant, mathématiquement, l'Estac n'est pas out.
Mon cher Brack, oui. Je te vois très dubitatif face à ce replay. Beaucoup d'erreurs défensives, on va pas le mentir, de part et d'autre. On imagine que voilà, ça va faire du bien à l'Estac, on les aura juste après. Mais côté Montpellierin, est-ce qu'on peut déjà commencer à aussi sonner l'alerte un peu, hein, tirer la sonnette d'alarme, parce que ça commence vraiment à être compliqué en termes de points, là. Ça fait un moment que la sonnette d'alarme elle a été tirée côté Montpellier, parce que tu as un joueur déjà qui est entré un petit peu dans une vendetta presque contre lui-même. Je veux parler d'Hervé Pilet-Jambes, bien sûr, qui a annoncé des choses, qui derrière n'a pas forcément confirmé. Et puis on a un autre joueur, Daimi Fifa, on l'a vu sur ce match-là, qui n'est pas capable en vérité d'être constant, d'être régulier dans ses matchs. Pour l'instant, il a beaucoup de mal, et ça ne change pas, c'est une constante avec lui. Donc voilà, moi pour moi, Montpellier, ça risque d'être très difficile pour eux. Et puis c'est pas deux joueurs Ligue 1, tu vois. Quand tu dis Nkanté, c'est monsieur Ligue 1, quelqu'un qui connaît bien la compétition, c'est quelqu'un qui connaît bien ses adversaires, qui connaît bien les conditions de jeu. Daimi et RVP, ils connaissent pas en vérité. Donc tu vois, ils partent avec quand même un désavantage, faut être honnête là-dessus. Donc je pense que c'est pour ça que la saison, elle est compliquée. Après, c'est le jeu qui est comme ça, c'est le format qui fait qu'ils se retrouvent là. Mais bon, j'espère pour eux, en tout cas, que ça continue pour la suite, qu'ils arrivent à trouver un peu de liant dans tout ça, parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de joueur dans la compète. Brian ? Non, c'est la caméra de foot, moi ça me fait tout le temps rire. Ah oui, le fou et tout. Après, quand il marque, quand il encaisse, ouais. Ça régale toujours. Donc là, le petit coup de poing là, sur sa tête, arrête tes conneries là, tu gagnes 2-5 buts, arrête de donner des buts, ça me fait beaucoup rire. Eh bah écoute, on va aller du côté de Montpellier, puisqu'on a RVP qui est présent avec nous pour revenir sur ce match, mes amis. RVP qui, forcément, on l'imagine un petit peu compliqué, donc on va essayer de poser les questions et de traduire au fur et à mesure. Hi RVP, we can imagine you are quite disappointed after this match. Can you explain how do you feel? We've seen that you've got a lot of opportunities during this match, but kind of lack of realism. Yeah, I think in this game I deserve more against Mainz. I can't say anything about Daimi's game, because I like it was just so many goals. Everyone had so many chances and it could have gone either way. But I think in my game, I should have won that, because I had so many chances and his goalkeeper turned into Spider-Man and I couldn't do anything else. Merci. Et puis donc je lui ai demandé, voilà, qu'on avait vu qu'il avait eu beaucoup d'opportunités pendant le match et que finalement il avait manqué un petit peu de réalisme, et il disait que ouais, justement il aurait dû gagner ce match, mais que voilà, le gardien adverse c'était un petit peu en mode Spider-Man qui arrêtait un petit peu tout. Est-ce que tu as une question, Brack? Ouais, j'ai une question à poser à RVP, parce que moi je le regarde et puis j'ai besoin d'en savoir plus en fait sur son attitude. Hi RVP, we are very pleased to have you here tonight. I just have a question for you, because I look at you, I look at your games, I look at your, you know, at your body language when you play, and we see a lot of expression. And my question is maybe weird, but I want to know if you are really enjoying your season, if you are really enjoying being here, doing games weeks after week. I want to know if there is something that is troubling you in this season. Just that. No harm. Je voulais juste savoir, en gros, si vraiment il prenait du plaisir, si ça se passait bien pour lui, s'il n'y avait pas un truc qui le tracassait cette saison en Ligue 1, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec lui. Hello. I really enjoy being here, because it's a competitive league and I think it's the most competitive league in the world. That's like the most... It has the most like better players there, but it's just I don't know. This year is just so weird, because this game is nowhere near as good as last year, and I don't know. I don't know if I'm not as good as last year, or I don't know. I just can't finish this year. It's just been that story the whole year. Like I can't finish, and also I don't know. It's just horrible, because you can't do anything against it, and that I'm also greening my shots. It's not like I'm not greening and I'm just being bad and not greening and stuff like that. I create the best opportunities and I still can't score sometimes. But of course I did enjoy last year's game more than this year, and of course being here is so nice, because it's my first time playing a league, and it's really nice to be playing in a league, and I hope to even be there next year. But for this year, I'm really like disappointed of how it's been going right now. But
we'll just try to finish it as best as we can, and I don't know, maybe we can get some wins and get some points, and we also need a lot of results to go our way. It's going to be hard, but maybe we all know God exists, so it can be possible. Thanks for the answer. Non, en gros, ce qu'il explique, c'est que oui, sur ce jeu, c'est un peu plus dur que l'année dernière par rapport à FIFA 23. Il dit que la compétition est vraiment très intéressante parce qu'il y a vraiment du niveau et qu'elle est très compétitive. Donc, sur ça, il y a pas de souci. Mais oui, en effet, c'est juste qu'il crée énormément d'occasions, de situations dans les matchs. Mais malheureusement, ça se concrétise pas. Il y a ce truc qui fait que voilà, il n'arrive pas à gagner les matchs. Mais en tout cas, il continue à dire qu'ils vont se battre. Et moi, j'ai eu ma réponse. En fait, moi, je voulais savoir si vraiment il s'amusait quand même à participer à cette compétition. Et il a l'air, en fait, oui, d'apprécier finalement le format. C'est juste que oui, sur le jeu, il se sent un peu moins bien que l'année dernière, quoi. Mais j'ai ma réponse maintenant. Ok, thanks RVP. Best wishes for the final race and see you next week. See you next week. Thank bye you. Bye. Thank you, dude. Bye. Bye. Ouais, on l'imagine forcément un petit peu déçu, comme tu l'as dit. Il hésite aussi entre le fait que est-ce que c'est lui qui est moins sur cet opus-là, ou est-ce que finalement c'est le jeu qui lui convient un petit peu moins. On sent que c'est un mélange de tout ça. Mais en tout cas, voilà, comme il l'a dit, il est content de performer dans cette E-League Android, qui pour lui est une des meilleures ligues au monde et qui regroupe énormément de très très bons joueurs. On va aller du côté de l'Estac désormais, puisque on aura forcément un petit peu plus de sourire pour les frères Fares. Il me semble que c'est le plus grand, Rafsou, qui est avec nous. Bonsoir Rafsou, on imagine très très content d'avoir été chercher cette victoire synonyme des 3 points aujourd'hui. Comment tu t'es senti malgré, on l'a vu, cette vraie bataille face à Dami? Bonsoir à tous sur le plateau. Salut. On est content, voilà, on a pris 3 points, on est heureux, mais voilà, personnellement, et je pense mon frère aussi, on n'est pas content du contenu. Moi, je suis content de ma première mi-temps où je pense que j'ai été radicalement supérieur, et la deuxième mi-temps, j'ai pas fait une grande deuxième mi-temps. En fait, je pense que j'avais, on va dire, un peu la, entre guillemets, la peur de gagner. Je commençais à déjouer, je faisais tourner et j'ai pris des contres. Et donc, ce qui a fait qu'il est revenu à 4-3 et que heureusement, il est jamais revenu à égalité. J'ai toujours réussi à mettre ce but devant lui. Mais voilà, même mon frère, il a réussi à gagner contre le cours du jeu. Il le dit lui-même, on n'est pas très, très content de la manière. Mais au moins, voilà, par rapport au début de saison, on a pris 3 points et on a plus que doublé nos points, quoi. Brian ? Ouais, salut Fouad. Moi, j'avais une petite question, Fouad. Du coup, on le sait, mathématiquement, pour l'instant, c'est pas mort. Voilà, on sait que c'est très compliqué. Il va falloir faire quasiment un perfect. Vous êtes dans quel état d'esprit, vous, en ce moment, avec ton frère? Est-ce que vous êtes en mode, il faut enchaîner les 3-0 et on verra ce qui se passe dans les autres rencontres, dans les autres résultats et comment le classement évolue? Est-ce que vous vous dites que quoi qu'il arrive, si vous mettez des 3-0, vous allez être en play-off? En vérité, c'est que faut, de toute façon, dans tous les cas, il faut arrêter de regarder les autres. Il faut juste qu'on se regarde nous-mêmes. Déjà, voilà, on ne veut pas finir dernier. Ça, c'est clair et net. Je n'ai pas envie de finir dernier, mon frère, non plus. C'est vraiment ça le plus important, déjà aussi pour nous-mêmes. Après, aujourd'hui, on va se dire qu'on va regarder chaque match les uns après les autres. J'avoue que je vais essayer de plus trop regarder le classement ou quoi que ce soit. Juste peut-être les dernières semaines, si on est toujours dans la course. Aujourd'hui, on est à peut-être 7 points, je ne sais pas combien, de la 6e place. Voilà, ça fait beaucoup de points. 6 points. Donc 6 points, c'est 2 victoires à 3 points. Donc même si c'est pas irréalisable, ça va être compliqué à faire. Donc pour l'instant, on se focus sur nous-mêmes, ce qu'on a peut-être moins fait les dernières semaines. Aujourd'hui, on s'est juste dit qu'il fallait qu'on prenne les 3 points pour leur passer devant. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est le plus important. Eh bien, merci à toi, Rafsou. On imagine aussi un peu soulagé. Le départ a été compliqué. L'aventure n'est pas terminée pour les stacks, quoi qu'il arrive. Merci à toi pour ta disponibilité. On se retrouve dans les semaines prochaines en espérant garder tout aussi bon visage du côté de les stacks, en vous souhaitant, pourquoi pas, la remontée du siècle. Ça ferait quand même plaisir. Ça ferait de l'entertainment. Bonne soirée. Pourquoi pas. Salut, Mini Rafsou. Ciao. On l'imagine assez mesuré, le Rafsou. Lucide, en vrai. Ouais, oui, forcément, lucide. Il est cool, Rafsou. Moi, c'est un gars que j'aime bien. Je le trouve toujours très, très agréable et toujours disponible aussi pour les interviews. Ça aussi, il faut le dire, dans la victoire comme dans la défaite. Parce que c'est vrai, quand ça va un petit peu moins bien. Il est bon en plus en interview. Il y en a qui ont tendance à se cacher un petit peu. Il est très bon. On va partir. Calme-toi, Brac. Tu commences pas avec ta malveillance. Attention, sois un peu plus nuancé, Brac. D'accord. On va partir en break directement, le temps de faire une petite pause. On se retrouve pour la dernière affiche de la soirée, un très très beau match puisque ce seront les Girondins de Bordeaux qui vont être opposés à l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est en train d'alter au fond du classement. Il faut des points pour les Monégasques, il faut défendre la bonne dynamique pour les Bordelais. On se retrouve juste après.
On est de retour déjà pour ce dernier match de la soirée, mon cher Brian. Première rencontre de la saison entre les Girondins de Bordeaux et l'AS Monaco. On l'a dit, l'AS Monaco qui est en très très mauvaise posture. Ouais. Avant ce début de rencontre, il faut absolument aller chercher les points du côté du Rocher. Ah, tout simplement, l'Estac qui vient de leur céder la dernière place. Hein, à nos amis monégasques ici à égalité avec les Montpelliérains, lanterne rouge du championnat face aux Girondins de Bordeaux qui ont montré du mieux récemment, surtout grâce à un dénommé Karim Isbak hein, qui reste sur, il me semble, du coup, 3 victoires consécutives. Pour lui, pour l'instant, sur les dernières rencontres, donc l'homme en forme qui va affronter justement lors de ce premier match fiasco. Ouais, on le sait forcément. Cette équipe monégasque qui a énormément de pression sur les épaules, d'autant plus qu'on sait, il y a des joueurs de qualité. Yasko, on l'a dit, qui représente l'équipe de France lors l'Euro. Un joueur comme Adérix qui a fait les belles heures de cette Ligue 1, mais à qui il manque voilà, cette présence en play-off qui, pour le moment, n'a pas été faite, il me semble, dans son historique. Si, il y a deux ans, avec le LOSC, avec Erosia. Avec Erosia, effectivement. Ouais. Et ben, il veut y retourner au play-off. On va voir ça tout de suite. Acte 1 de cette rencontre entre les Girondins de Bordeaux qui évolueront en blanc sur cette rencontre et les Monégasques qui évolueront en noir. Et il me semble qu'on aura donc le droit à Karim Isbak face à Adérix, si je ne dis pas de bêtises, pour le premier match. Non, face à Yasko. Face à Yasko, ouais. Face à Yasko. Forcément, il fallait que je me trompe. Attention, parce que ça part très très vite. Le timing est vert du côté de Yasko, mais Karim qui peut s'interposer. Premier corner pour Monaco. Bonne frappe croisée, c'est une bonne première occasion pour Yasko. Malheureusement, qui vient buter sur Garnier. Le corner joué à deux ici. On va se centrer directement. On la voit Mbappé au duel face à Zaire Emery. C'est Zaire Emery ici qui s'impose pour Karim Isbak. Premier ballon touché pour lui ici avec Diakité en position de latéral gauche. Ici, on va changer d'aile. En direction de Nordi Mukiele. Mukiele qui temporise, on va réussir à trouver le long de la ligne. Ronaldinho, c'est bien fait. Kylian Mbappé ici qui est servi. On va assez vite de l'avant. On voit le latéral ici qui va se projeter pour Karim Isbak et il va être servi. Justement, Nordi Mukiele ici passe à Patrick Vieira. On tente de revenir en train, mais bien anticipé ici par Yasko. Ouais, ça a été bien anticipé. On va repartir directement côté gauche avec Ronaldinho qui a été touché sur le front de l'attaque. On va temporiser pour le Brésilien. Le ballon par-dessus pour Ginola qui va aller au duel physique avec Marquinhos. Il sera remporté par le Brésilien et on va essayer de se relancer tranquillement. Non pas, on en voit directement des circuits de passe assez agressifs dans la verticalité du côté de Karim Isbak. Pas de position de hors-jeu pour Warren Zaïre Emery. Il est tout seul et quelle parade de la part de Petr Čech. Il est venu de très très loin celui-là. Ouais, très très bien vu de la part de Karim. Tu fais bien de le dire. Dims, il était vraiment très 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 loin, le joueur au second poteau, je l'avais pas vu honnêtement ici, et Karim lui il l'avait bien vu, très très bien servi, et la bonne parade du gardien Niasco. Attention, Karim toujours à l'attaque avec ce Franck Ribéry toujours aligné ici par le Bordelais, la frappe ici, ouais, angle fermé encore une fois, une bonne parade ici, mais on le voit, hein, les deux joueurs qui se rendent coup pour coup, deux joueurs de façon qui sont globalement assez offensifs, hein, qui se posent pas trop de questions, donc on risque d'avoir du rythme. Ouais, attention là, on va repartir de l'autre côté, alors que je suis assez d'accord avec vous dans le chat, la caméra est cataclysmique pour ce match, on doit le dire. Attention, la belle intervention devant Ronaldinho, en deux fois de la part de Marquinhos qui va venir justement chipper le ballon à son compatriote et Kylian Mbappé en bon dédoublement avec Ronaldinho du côté des Girondins. Ronaldinho qui va temporiser la petite course pour essayer de se donner de l'espace sur le côté droit, il n'y a toujours personne pour lui faire barrage. Ronaldinho qui va rentrer dans cette surface de réparation, le centre en retrait, la frappe est croisée du côté de Kylian Mbappé et encore une fois il faut un grand Petr Čech pour ressortir ce ballon. Je regardais, je ne sais pas si tu l'as vu, l'inside des Girondins de Bordeaux, ils font des super vlogs en tout cas sur le site de Ligue 1 et je trouvais que Kalash disait un truc intéressant à Karim. À chaque fois il disait, et je pense que c'est une phrase que tu as dû souvent répéter à tes joueurs lorsque tu étais coach, c'est de ne pas se frustrer, de ne pas s'arrêter sur l'effet de jeu et de continuer quoi qu'il arrive, même si voilà il y a des trucs un petit peu injustes qui se passent sur la pelouse, pour rester dans son match. Il est supérieur et attention, parce que là il aura fallu une nouvelle intervention miraculeuse pour venir défendre. Ah, magnifique le tacle ici de Dante ici pour Karim Isbak, qui s'est très très bien défendu. Il y a ce qui avait bien trouvé son joueur dans la surface de réparation, mais l'excellent retour et la lucidité de Karim ici pour revenir. Karim justement qui va se relancer avec Franck Ribéry. Moi je l'aime, j'aime bien le voir, Franck Ribéry sur les terrains d'Idi Ligue 1. Je trouve qu'on le voit pas assez dans ses rencontres. Il fait bon, plus pas mal de différence ici pour Karim notamment. Yasko qui a récupéré ce ballon ici, qui repart avec Diakité qui peut trouver Nordi Mukiele sur le côté droit. Ouais, Mukiele qui va aller trouver Kylian Mbappé. Attention, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour Kylian Mbappé qui va pousser ce ballon. On accélère et à nouveau le Mbappé Express qui va faire parler sur le côté droit. Le petit stop ball pour Ginola, mais il est arrivé trop lancé. On n'a pas réussi à s'arrêter dans sa course et on va repartir directement du côté des Girondins de Bordeaux avec Kylian Mbappé qui a le ballon, Brian. Ouais, avec Ronaldinho aussi qui peut changer d'aile directement. Mais là, on s'est un petit peu trompé. Ouais, pour Karim, on va rendre ce ballon directement à Yasko ici qui décide de prendre son temps. Lui, finalement, on va attendre la montée ici
de Patrick Vieira sur le côté gauche. Patrick Vieira qui va aller chercher à l'opposé. Nordi, Mukiele, Mukiele, les player locks qui sont tentés. On va le feinter finalement. Franck Ribéry, le retour défensif qui ne va pas payer ici. Ballon toujours en possession de Yasko avec Jean Roessi, avec Ousmane Dembélé, Dembélé avec Mbappé. On a Mukiele côté droit, mais on va passer. On va rester plein axe pour Yasko ici. Le bon passement de jambe. La frappe enchaînée pour Yasko ici. David Ginola qui ouvre la marque pour l'AS Monaco. Ouais, c'est bien fait. On s'est un petit peu fait berner là. On s'est fait avoir comme en bleu du côté de Karim Isbak avec, il est vrai, un circuit préférentiel qui aurait pu voir Mukiele être décalé sur le côté droit. On a choisi d'insister dans cet axe. On a feinté et derrière, on a ouvert tout simplement le passement de jambe pour se remettre bien comme il faut. Ouais. Ouais. Et on se remet en position face au but. Derrière, la Ginola, ça fait généralement filoche à 18 mètres du but. Et il va falloir désormais courir derrière le score pour les Girondins de Bordeaux, même si là on vient de rendre le ballon à l'adversaire. Ce sont bien les Monégasques qui sont à nouveau à l'attaque. Ouais, nickel ici pour Yasko avec Marquinhos. On va prendre son temps, le changement d'élan en direction de Patrick Vieira à l'opposé, le contrôle de la tête ici de Patoche, très très bien fait, qui conserve ce ballon, il passe entre les deux joueurs. On arrive à revenir dans l'axe côté Yasko. Malheureusement, Ginola, le retour défensif ici pour Karim Isbak. On voit Ribéry ici, ça repart et ça repart très très vite. Ribéry sur le côté gauche, justement, il va y avoir de l'espace ici. Franck Ribéry, vas-y mon petit Franck Ribéry ici qui va revenir. Et non, finalement il va perdre ce ballon ici, il va rendre au Monégasque. Ça nous en rappelle les bons souvenirs, ça, avec le regretté Gilardi. Magnifique. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Ah, on s'était bien régalé et ça fait plaisir effectivement de voir le Kaiser de la Bavière être présent sur une passe 2 Vieira, je crois, Patrick Vieira. Ouais, merci. Une passe de Vieira, effectivement, le bon vieux père. Attention, oh, Dante qui s'était retrouvé aux avant-postes et qui avait bien failli trouver Kylian Mbappé dans l'intervalle. Finalement, on va pouvoir récupérer ce ballon du côté des Monégasques. Il n'y a pas de position de hors-jeu, j'ai l'impression, pour Kylian Mbappé qui va partir tout droit face au but. Kylian Mbappé, le ball roll, qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup trop temporisé. Yasko qui vient de rendre le ballon complètement à l'appareil, alors qu'on a lancé un vrai ami Richardson qui est aussi présent, le Rémois sur la pelouse. Attention à ne pas la regretter celle-ci, Yasko. Attention, en contre-attaque en plus, qu'il y a Mbappé qui prend le meilleur ici sur Diakité. Il va rentrer dans cette surface de réparation, servir Ginola, les bons erreurs. Et la punition, tu l'as senti venir, Jim, si la punition pour Yasko ici, le face-à-face qui est loupé. On a un peu trop tergiversé, le défenseur qui peut revenir. Contre-attaque, un duel improbable perdu ici par Diakité. Kylian Mbappé qui prend le meilleur et derrière Ginola qui vient conclure. Ah, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Alors sans doute que Yasko, voilà, a voulu faire ce classique ball roll pour tirer juste après, s'ouvrir l'angle, mais en fait l'angle était déjà ouvert pour l'extérieur du pied. Il n'avait qu'à ajuster. Alors forcément, c'est plus facile de parler lorsqu'on commente le match que lorsqu'on a la manette en main, mais connaissant ses aptitudes devant le but, Yasko, c'est quand même assez surprenant de le voir rater des occasions. Après, voilà, on le sait, c'est le genre de situation où tu te poses beaucoup de questions. Est-ce qu'il va bouger le gardien? Est-ce qu'il va le sortir? Est-ce qu'il va machin? Et forcément, c'est des situations aussi quand t'es un petit peu moins en confiance, t'es un petit peu moins lucide. Et c'est le cas pour Yasko pour l'instant dans cette Ligue 1. On est un peu moins en confiance. C'est vrai que d'habitude, il a tendance à être assez chirurgical devant les cages, et pour l'instant, bah, dans ce match, malheureusement, il ne l'est pas et ça lui coûte cette égalisation. Ouais, attention, Ronaldinho est en train de bien travailler la côté gauche avec Vieira qui va rentrer dans cette surface. On a trop anticipé, sans doute trop tôt du côté de Karim Isbak, mais on va pouvoir se relancer. Le Bordelais qui est parti trouver Diakité. On est venu sortir ce ballon puisque l'arbitre va mettre fin à la première période de cette rencontre. Un partout pour le moment entre Yasko et Karim Isbak, mais on a l'impression quand même que voilà, cette première période, on peut avoir des regrets, on le voit notamment au niveau des caméras des joueurs. On a un Yasko beaucoup plus dégoûté que sur la physionomie du match. Ouais, forcément, un Yasko qui peut s'en vouloir ici, qui peut être déçu, mais c'est justement là qu'on va voir si c'est un grand joueur. Yasko ici, il va falloir rester concentré pour cette deuxième mi-temps, pas rester là-dessus. Ça va être le plus compliqué pour lui parce que voilà, on l'a tout vu, il va se le re-regarder, hein, se le rater justement d'Mbappé, il va se demander qu'est-ce qu'il a fait de mal là. Et ouais, il va pas nous le laisser jusqu'au bout, mais ouais, c'est vrai qu'il aurait forcément, il aurait dû mieux faire, il le sait, Yasko ici, et voilà, on va voir s'il est capable de repartir dans cette deuxième mi-temps. Ah, Yasko qui capillairement est toujours aussi précis, hein, la petite coupe de cheveux, allez travailler. La vraie question est-ce qu'il se coiffe après avoir mis la capuche, ou est-ce qu'il vient ruiner le travail en mettant la capuche par-dessus la coupe de cheveux, Brian? Alors, on pourra demander au gars de lui poser la question dans le parc. Parce que toi, t'as souvent une belle coupe de cheveux aussi. Donc. Ouais, mais moi, t'es pas un mec à capuche, toi. Moi, elle tient pas en place. Elle tient pas. Ouais. Moi, elle est bien une heure et après, au bout de 6 heures, elle est plus là, quoi. Donc, c'est... attention tout de même
à cette incursion des Monégasques. Encore une fois, Ousmane Dembélé qui va revenir sur Ronaldinho. Ronaldinho pour Jean-Ro, entrée de surface de réparation. Jean-Ro qui doit temporiser, revenir sur Marquinhos. Le changement d'elle est bon du côté de Nordi Moukiele. On a tenté un player lock au deuxième poteau, mais on n'a pas été naïf du côté de Karim Isbak. Et le ballon est toujours Monégasque, Brian. Avec Mbappé, c'est le râteau sculpteur. Un petit compte favorable pour Mbappé qui permet de trouver Ginola. Ginola avec Moukiele. Moukiele avec Jean-Ro. Jean-Ro avec Ousmane Dembélé. Oh, Ronaldinho qui était servi ici. Je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir le ballon avec Ronny ici. Il y a un joueur qui a été sauté, malheureusement, pour Yasko qui avait sûrement son circuit en tête ici. Et la passe, malheureusement, qui va aller tout simplement dans le vent ici et qui profite à Karim avec Ginola et Kylian Mbappé maintenant. Kylian Mbappé ici, le face à face. Excuse-moi, Dim, j'avais pas vu que tu reprenais ton souffle ici sur cette, sur cette action-là. On a failli avoir le but le plus bizarre de l'histoire, du coup, à cause de moi. Mais le raté, malheureusement, ici pour Karim, la frappe qui vient trouver le petit filet extérieur. Ouais, on a eu très clairement une occasion, encore une fois, manquée du côté de notre ami Bordelais avec ce petit ball roll, le pied gauche, le ballon qui est venu effleurer ce poteau. Et ce Moumi qui nous dit que pendant la Coupe du Monde 2006, il avait 21 ans. C'est un vieux père. Ah oui, c'est un bon vieux père. Ah oui. La Miss Moumi qui est toujours bien plus vif que son âge, hein, pour mettre des coups d'épée dans le chat. Ça, en tout cas, on voit qu'il a l'expérience. Il a sans doute connu Braveheart et compagnie. Hein. Attention, ici Ronaldinho côté droit pour Karim avec Kylian Mbappé. Toujours ce 4-4-2. Hein, on le voit bien du côté de Karim ici. Ronaldinho qui est trouvé sur son côté droit. Ronaldinho dans la surface face à Patrick Vieira. Ronaldinho qui va tout droit, qui va revenir finalement vers Ginola. Repris in extremis ici par Diakité, il me semble, côté Yasko. On peut repartir avec Moukiele ici. Il faut assurer la relance forcément côté Yasko. Le bon pressing de Karim ici. Yasko qui s'en sort pour l'instant. Yasko qui est très serein. Très serein là-dessus. On ne s'est pas affolé ici. On a réussi à conserver ce ballon. Ouais, attention tout de même hein, à ne pas faire preuve d'un excès de zèle. Ouais. On va relancer ce ballon sur le côté gauche. C'est bien fait avec Patrick Vieira pour Ronaldinho. Vieira, on lui a ouvert complètement le couloir et il va pouvoir y aller. Même si la vitesse n'est pas son fort de base, on sait que ça bombarde quand même hein, du côté de tonton Patrick. Et on va s'appuyer sur Zaïre Emery désormais avec Jean-Ro. La passe dans l'intervalle, mais c'est son vis-à-vis qui va venir récupérer le ballon avec Kaiser Frank pour essayer de relancer cette équipe girondine en contre-attaque. On a décidé finalement de calmer le jeu pour reprendre un petit peu la possession de ce ballon. Le changement d'elle est bon. Kylian Mbappé qui vient décrocher pour récupérer cette balle avec Ronaldinho. Nordi Moukiele qui va travailler sur le côté droit, mais on s'est un petit peu fait secouer là du côté de Ronaldinho. Le ballon est monégasque, Brian. Avec Ronaldinho ici pour Yasko à droite. Il y a Nordi Moukiele. Hein. Il l'a vu Yasko, il est servi. Le player lock encore une fois. Deuxième poteau pour Ginola, malheureusement un petit peu trop long. Patrick Vieira qui peut le récupérer quand même avec Mbappé, avec Ousmane Dembélé. La frappe croisée d'Ousmane Dembélé. Ici on avait l'impression que Dante était sur la trajectoire et Karim, ouais, qui en rigole ici, un petit peu de dépit, mais la bonne action ici trouvée par Yasko. Ousmane Dembélé, la frappe croisée 2-1 pardon, pour les Monégasques. Ouais, les Monégasques qui reprennent les devants dans cette rencontre. Un petit peu de frustration forcément du côté de Karim quand tu places le défenseur devant et que ça passe légèrement au travers. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué, mais il reste du temps dans cette rencontre, 20 minutes dans le temps réglementaire en tout cas, mon cher Brian, pour revenir à la marque côté bordelais. Et puis on serait plutôt bien inspiré hein, pour notre ami Yasko de venir doubler l'écart et se mettre un petit peu plus à l'abri, parce qu'on sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre dans ce match. Attends, Mouki, il est pour Karim ici, tenter de revenir dans cette rencontre, pourquoi pas, avec Diakité là-bas sur le côté gauche qui est servi. Diakité qui va pouvoir servir Ribéry ici. Ribéry qui va tenter de rentrer dans cette surface, mais là Moukiele en puissance ici qui vient bouger le Kaiser un petit peu et qui permet à Yasko de repartir. Ouais, ça là tu nous demandes malheureusement de changer la caméra, mais on n'a pas la manette des joueurs en main hein, ouais. Donc à moins de changer de POV on ne pourra pas changer cette caméra. Je sais que c'est un petit peu spécial, mais il faudra s'y adapter, mon brother. Désolé, on est toujours dans ce match, 76e minute, et Moukiele qui va changer complètement le cours du jeu sur Patrick Vieira. Vieira à nouveau pour Diakité, Bafodé, Diakité qui va écarter, mais on vient la rendre à l'adversaire. Et attention, parce que Franck Ribéry va avoir du chance s'il résiste au retour. Ouais, Ribéry, à chaque fois. Il est sur des skis, très clairement, pour un amateur de biathlon comme notre cher Canto, ça doit le faire plaisir, tout simplement, de voir Ribéry s'envoler. Attention, Kylian Mbappé qui est un petit peu trop tergiversé devant cette surface de réparation. Ça a failli coûter cher, la relance. Ouais, la relance, et finalement, on va perdre ce ballon un petit peu trop vite, peut-être ici avec Ronaldinho pour Yasko. Ginola, ici qui le récupère, qui peut servir Ronaldinho sur le côté droit. Ronaldinho avec Ginola encore une fois qui va revenir avec Zaïre Emery. Zaïre Emery, la frappe croisée dans une position
assez difficile ici un petit peu en pivot Zaïre-Emery qui oblige Petrosic à la parade. Ouais, sans élan, hein, mais personne n'est Ronaldinho face à Chelsea en Ligue des Champions. Pour ceux qui ont la rêve, c'est compliqué de venir ajuster le gardien comme ça lorsqu'on n'est pas dans une position préférentielle. Mais attention, parce que là, c'est encore une fois une perte de balle. Et Yasko, il ne faudrait pas les regretter, hein, ces pertes de balle inutiles avec Ginola qui est passé tout droit. Là, Ginola, la passe en retrait, il y avait sans doute mieux à faire. On s'est fait un peu anticiper là du côté de Karim Isbak, 84e minute. Mais pour autant, on n'a pas l'impression que Yasko est à l'abri. Il faut soit marquer un but, soit montrer beaucoup plus de présence, beaucoup plus de solidité dans l'assise défensive. Pourquoi pas sur cette contre-attaque, Brian? En tout cas, là, c'est une très bonne relance. Côté Yasko, ici, tu le disais, Dim, il suffisait de relancer correctement pour Yasko, oui, ici, pour s'ouvrir les boulevards. Il l'a fait une fois et il s'offre le but du break. Ça fait 3 pour le Monet. Eh oui, forcément, on peut nourrir quelques regrets du côté de Karim Isbak parce qu'on sent qu'il y avait la place dans cette rencontre et du côté d'Yasko, même si on mène 3 buts à 1 désormais avec 2 buts d'écart plutôt, on le sent dubitatif quant au niveau de jeu proposé. Le match a été compliqué, a été assez long à se décider, mais finalement c'est le Monégasque qui est venu prendre le meilleur sur son adversaire. On n'aura que très peu de temps encore mathématiquement possible pour Karim de revenir, mais forcément à 2-1, 85e, on a dû prendre des risques. Il y a des espaces qui se sont ouverts derrière et la contre-attaque, elle est assez compliquée désormais. Ça va être à l'abordage côté Girondin. Pardon. Et belle réaction quand même de Yasko après sa première mi-temps avec ce scénario un petit peu bizarre là où il rate une occasion énorme, mais quasiment un but tout fait, où il vient se louper un petit peu tout seul en tergiversant un peu trop. Et derrière l'égalisation de Karim, il a su reprendre la deuxième mi-temps, reset un petit peu tout ça. Et revenir dans ce match et finalement prendre ses 2 buts d'avance et très certainement la victoire dans ce premier match entre les Girondins et l'ASM. Ça ferait du bien au Monégasque et surtout ça mettrait Adéryx dans une position préférentielle avant d'aller affronter Marouane. Et je ne sais pas pourquoi, mais vu qu'il monte en puissance dans cette compétition, on l'a vu être capable du jour et de la nuit, hein, Marouane, ouais, sur 2 rencontres le même jour. Donc il me semble que c'était face à Dami, si je ne dis pas de bêtises. Face à RVP. RVP et ensuite... Deux fois face à RVP, donc face au MHSC. Marouane qui va avoir fort à faire en tout cas pour maintenir ses coéquipiers dans la rencontre et pourquoi pas aller chercher un match d'appui. Pour le moment on n'y est pas, mais c'est bien Karim Isbak qui va aller accélérer. Il y a seulement une petite minute d'arrêt de jeu. Le player lock est bon, mais malheureusement c'est un peu pour trop tard, ouais. Comme réaction du côté de Karim Isbak qui va forcément nourrir quelques regrets. Karim qui va revenir au score, mais va tout de même offrir cette première victoire à Yasko. Et première victoire dans les 90 minutes. Pour Yasko, il en avait arraché une au tir au but, mais ça sera sa première dans les 90e minute. Et ô combien importante, forcément, pour la confiance, les joueurs. On a des joueurs qui n'ont de cesse de le répéter. Rocky, notamment, qui a été un habitué un petit peu de ces loose tricks, on va dire. Et les victoires, elles font du bien dans ces cas-là pour Yasko, on voit avec le smile. Ici qui offre le premier point à son équipe. Ouais, on voit enfin ce petit bumper victoire du côté de Yasko, lui qui enregistre sa première victoire dans le temps réglementaire et puis même dans le jeu tout simplement en dehors d'une séance de tir au but. Mon cher Brian, on va aller du côté de l'analyse d'Est pour voir ce que les collègues en pensent, la bande à Canto, les francs freluches présents sur le canapé et on se retrouve juste après pour le match retour. Merci messieurs, victoire de Yasko pour l'AS Monaco qui s'impose donc dans cette première rencontre face aux Girondins de Bordeaux de Karim Isbak. 3-2 pour le Monégasque qui a su se mettre à l'abri dans cette rencontre et permettre donc au Monégasque de remporter le premier point dans ce BO Haro. Une victoire de Yasko qui va lui faire du bien. On sait que sur le papier c'était un des joueurs qu'on avait hâte de suivre dans la compétition. Il nous a un petit peu déçus. On espère qu'on va enfin voir du bon Yasko. Ouais, un Yasko qui va peut-être se libérer un petit peu maintenant, qui va avoir peut-être un peu plus de facilité à montrer de quoi il est vraiment capable. On sait qu'il a été beaucoup bloqué, je pense, par la pression, par l'enjeu, par les attentes, je pense, qu'il y avait autour de lui. Et voilà, c'est pas le plus grand Yasko, c'est pas le prime de Yasko, mais c'est un Yasko qui fait le travail et qui va chercher les points. Et malheureusement pour les Bordelais, on ne pourra pas continuer à avoir une série de victoires côté Karim et on ne pourra pas espérer qu'il prenne encore plus de confiance. Ça va être à Marouane d'échanger son rôle maintenant avec celui de Karim la semaine dernière. Ouais, Braque, hein, forcément ce Yasko là, c'est Yasko qu'on attend depuis le début de saison, d'autant plus qu'il arrive à quand même gagner un match face à une équipe bordelaise qui s'en sort pas trop mal ces derniers temps, et notamment un Karim Isbak qui revenait plutôt bien, donc c'est quand même gage de qualité.
Exactement, c'est le meilleur joueur à prendre. Et puis encore une fois, le message qui est très important, c'est que là, Yasko réussit à battre peut-être le joueur, j'ai pas envie de dire le plus en forme, parce que j'ai quand même aussi beaucoup de respect pour Marwan. Mais c'est vrai que battre Karim Isbak, c'est très très fort, c'est une performance en soi. Donc forcément, on note ça avec un grand point d'exclamation. Je perdais mes mots. Non, ce que je voulais dire aussi par rapport à Yasko, c'est que c'est vrai que je suis assez d'accord avec Aro. On a l'impression que petit à petit, il commence vraiment à se libérer, à se décharger un petit peu de toute cette pression qu'il a de devoir prouver dans cette Ligue 1. C'est vrai qu'il avait remporté qu'un seul match au tir au but. Ensuite, il a réussi à accrocher Fuma. Il l'a emmené jusqu'au tir au but, même s'il perd la séance. Là, il arrive à s'imposer, comme je le disais, face à un joueur qui reste, quoi qu'il arrive, assez redoutable. J'ai l'impression que sa saison est peut-être maintenant vraiment lancée. Après, voilà, pour se qualifier, ça va rester très compliqué. Ça va rester un chemin très, très difficile et semé d'embûches. Mais en tout cas, cette victoire-là, je pense qu'elle va faire énormément de bien au camp monégasque. Ouais, d'autant plus que les monégasques ont besoin de points à Ro. On l'a dit, hein, au classement, les monégasques qui, avec la victoire, avec bonus en plus de 3, passent en dernière position de ce championnat. Une victoire avec bonus ce soir leur permettrait de passer devant plusieurs équipes qui ont 5 points. Je pense à Montpellier, je pense à l'Estac notamment. Et voilà, c'est à ces équipes-là qui trusteraient dans ce bas de tableau. Hein. Ah, et là, c'est comme pour le LOSC, il ne faut pas penser à 2-1. Il faut arrêter de penser qu'on va aller au match 3, etc. Il n'y a pas de calcul à faire. Il faut que ça clique en même temps. Pour les deux joueurs de Monaco, ça n'a pas été le cas encore cette saison. On a eu quelques pare-bribes, des petits gros matchs d'ADRX, parfois Yasko un peu plus convaincant, une petite victoire par-ci, mais on n'arrivait pas à connecter les deux victoires et on se faisait punir côté Monaco. Aujourd'hui, pour Adrien Thor, c'est le moment de montrer qu'il est de retour au top niveau, qu'il est capable d'aller chercher ce 2-0 pour donner 3 points capitaux. Okay. Il y a quelqu'un qui t'aime bien. Il y a un mec qui me kiffe dans la région. Il y a quelqu'un qui t'aime bien. Mais ouais, il faut les 3 points capitaux. Je pense qu'il y a des Redlocks, celui qui t'aime bien. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Back. Pas Ethan Mbappé. Bah maintenant, il va avoir ADRX face à Marwan. ADRX, on en attendait beaucoup depuis le début de la compétition. Il y a besoin de cette victoire avec bonus. Sauf que face à lui, il y a un Marwan que moi, personnellement, je trouve quand même très bon depuis pas mal de temps. Ce ne sera pas un match facile ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Non, c'est vraiment un choc entre les deux. Deux joueurs qui se rencontrent à un moment où il faut absolument prouver. Il faut être déterminé dans cette partie-là parce que quoi qu'il arrive, quel que soit le côté, tu as deux joueurs qui ont beaucoup de qualités à revendre et ont beaucoup de choses tout simplement à prouver dans ce match-là. Je n'irai pas me livrer au jeu des pronostics parce que vraiment, je trouve que cette rencontre est extrêmement indécise. On sait qu'ADRX est capable à certains moments de plutôt bien défendre. On sait qu'il a un très très beau bloc défensif, même si par séquence on l'a vu un peu en difficulté cette saison. Et on sait aussi la qualité de Marwan. Donc non, en vrai ça nous offre une affiche très très belle. Et là vraiment on est en train de tout simplement de perdre certaines équipes et d'en récupérer d'autres. Vraiment sur ces dernières semaines, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de suspense, je trouve. Ouais, et on parle beaucoup de ce besoin de points pour l'AS Monaco, mais besoin de points également pour les Girondins de Bordeaux qui, eux, ne sont pas dans le top 6 à l'heure actuelle. C'est l'enjeu de cette rencontre. On a envie de dire, Dims, Brian, c'était une rencontre de la mort. Ben, c'est la rencontre de la mort qui va continuer. Eh oui, on a besoin d'aller chercher ces 3 points du côté de l'AS Monaco. On a besoin de continuer sur cette belle dynamique du côté des Girondins de Bordeaux. Et va se poser la question d'ADRX. ADRX qui est un joueur qu'on a aimé voir évoluer en Ligue 1 Burris, qu'on a trouvé souvent spectaculaire, souvent avec un très très haut niveau. Cette année, pour le moment, il n'y est pas. Moi, ces deux joueurs, je trouve, ADRX et Marwan, qui se ressemblent beaucoup. Bon, ADRX depuis plus d'années, mais ces deux joueurs qu'en Ligue 1, ils ont toujours été très bons. ADRX, toutes les saisons de Ligue 1 qu'il a fait, il était très bon. Marwan, sa première saison, la saison dernière, ils ont été très bons. Ouais. Ces deux styles de jeu que j'adore, qui se ressemblent un peu, je trouve, beaucoup dans la passe, dans l'extra passe, beaucoup dans le mouvement, qu'on a un petit peu du mal à retrouver cette année. Donc on va voir s'ils sont capables de montrer leur meilleur visage. On est parti donc pour cette deuxième rencontre entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Cette fois-ci, les deux équipes vont évoluer dans leurs couleurs traditionnelles pour cette rencontre. Hein. Et c'est bien mieux. C'est ouais, on va pas se mentir, du Bordeaux en blanc, du Monaco en noir. On est pas fan là. On a absolument tout ce qu'il nous faut pour le spectacle. Et attention, ça part très très vite avec Marwan. Le dédoublement de la part de Nordimou qui est... Il y avait une position de hors-jeu. La position de hors-jeu, malheureusement, ici pour le latéral parisien. ADX qui peut relancer la machine avec Zaïre Emery ici qui va écarter là-bas sur Patrick Vieira à côté gauche. Patrick Vieira, le bon contrôle, pas trop de solutions, donc forcément on repasse par Marquinhos. Le pressing de Marwan ici
qui est tenté à DRX. Pas de panique, Jean-Ro qui va pouvoir servir plein axe Zaïre Emery. On va écarter là-haut sur Moukielé, c'est bien fait, c'est bien remonté pour l'instant. Ouais, Nordi Moukielé qui va revenir sur Bafo, déjà quitté pour Moukielé. Attention, il y avait une solution dans l'intervalle, il l'a trouvé, c'est Kylian Mbappé qui est venu se proposer entrée de surface de réparation. Mbappé qui tergiverse avec Ousmane Dembélé, Zaïre Emery, Ronaldinho. Oh là là, ben voilà ce qu'on demandait. Ça, c'est du voilà ADRX. Voilà ce qu'on lui demandait. Ah, ça, du c'est ADRX. Du ADRX. Il fait du ADRX, tout simplement. Ah, ouais. Ouverture du score avec un schéma de passe extrêmement vif, complètement fluide, et une petite samba de Brasil pour régaler juste derrière. Ouverture du score de la part de l'AS Monaco, ça fait 1-0, Brian. Oh, magnifique, hein, magnifique, ouais, ADRX là qu'on retrouve un petit peu sur cette action ici. Là, et c'est vrai que c'est dans ces schémas-là qu'il est très très fort, ADRX, dans les petits espaces, les petites extra-passes là, qui, voilà, des passes de 1-2 mètres mais qui font toute la différence. Il l'a très bien fait sur cette action, le Monégasque ici, 1-0 pour l'AS. Attention, attention à ne pas se laisser endormir trop tôt, à ne pas se faire happer, attraper à la gorge du côté de Marouane. On le voit là, cette relance est mauvaise et on va finalement devoir repartir du côté des Monégas. Zaïre Emery, on a bien refermé la porte côté bordelais. La contre-attaque peut-être avec Ronaldinho qui essayait de trouver une solution, peut-être une solution longue, mais finalement le player lock sur Quentin Merlin ne paiera pas. Kylian Mbappé qui va partir tout droit, qui va passer l'épaule, et attention parce qu'il y a un nouveau danger là, Brian. Ouais, encore danger avec Zaïre Emery ici qui est qui va servir Ousmane Dembélé dans la surface. Ousmane Dembélé, l'air, ici on se retourne, la bonne défense finalement de Marouane, la relance ici qui va être assurée avec Marquinhos. Marquinhos avec Diakité, Diakité avec Quentin Merlin ici qui va déborder sur le côté gauche, le player lock. Non, finalement on va le cancel pour Marouane, la bonne passe à destination de Ronaldinho. Ronaldinho pour Zaïre Emery, Emery avec Ginola ici, Ginola qui va écarter là-bas sur Ronaldinho. Ronaldinho en 1 contre 1 ici face à son vis-à-vis côté gauche, il prend le meilleur pour l'instant. Ronaldinho, il perd pas le ballon, il le conserve, il revient finalement avec Quentin Merlin. On va tenter de servir Ginola mais la passe interceptée, mais on conserve le ballon côté bordelais. Ouais, Quentin Merlin qui va se reposer sur Warren Zaïre Emery à nouveau pour Marquinhos. Marquinhos qui va essayer d'aller trouver un player lock sur Nordi Moukielé. Finalement on va se raviser et on a Camara. Camara, c'est qui, c'est Madi Camara de Lille? Il me semble, tu mets le doute, je vais aller vérifier. Enfin, je vais aller vérifier. De Lille, de Lille, n'importe quoi. Il a Dijon. C'est Dijon, non? Reims, Dijon, je sais plus. C'est Reims. C'est Reims. Oui, non, c'est Brest. Brest, oui. Brest, oui, pardon. Brest. Il y a lui et il y a Lesmelou aussi qui est sorti. Pierre Lesmelou, ouais. Bon, on va pas en parler. Pierre Lesmelou, il nous a fait assez de mal ce week-end. Je vais pas te mentir, du côté du Havre, avec le seul but marqué, hein, du côté des Brestois, mais, effectivement. Donc ça doit être Camara, le Brestois, et non pas le Lillois. Comme mais n'empêche qu'il a un joli élément aussi, Lesmelou. Attention ici, Marron qui va trouver Ronaldinho. Il n'y a pas de hors-jeu ici pour Ronaldinho. Oh, la frappe enroulée ici de Ronaldinho. J'étais persuadé qu'il était en position de hors-jeu ici, mais pas de hors-jeu, visiblement, à la limite. Pour l'icône brésilienne ici, Marouane qui égalise dans cette rencontre. Ouais, je suis en train de regarder justement l'élément de Camara. Écoute, je l'avais pas vu arriver. 3 étoiles. C'est le Inform. Hein. Geste technique. Ouais. Inform, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr. 3 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied, d'accord. Bon, écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas la première fois qu'on le voit. Hein. Ça fait quelques matchs que les joueurs l'utilisent, ouais. Ouais. Bah, écoute, je ne l'avais pas vu. Effectivement, Eratum de ma part. Et Nordi Moukielé qui va pouvoir récupérer le ballon. Axe, je t'ai vu dans le chat fumier. tu veux me faire. Laisse-moi, j'ai paniqué. Ça arrive. Merde. Attention, tout de même, puisqu'on l'a vu, Marouane a réagi dans ce match. On va se reconcentrer, mon cher Brian. Et forcément, les Bordelais qui reviennent. Et on va avoir tout le travail à refaire du côté d'ADRX maintenant. On essaie de mettre la pression avec Ousmane Dembélé. Mais malheureusement, ADRX, qui plus le match dure, plus il disparaît de la cam. J'ai l'impression que c'est terrible. C'est même plus la technique Lex. On voit même plus le front, c'est que les cheveux. Et s'enfonce. Peut-être c'est mon père qui joue. On ne sait pas. En vrai, il peut y avoir un truc. Même si effectivement aussi ils ont à peu près les mêmes contours. Attention à Vieira qui va essayer de travailler sur le côté gauche avec Ginola. Ginola qui rentre dans la surface de réparation, c'est bien fait avec Ousmane Dembélé. Zaïre Emery pour Kylian Mbappé. Oh, comment il a tiré à côté, ouais. Elle n'est pas contrée, hein. Elle n'est pas contrée, rien du tout. Là ici on était au point de pénalty littéralement pour Mbappé ici, malheureusement pour ADRX, la frappe qui va complètement fuir le cadre ici. Attention, Marouane qui est reparti, déjà à l'opposé, déjà dans le camp adverse ici. Marouane M6-9 ici avec Ronaldinho côté gauche avec Camara, Zaïre Emery qui va trouver Mbappé ici, Mbappé avec Zidane avec Mbappé de nouveau, le bon passement de jambe, la frappe ici bien contrée
par ADX corner. Ouais, ouais, le pied gauche d'Mbappé, effectivement, comme Kane nous dit, on en parlera dans notre livre, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on le voit un petit peu lac devant la cage, hein. Comme dirait l'autre, il faudra ne pas regretter cette action du côté d'ADX. Attention à la relance, on s'est bien repositionné du côté de Vieira avec Marquinhos pour bafauder Diakité, Jean-Haut qui va écarter tranquillement côté droit avec Nordi Mukiele, Mukiele qui va accélérer pour Kylian Mbappé, Kylian Mbappé qui va pouvoir se retourner, Kylian Mbappé qui va continuer son travail pour rentrer dans cette défense. Oh, c'est magnifique, c'est magnifiquement fait. Parfait. C'est parfaitement négocié de la part d'Adéric qui reprend les devants. Le petit prodige de la Réunion qui se remet sur de bons rails pour l'AS Monaco. On le rappelle, en quête de 3 points dans cette rencontre. Rien à dire ici. Très très bien fait de la part d'Adé. C'est très bonne phase de jeu. Le bon, la bonne semelle avec la passe ici bien ajustée pour mettre Ginola dans les meilleures dispositions aussi à cette distance. Hein, tu l'as dit, la Ginola pied gauche. Mbappé pied gauche, ça peut rater. De temps en temps, on l'a vu sur l'action précédente, mais Ginola en général, les 5 étoiles, mauvais pied, ça fait toute la différence. La Ginola est en place, hein. Généralement, ça ne parle pas Toltec devant la cage. Attention, Nordi Mukiele est là qui va essayer d'apporter le danger côté droit avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé à nouveau, peut-être sur Nordi Mukiele, mais trop tard, ça a été anticipé par le vieux briscard Patrick Vieira qui va pouvoir relancer son équipe avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé pour Zaïre Emery, Jean Rau. Attention à ne pas se mettre dans une position défavorable, un peu tout seul là du côté d'Adé Eriks. La relance et les. What? Il a raté le ballon. Il a raté le ballon d'Embélé. C'est terrible, mais heureusement, ça n'a pas coûté au Monégasque et à Adéric, toujours sur le front de l'attaque, Brian. Ouais, ici avec Mbappé, ici sur le côté droit, Mbappé qui se retourne, on le fait bien, ça, du côté d'Adéric. On va trouver Ronaldinho aussi bien repris par Zaïre Emery. Ginola, ici pour Marouane, pourquoi pas cette dernière occasion de la mi-temps, ici 43e avec Mbappé qui va pouvoir servir Ginola. Ici Ginola qui va attendre le départ de Ronaldinho. Peut-être non, finalement c'est Mbappé qui va être servi plein axe ici sur un bon player lock. Ronaldinho de nouveau côté gauche, une minute de temps additionnel pour Marouane. On a un petit peu de temps pour jouer cette dernière occasion. On va revenir très certainement en retrait ici. Non, finalement on trouve un bon intervalle ici avec Mbappé, Ginola avec Zidane. Bien repris, bien défendu par ADX, ça avait été bien amené par Marouane, mais malheureusement la défense monégasque qui reste solide. Ouais, pour le moment on voit un peu agité, un peu agacé Marouane qui discute beaucoup avec son coach, qui doit être assez frustré du résultat pour le moment lors de cette première période, mais il en reste une deuxième. Il faut se reconcentrer, se ressaisir, écouter les bons conseils de notre ami Benoît Améné, dit Kalash, le coach des Girondins de Bordeaux, et du côté d'Adéric, essayer pourquoi pas d'accentuer cette avance, de créer un réel écart. Un des vieux de la vieille de la scène, hein, quand même. Kalash, je sais pas qui est le plus ancien. Alors, il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit, mais je pense qu'il y a Kalash, il y a Manica. Ouais, Manica est très loin aussi. Très et Aquino. Ouais, également, je sais pas qui est le plus ancien des trois, mais je pense que ça joue dans ces trois-là, un peu les ancêtres Manica de cette était scène. Là avant Aquino, non? Je sais pas du tout, honnêtement. Aquino, le plus vieux. C'était avant moi, donc j'étais pas né à cette époque. Ah, c'était avant toi, oh, largement. Ah, moi, je suis pas si ancien, en vrai. Ok. Moi, j'ai débarqué FIFA 13, 14. Bon. Ok, ouais. D'accord. Donc, moi, j'étais déjà. Mais après, moi, j'ai toujours été un mec plus ou moins de l'ombre, même si on en a connu quelques-uns. D'ailleurs, Stylish, pour ceux qui savent. Ah bah Poupi qui doit être bien renseigné, qui nous dit Kalash largement. Kalash largement, je pense. Oui, bon vieux Poupi. Aquino, c'était l'époque mythique avec Abdou, exactement. Et Manica? Manica, c'était si loin que ça. Manica, je crois que c'est fin époque mythique, début époque mythique. Manica, il a commencé, il avait littéralement 8 ans, je crois. Il y avait Vinch aussi, mais qui n'est plus. Oh, c'est moins, non, c'est beaucoup plus récent. Vinch, il était plus là vers 14-15, c'est un peu plus. C'est plus moi. Ta génération, je me souviens d'Aquino à époque, comme il dit, époque mythique, qui ensuite était allé dans l'équipe Millennium. On avait des sacrés rosters avec Julien Dassonville, pour ceux qui se souviennent, avec Sceaux aussi. Et Aquino qui est resté désormais en tant que manager du FC Nantes. On était déjà en tant que. Attention, mais c'est ADR qui se dit, parce que je raconte ma vie. Mais il y en a un qui est en train de tisser sa toile tranquillement. Et c'est ADRX là qui est venu éclater la lucarne de Marouane, tout simplement sur, il me semble, ce qui est un engagement, si je ne dis pas de bêtises. Kick-off. Kick-off goal. Et le kick-off goal qui fait pas du bien. Qui fait pas du bien. Attention. Et on pouvait encore tacler les gardiens, nous disent Louis. Effectivement, ouais, il y avait deux trois craquages qui étaient possibles. Kalash, c'est même avant Bruce sur un autre jeu. Bah, effectivement, ah oui, Kalash, il est là depuis. Je me demande si Kalash n'a pas fait partie des équipes Electronic Arts, hein, tout simplement, qui ont développé FIFA. Est-ce que Kalash n'était pas là depuis Ronaldo fait football. Attention, côté Marouane, on a quitté la chaise, on a quitté la salle littéralement pour.
pour Marwan ici. Oula, attention, le match qui... Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça lag de fou, en fait, là. Ouais, ça lag de fou. Il y avait Marwan qui n'était plus sur sa chaise. Je sais pas trop ce qui s'est passé. On va sortir ce ballon côté AD ici. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans cette rencontre ici. En tout cas, on voit un Marwan agacé. Hein. Pour le moment, un Derrick forcément beaucoup plus calme ici. Lui qui mène 3-1. Un petit peu bizarre là, ce qui vient de se passer ici. Nos signals. Ah, tout simplement, du côté de Marwan, on n'a plus d'image. Plus de son, plus d'image côté Marwan. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'espère qu'il n'a pas eu ça avant le but. Ouais. Qui serait assez terrible. C'est un peu relou. Ce qui serait assez terrible, mais on va comme vous les amis, on va attendre d'avoir un peu plus d'informations. Marwan très certainement sur le Discord ici, là, en train de texter ce qui se passe. Et oh là là, quel homme. C'est lui, c'est ta Valentine, même si il faut mettre les deux ensemble là, normalement. Ah ouais, normalement comme ça ils se kissent quoi. C'est une kisscam, là. Mettez, c'est ce qu'il demande. Plus, toujours bien accompagné à Rojo, vous le verrez sur votre canapé. Voilà, il est avec son âme sœur, Burak Kousan. Incroyable, quel couple. Et Marwan, à mon avis, il est en train de s'expliquer là sur le Discord. Dès qu'on aura plus d'informations, on vous en dira bien évidemment plus sur cette rencontre. Est-ce qu'on repart à 2-1? Est-ce qu'on repart à 3-1? La régie rigolait pas trop fort. Non, c'est simplement le plateau. Hein. C'est les frérots Arojo et Braque. Ah, c'est vrai que Braque, quand il rigole, il a tendance à avoir, voilà, on va pas se mentir. Hein. Ouais, et justement, on attend des nouvelles. Hein. Pour être transparent avec vous, la régie est actuellement en train de voir ce qui s'est passé du côté des joueurs. Est-ce que c'est un souci technique? Est-ce qu'on a une déco? Est-ce que c'est la play? On ne sait pas. En tout cas, on sent Marwan. Peut-être que ça va lui faire du bien. C'est une petite pause comme ça parce qu'on le sentait un peu tilté quand même dans ce match. Ouais, un peu tilté, un peu frustré. Marwan, c'est vrai qu'il nous le disait en interview que voilà, il a fait un excellent match contre RVP, notamment sur le match 3 la semaine dernière. Mais c'est vrai que il n'est pas assez régulier. Alors ouais, qu'on nous informe en régie qu'il jouait bien pendant le but. Il n'y a pas eu de souci. Ce but qui sera bien valable. Ça s'est passé après le but. Hein, la petite déconnexion malheureusement d'écran pour. Pour Marwan ici, on va reprendre. On a l'air de se remettre en position de combat ici pour le Bordelais et les joueurs qui recréent le match tranquillement. Ouais, heureusement, le mode compétitif est là pour reprendre au meilleur des moments, au moment où tout ça s'est interrompu. Tout simplement, on aurait pu laisser aussi l'image des joueurs, les gars, hein, parce que on va pas se mentir, on n'est pas plus intéressant que notre ami Kalash. Ok, il n'y a pas de problème, mon bro. Je vois Chou qui me menace dans l'oreillette, je vais être obligé de casser un tête. Il est agressif. Hein. Ouais, je le trouve un peu agressif. Je le reconnais pas ces derniers temps. Mais ouais. c'est pas grave. Tu vois, jeudi, là, il y a des combats intéressants. Là, Chou, fais attention. Fais attention à toi parce que je peux t'amener dans la cage aussi. Attention. Vous êtes bon pour meubler? Ah, je sais pas. Chef, faut jouer. On aimerait bien que ça joue, si oui, mais que veux-tu? Même si t'as un pseudo de GOAT absolu, ils sont en train de recréer la game, mon bro, t'inquiète. Ça va se relancer dans pas très très longtemps pour ceux qui nous rejoignent. En cours de route, on a eu une soirée pour le moment assez express, on va pas se mentir, avec la victoire du LOSC face au FC Nantes sur le score de 2-0. Eliane Bouchy s'est défait de Faucheur et Dax s'est incliné face à Rocky. De l'autre côté, on a eu le MHSC face à l'Estac, là encore une fois. Mens a énormément subi dans son match, mais est sorti victorieux 2-1. Rafsou a énormément eu de difficultés à contenir Dami, même s'il a livré une très bonne première période et s'est imposé sur le score de 6-4. Donc on a été chercher 3 points aussi du côté de l'Estac. Et dans cette rencontre, on a donc notre... On n'est pas là-dedans. On est déjà mariés, mariés. On est sérieux. Père de famille, il a déjà 14 gosses. Il peut nous faire une équipe de foot. Nous, on n'est pas là-dedans. On laisse ça, par contre, au très beau gosse sur le canapé. J'allais dire, Dims, les équipes, du coup, les lanternes rouges, un peu, qui se rebellent un peu. Cette journée, l'Estac qui prend les 3 points. Monaco, pour l'instant, qui se dirige vers ces 3 points, à moins d'un énorme choc ici d'ADAX, qui, on le rappelle, menait 3-1 avant la déconnexion, alors que... Non, qu'est-ce que tu veux, toi? Allez, on est parti. J'ai fait une énorme bise aussi à Rudy Voleur, le goût de la bienveillance qui est présent dans le chat. On va pouvoir repartir dans le match, cette fois-ci, entre Marwan et notre ami Adéric. 3-1 pour l'AS Monaco, 50e minute à la montre. Et on est reparti.
parti, Brian, enfin pour la fin de cette rencontre. Ouais, 50e minute ici, ça laisse un peu de temps à Marouane pour pourquoi pas revenir dans cette rencontre ici. Zidane malheureusement qui va perdre le ballon ici et il y a Derrick qui va pouvoir repartir avec Diakité. Diakité qui va servir Marquinhos. Marquinhos, on va écarter du côté de Nordi Moukiele ici, côté Adérix, on le voit. Hein. On a envie d'assurer les relances ici, pas faire d'erreur, pas offrir des possessions gratuites à Marouane. Ici, c'est bien fait. Mbappé qui a un petit peu d'espace devant lui, qui peut servir Ronaldinho. Ronaldinho avec Mbappé de nouveau. Mbappé avec Ronaldinho peut-être. Non, finalement, le speed boost. C'est même plus un speed boost, ça, c'est un TGV. Et le contre favorable ici, malheureusement, le ballon qui revient dans les pieds d'ADX ici, tout sourire, qui prend le large dans cette rencontre. 4 buts à 1 pour la SM. Mais t'es sous l'hydro ou quoi, Kylian Mbappé là, c'est quoi, comment il s'appelle dans Fast and Furious, c'est quoi son rôle là, j'ai pas les refs là, aide-moi Brian. Dans Fast and Furious. Eh oui, le perso, Dominique Toretto, non c'est ça. Alors là, ah, tu l'as pas, ouais, Brian. Je pas. Ouais, mais toi, tu regardes des films d'auteur, toi. Toi, t'es d'accord avec Vraiment, ouais. Moi, je suis très film d'auteur. Tu as vu le dernier Gaspard Noé, Attention, petit. Pour Marouane, je suis grave dans ça, vraiment. T'es complètement. Ah, ouais. Mais bon, en ce moment, tu sais, avec le petit, c'est plus bébé Louis, ah, ouais, la patte patrouille, tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Je vais pas te mentir, je sais ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant. Mais effectivement, on ne peut y échapper. D'ailleurs, le dernier film, Patte Patrouille, qui sort bientôt. Je pense que tu vas être corvé pour aller au cinéma, mon cher Brian. J'espère que ça te fait plaisir. Il va pas encore au cinéma. Hein. Laisse-lui le temps de grandir. Ah ouais, bah attends, c'est le fils de Brian Savary. Normalement, il fait approximativement 1m72 déjà. Là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes, Brian? On reparle dans cette rencontre ici à DAX. Un 13 sur 1 pour l'instant dans ce match qui a toujours le monopole du ballon. Maintenant, c'est récupéré ici pour Marouane avec pas mal d'espace. Pourquoi pas sur le côté gauche avec Ronaldinho. Ginola cette fois qui va décider de partir côté droit vers Zidane. Zidane qui repart finalement côté gauche avec Zaire Emery qui peut servir Ronaldinho. Ronaldinho avec Mbappé. Mbappé avec Ginola. Ginola, le décalage malheureusement pour Warren. Zaire Emery ici qui n'arrivera pas, et Adéris qui peut repartir. Oui, ouais, on continue de garder espoir du côté de Marouane, mais ça va être compliqué. 3 buts à aller récupérer, moins de 25 minutes dans le temps réglementaire. Attention tout de même du côté d'Adéris, à ne pas faire trop d'erreurs avec la Ginole qui récupère le ballon. Le fake PR, le cube fois, deux fois, trois fois, et finalement, on va servir Kylian Mbappé sur un vrai plateau d'argent. Réduction du score, 4 buts à 2, toujours en faveur d'Adéris, mais là, il ne faut pas se frustrer, il ne faut surtout pas en laisser trop du côté de d'Adé, parce que derrière Marouane il ne fait pas de cadeau. Et on salue aussi notre ami Samy Lumine, coach de l'Olympique de Marseille, qui est présent dans le chat. Il est venu se renseigner des résultats. Voilà, c'est même lui qui envoie les petites commandes là en point d'exclamation résultat. Il se régale. Attention ici, Patrick Vieira pour Adéris, côté gauche qui longe la ligne littéralement avec le player lock pour Ronaldinho. Oh, encore une fois le raté ici pour Adéric, c'était Mbappé pied gauche tout à l'heure. Bon, on va dire c'est le pied gauche. Là, Ronaldinho pied droit parfaitement placé. La frappe qui s'envole en tribune malheureusement. Ah, ça commence à faire beaucoup. Et attention, parce que lorsque la bête est blessée, la bête est encore plus dangereuse. Et Marouane va continuer de multiplier les assauts sur la cage monégasque avec la passe en retrait pour Camara. Camara pour Ginola. Zinedine Zidane. Bien joué. Mais comment cette frappe n'est pas cadrée. Le timing était bien pour ton Real, où j'y rêvais là. Mais ouais, attends, j'ai pas vu le timing. Honnêtement, Dim, je peux pas te répondre, mais par contre, la position de frappe de Ronaldinho, je l'ai bien vu et tout était réuni encore une fois pour que ce ballon finisse au fond des filets. Et si malheureusement la frappe qui fuit encore une fois le cadre, et c'est reparti déjà dans l'autre côté, un match avec du rythme hein, dans cette rencontre. 6 buts déjà et ça ne s'arrête pas. Mbappé dans la surface, Mbappé là, McGuidi cancel ici. Non, ça va être récupéré tranquillement par Marouane. 6-76e, il va falloir marquer vite pour le Bordelais. J'en reviens toujours pas que Ronaldinho ait mis ce ballon à côté, parce que Marouane fait tout parfaitement hein, sur cette action. Il n'a absolument rien à se reprocher. Et là, croyez-moi que ça nous aura offert une fin de match exceptionnelle. Ouf. Pourquoi pas sur celle-ci, mais Marquinhos laisse traîner son pied. Et je pense qu'on doit commencer à transpirer du SIF, comme on dit, mon cher Brian. C'est que tu connais l'acronyme pour Adéris. Il faudrait pas lui mettre une olive entre deux, parce que ça vous ferait un litre d'huile, tout simplement. Attention, aussi Ginola pour Adéris qui va peut-être conserver ce ballon. Non, finalement, on va peut-être essayer de mettre. Non, mais ils veulent pas marquer. Il y en a 6, il pourrait y en avoir 10 dans cette rencontre. Dim, si, le raté encore monstrueux ici. Alors qu'ADX avait tout bien fait là, avec cet élastico inversé ici à la fin pour éliminer le vis-à-vis. Et la frappe, encore une fois, qui part à l'autre bout du stade. Malheureusement, ici, 80e minute pour Marouane. Ici, c'est 10 minutes pour mettre deux buts jouables.
Mais il va falloir aussi voilà, une grosse panne hein, côté ADX ici pour cette fin de match. Ouais, ouais, on va commencer à les multiplier, les actions encore et encore qui ne rentrent pas. Et je ne sais pas quoi dire parce que là, encore une fois, tout à l'heure c'était avec Ronaldinho, là cette fois-ci c'est à nouveau avec Ronaldinho. Il me semble qu'on manque le 4 côté ADX. C'est Gino là. C'est la Gino qui C'est Gino là, c'est de là. C'est terrible, on a dit du bien de lui et derrière ça, ça choque, hein, tout simplement. Ah, vous êtes des ouf dans le chat. Il y a encore quelques vieux roublards des résistants qui sont toujours présents pour suivre la fin de cette rencontre et on vous en remercie. En tout cas, sachez que pour moi, le Sif, c'est le second informe hein, et rien de plus. Hein. Ah ouais pour moi, c'est genre Mbappé, il a un Sif, c'est tout. Y a ah, pas de... ok. Bah non, c'est. Non. Second informe. Second informe. Mais voilà. Du coup, s'il a un Sif. Ah, le second souffle. What? Seconde informe, c'est quoi ça? Bah c'est quand t'as une première carte tot, c'est informe, et quand t'as deuxième, c'est seconde informe. Ah ok, d'accord. Et le troisième, c'est troisième. Ah ok, juste la. Okay, informe, okay, c'est okay, l'abréviation okay, okay, quoi. Okay, okay, okay. Ah ouais, dans la classique, j'y étais pas du tout, frérot. Je croyais que t'étais en train de me faire l'américain et tu me disais genre le second souffle dans FIFA. Ah non, 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 pas du tout. C'est le second informe. Je disais, qu'est-ce qu'il me raconte la savarance? On nous dit à Derrick, ouais, non, on n'est pas du tout sur le même sif. Hein. Chez moi, le sif, c'est. c'est pas ça du tout. Il n'y a pas, il n'y a ni Mbappé, ni. Attention, équipe Marouane. Attention, oui, parce qu'on dit, il n'y a pas d'Mbappé, il n'y a pas de Chouchou Express, mais s'il est toujours présent, et Marouane qui, à chaque but qu'il marque, il est de plus en plus dégoûté au fur et à mesure que le match avance, parce qu'il se dit, mais pourquoi j'ai fait autant d'erreurs? Je préfère le sif de Dimps à celui de Brian. Je t'en prie, Love That Stuff, on ne connaît pas, on n'est pas encore assez intime pour que tu dises ça. Enfin, mon ami, là, c'est quoi ce bordel? Et puis, ah, c'est du Dimps, ah, mais non, mais les gars, déjà, faut bien comprendre. Non, moi, je suis un vieux père, je ne joue plus à foot. Je suis un mec du club pro, moi, les gars. Je suis un mec du club pro. Donc, il me parle de seconde informe, et je pense qu'il pense qu'il parle de la touche second souffle, les frères. Faut bien comprendre. Ah, on a branlé de vos cartes. Ah, je vais le dire maintenant. Lâchez-moi le steak. Quoi que c'est que ça à foutre, les futs champions, mais on gage, une vie, il y a un week-end. Ma meuf va me mettre des coups de casserole, à faire des 20 matchs, à mettre des patates dans l'écran. Hein, je suis plus là-dedans, moi, mon garçon. Attention, Dimps ici, parce qu'on a une fin de match ici qui est totalement relancée, quand même avec Marouane au pressing, forcément qui va tenter de récupérer très très vite ce ballon. ADX intelligemment ici qui va s'enfermer sur le côté droit avec Moukielé qui se retourne correctement. Il arrive à garder ce ballon, pas de position de hors-jeu pour Mbappé ici. Tout est bien maîtrisé, tout est sous contrôle pour l'instant pour ADX. Et si on va la récupérer côté Marouane, est-ce qu'on a le temps de la jouer? Forcément, on est obligé de se précipiter vers l'avant ici. Pas de joueur pour réceptionner cette passe. Ça va être une défaite. 4 buts à 3 pour Marouane dans cette rencontre. Et les Monégasques qui vont à leur tour quitter la dernière place du classement au profit du MHSC, hein, tout simplement, qui va rester en dernière position. Et les Monégasques qui vont pouvoir respirer un petit peu. Compliqué, compliqué. Brian qui dit attention, Brian, je n'ai pas entendu. En même temps que le nombre de débilités que je dis pendant tout ce match, forcément, Brian, il est un petit peu mélangé, il est un petit peu chamboulé. Mais des fois, il se parle un peu à lui-même comme ça. Des fois, il est en train de se dire. Bon, les gars, on dirait pas, mais je suis fou. Hein. Brian, en fait, c'est-à-dire que des fois il y a Brian et des fois il y a Monsieur Savary, donc c'est le mec qui prend le contrôle un peu. Attention, ça fait plaisir pour Adéric, effectivement ça va lui faire plaisir et un grand bien en termes de confiance. L'AS Monaco qui enfin va chercher cette victoire, plus jamais tu me parles comme ça Chouk. On part directement à l'analyse desk avec les copains et je ne sais pas pourquoi Kanto est nu, on aura la réponse dans quelques secondes. Merci messieurs, victoire d'Adéric et victoire monégasque avec bonus donc ici ce soir messieurs. Voilà une soirée full de zéro, très rapide et avec des points bonus. Oui, des points bonus et surtout voilà, des équipes qui ont fait le travail, notamment cette équipe de Monaco qui a réussi à complètement faire la différence. On le disait, il ne fallait pas de match 3 et ils l'ont bien fait. Ouais, ils l'ont bien fait. On va voir les ralentis, Braque. Un match, mine de rien, prolifique en but, hein, avec deux joueurs qui, on le sait, aiment marquer dans cette compétition et on n'a pas été déçus. Ouais, c'est ça. C'est un match très débridé qu'on a vu sur cette partie. Forcément, dans ces spots-là, tu sens bien que les joueurs ont besoin d'enflammer un petit peu, d'ouvrir les matchs et d'arrêter de calculer. Je pense que c'est ce qui s'est passé très clairement ici. Les deux ont bien ouvert le jeu et puis ça a tourné à l'avantage d'Adéric qui paraissait un petit peu plus inspiré offensivement parlant. Il a fait le match qu'il fallait, même s'il s'est fait peur quand même par moment, mais... Voilà, il y a aussi en face un joueur qui est très fort, qui est très solide, qui est très complet, Marouane. Il n'est pas tombé dans ce piège. Je pense qu'il a su resserrer les boulons quand il fallait. Et ça donne une victoire monégasque très importante. À chaque fois, on a l'impression de se répéter pour les équipes parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de matchs d'équipes qui étaient en deuxième partie de tableau.
Donc forcément, on a cette tendance à vouloir un peu se dire que chacune joue sa survie. Là, Monaco reste encore dans la course. Et c'est vrai que Monaco, ça a été beaucoup dit aujourd'hui, mais on avait été partiellement et passablement un petit peu déçus par ce qu'on avait vu, parce que forcément, on avait investi beaucoup sur eux. On en attendait un petit peu plus, ne serait-ce que pour jouer encore un peu plus les troubles faites et jouer le haut de tableau. Finalement, voilà, cette victoire leur permet de rester en vie et... Encore une fois, ouais, un match avec beaucoup, beaucoup de buts. Ah, et fais attention, Chouk, j'ai l'oreillette qui est ouverte dans l'oreille. Messieurs, on va pouvoir donc clôturer le replay de cette rencontre avec la victoire d'ADRX pour l'AS Monaco qui vient se combiner à la première victoire de Yasko. Haro, est-ce qu'on peut dire que ce soir, la course en bas de tableau se relance un petit peu ? Complètement, elle se relance. Tous les dés sont rejetés, on le disait souvent et on le répétait énormément sur tous les 2-3 premières journées avec Brian. On disait, voilà, c'est vrai que c'est un marathon, etc. On a le temps, voilà, là, le temps, il n'y en a plus. Maintenant, c'est le sprint final, il faut absolument chercher des points. Et surtout, pour les équipes qui sont en bas, cette semaine, c'était la meilleure pour prendre des points. Les stacks l'ont très bien fait en relançant les probabilités dans leur sens. Monaco le fait encore plus maintenant avec ses 3 points. Par contre, il va falloir lancer des vraies machines et on risque d'avoir peut-être une belle histoire dans ce bas de tableau. Une équipe qui remonte, on l'espère, pour évidemment avoir du suspense jusqu'au bout. Mais cette équipe monégasque, ça me fait plaisir pour eux. Je sais que c'est des garçons qui travaillent, ils se remettent beaucoup en question. J'en ai beaucoup parlé avec Yasko. Je sais que c'est difficile pour un rookie d'arriver dans une institution comme l'AS Monaco eSport, que d'être dans la difficulté, voilà, de ne pas réussir à marquer quand on est représentant de l'équipe de France, etc. Donc voilà, bravo à eux. Et c'est dommage pour les Bordelais parce qu'on a envie de les voir sous un meilleur visage et avec le sourire. Mais aujourd'hui, ça n'a pas souri. Eh ben, on va aller les voir, les Bordelais, justement, pour l'interview d'après-match. Bonsoir, messieurs. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'était un match important face à l'AS Monaco, une équipe qui était virtuellement à la dernière place. Malheureusement pour vous, c'est une défaite, j'ai envie de dire, une défaite un petit peu frustrante parce que ce sont deux résultats avec beaucoup de buts, mais qui ne vont pas en votre faveur. Ouais, tout à fait. Bonsoir à tous. Ouais, c'est frustrant. Salut. On voulait clairement faire la différence sur Monaco ce soir, et alors, malheureusement, on est un peu retombé dans les travers de la première partie de saison où on n'est pas tueur, et en plus, je pense qu'on n'a vraiment pas de réussite parce qu'il y a des timings verts qui partent dans les 6 mètres et qui finissent pas au fond des filets, et ça ne nous met pas en confiance que derrière on encaisse des buts. Donc, on perd les matchs d'un but, et quand on voit les situations, on est un petit peu déçu ce soir, forcément. Donc, bien joué à Monaco. On aurait voulu laisser derrière, mais malheureusement, ils reviennent sur nous aussi. Donc maintenant, on n'a plus droit à l'erreur. Hein. Si on veut aller voir les playoffs, il faudra enchaîner que des victoires. Et voilà, on sait que ça va être compliqué. Donc ce soir, on accuse un petit peu le coup. Malgré tout, ce soir, beaucoup de victoires à 3 points. J'imagine que même si ce n'est pas une bonne opération pour vous, de voir vos adversaires avancer aussi vite, il y a quand même une part de positif de vous dire que, en enchaînant vous, les victoires à 3 points, vous pourrez également revenir rapidement. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. Mais là, le problème, c'est qu'on paye un peu notre première partie de saison, parce que des défaites comme ça, deux défaites d'un but, ça peut arriver, mais notre première partie de saison a fait qu'on n'avait plus tellement le droit à l'erreur. Là, on va devoir commencer à sortir les calculettes, à devoir compter les points et surtout à enchaîner les 3-0, sinon, les 2-0, sinon ça va être très compliqué. On va jouer trois grosses équipes du haut de tableau, il me semble que c'est les trois premiers en plus. Après, on garde la foi, on garde la confiance, parce que c'est faisable, on sait de quoi on est capable. Il faut relancer la machine et il faut juste retrouver ce petit grain de confiance qui manque pour faire basculer les matchs du type de ce soir en notre faveur. Et c'est ce qui nous manque depuis le début de saison. Il y a plein de matchs qu'on perd d'un ou deux buts. C'est vraiment rare qu'on se fasse surclasser par l'adversaire. Mais c'est ces points-là qui nous manquent malheureusement. Et en tout cas, on va jouer jusqu'au bout. Et on est, je crois, 8-9e. On n'est pas très loin de la 6e place. Il faut jouer jusqu'au bout et on verra ce que ça donne à la fin. Bah écoutez, messieurs, merci de nous avoir répondu après cette rencontre. On vous retrouve dans les prochaines semaines, pareil, pour on l'espère et on vous le souhaite, des victoires. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Salut à tous. Bye bye. Ciao. Ah, les Girondins de Bordeaux qui, malheureusement, ce soir, ouais, ne prendront pas de points. Ils ont conscience que devant, la locomotive avance, et surtout dans cette journée de demain, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait des équipes du bas de tableau qui jouaient, mais demain, c'est le top 6 qui va avancer, et il y a des équipes qui ne seront quasiment plus rattrapables. Alors, celles qui vont perdre le seront encore, mais celles qui vont gagner ne le seront plus. Interview AS Monaco à présent, messieurs victorieux qui se sont relancés, Yasko, ADRX en notre compagnie. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'était le match de la dernière chance. En cas de défaite, vous étiez quasiment éliminé avec 3 points. Maintenant, c'est une victoire qui vous permet d'en avoir 6, de recoller à 5 points de ce top 6 et de continuer à espérer encore.
tous. Ouais, victoire, je pense, méritée sur l'ensemble de la rencontre. Maintenant, il n'y a pas de quoi s'exciter dans tous les sens. On n'a que 6 points. On a encore, la route est encore longue. On sait qu'on en est capable. On l'a prouvé aujourd'hui, je pense, en battant des joueurs qui étaient quand même dans une confiance qui grandissait petit à petit. Parce que je crois qu'ils sont sur 2 victoires de suite, je crois, il me semble. Ouais. Donc voilà, c'était des joueurs qui commençaient à être en confiance. Nous, on part vraiment de zéro. Donc voilà, je suis fier de nous deux aujourd'hui. On a bien joué. Maintenant, il n'y a pas encore de quoi s'exciter pour le moment. Ouais, salut les gars. Bon, j'espère que vous allez bien, mon petit Yaskis. Tu m'as fait le travail. Aujourd'hui, je suis content parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait avec Brack. L'impression que même si ce n'est pas encore le grand Yasko, le Yasko Pixel, voilà, il y a eu beaucoup de pression, c'est une saison difficile à démarrer. Aujourd'hui, tu as su te libérer un petit peu. On a revu des très belles phases de jeu. Comment est-ce que tu expliques ça? Pardon, wow, j'ai failli me vomir dessus. Mais ouais, de ouf. Et comment tu expliques ça? Et puis surtout, est-ce qu'il y a eu un tournant là, dans cette semaine? Est-ce que ce n'est pas aussi le facteur ADRX à côté de toi? C'est le AD Boost? Franchement, je ne sais pas en vrai. Mentalement, depuis le début de la saison, je suis bien en Ligue 1. Je suis pas quelqu'un qui ressent beaucoup la pression pendant les matchs ou quoi. Je vais pas faire le mec ou quoi, mais franchement, en vrai, c'est plutôt juste dans le gameplay. En vrai, je trouvais pas trop mes repères depuis le début de Ligue 1 avec les joueurs, parce que souvent les gens ils se rendent pas compte, mais en fait, quand tu passes des équipes FGS aux équipes Ligue 1, il y a vraiment un monde d'écart. Et j'arrivais pas trop à trouver mes repères. J'étais pas très bon. Mais voilà, je pense que le travail d'AD au quotidien. Le mien aussi, celui des coachs font que on arrive à remonter la pente et montrer un beau visage. Salut les gars, et franchement bravo pour la victoire de ce soir, parce que je pense qu'elle va faire du bien pour la suite. Moi j'ai une petite question pour AD, parce que c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai qu'il n'a pas le casque. Bonsoir, salut AD. Ouais, bonsoir. Moi, j'avais une petite question pour toi, parce que forcément toi t'es le joueur qui est resté du côté de Monaco, et... on a un peu la sensation que tu as un peu un rôle de grand frère cette saison avec Yasko qui vient de vous rejoindre. Comment est-ce que ça se passe au quotidien et qu'est-ce que tu essayes de lui apporter en termes d'expérience pour qu'il livre les meilleures prestations possibles? Parce qu'on sait très bien que Yasko, c'est du très costaud. Non, franchement, Yasko, je n'ai rien à lui apporter. Parce qu'on sait très bien que c'est un grand, grand champion. Il a été champion d'Europe. On sait très bien, il a beaucoup d'expérience pour quelqu'un qui vient d'arriver sur la scène. Non, c'est juste qu'on partage nos gameplays et après on apprend de l'un et de l'autre. Et puis voilà quoi, tout simplement. Ah, t'es modeste. Merci messieurs, passez une bonne soirée. On se retrouve dans les prochaines semaines pour la suite. Bye bye. Salut. Au revoir. Les gars. Ciao. Allez messieurs, on va pouvoir se remettre les scores du jour et découvrir les rencontres qui nous attendent demain en ce mercredi. 3 matchs très rapides, expéditifs ce soir avec la victoire 2-0 du LOSC face au FC Nantes, 2-0 de l'Estac face au MHSC et enfin la victoire, vous venez de la vivre en direct, 2-0 également de l'AS Monaco face aux Girondins de Bordeaux. Demain, 3 rencontres au programme. Le Racing Club Strasbourg-Alsace va évoluer face aux champions de France, le FC Lorient, avant d'avoir l'affiche de la semaine by Uber Eats, ce superbe classico entre eux, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, avant d'avoir un match de clôture de gala Clermont Foot 63 à 21h face à l'Olympique Lyonnais, des équipes en tête, des équipes du top 6 qui vont s'affronter. Aro, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Bracou d'avoir été merci avec beaucoup. Nous. Merci à Brian et à Jims également d'avoir été à nos côtés. Merci à nos partenaires Uber Eats et PlayStation Tournament de nous accompagner également cette saison. Et à toutes les équipes d'OTP, de la Ligue de football professionnel et d'Unitim pour le travail réalisé lors de cette émission. Voilà, et la fidélité. Voilà, oui, évidemment. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir. Toujours aussi fidèles. On vous trouve demain également au rendez-vous. Rendez-vous 18h. 30. On vous laisse avec cette belle image d'Aro, cette belle figure, cette belle grimace et on vous embrasse. À demain. Bye bye. Désormais, on va essayer de toucher peut-être Ginola dans l'axe. Pour le moment, c'est compliqué. La transmission a été faite. C'est Ronaldinho qui va se retourner. Ronaldinho qui revient avec Ginola. La frappe et l'ouverture du score de Diogo Peixoto. Le PSG, c'est une équipe redoutable. On va pas se mentir. C'est une des meilleures équipes de cette Ligue 1. Les deux joueurs font partie des meilleurs joueurs de ces dernières années en Ligue 1. Ça ne passera pas et on va laisser le Bordelais se relancer. Attention, grosse perte de balle de la part de Karim Isbak avec Mbappé qui va servir Ronaldinho Gaúcho. Goal! Lasso!
les frères Peixoto, c'est des joueurs excellents. Ils font partie des meilleurs depuis que j'ai commencé puis e-sport depuis 4 ans. La compétition est plus difficile. Tout le monde l'a vu, cette année, c'est vraiment la compétition la plus relevée du monde. Donc c'est normal qu'on soit un peu plus en difficulté, qu'on soit un peu plus challengé. On va revenir directement sur Zinedine Zidane, Di Sassignori, tout simplement. Ginola à nouveau qui va écarter sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va assister la frappe et l'égalisation. Quand il est en confiance, vraiment, c'est très très dur de l'arrêter et je le sens très très bien. Même lui, il se sent dans sa période la plus forte de la saison. Honnêtement, jouer avec Elias, c'est juste un plaisir. Vraiment le meilleur des teammates, il s'entraîne tout le temps. Il joue à fond à chaque match qu'il fait et j'espère continuer avec lui aussi longtemps que possible. Le Classico, c'est un match hyper particulier. On a à cœur de le gagner avec Leandro, c'est vraiment un match spécial. Un Classico, que ce soit dans l'e-sport, dans le football, c'est toujours un match particulier. Je pense qu'il y a plus de plaisir que de pression. Là, on vient pour gagner.